Thomas. Saïd. Jeannot, je sens que tu vas faire tomber des slips ce soir. À quoi ZSX? Saïd. CA va finir en slip. Soma. Saïd. Salut. Thomas, Saïd, il est beau mon Jeannot, avec son poil dru. Emrys Cardiff, Saïd, Prout, Marcus, Saïd, une dictature c'est quand les gens sont communistes, déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris, et des chaussures à fermeture éclair. Quinquin. Saïd. Grosse dédicace à Christophe Demarque, le trompettiste de Valenciennes. Thomas. Saïd. Massif Paix. Tiquinquin. Saïd. 4 ans qu'on les attend. Jean Miaou, Saïd, Jean Robin, c'est rien qu'une trompette, t'es mort. Thomas, Saïd, Jeannot, tu as une tête de PNJ sur l'animation d'Hervé. Emrys Cardiff, Saïd, paye une bière. Tiquinquin, Saïd, il tape la honte. Marcus. Saïd. Line mat pour débattre avec l'artiste anti-chinois. Jean Miaou. Saïd. Comment ça? Je m'appelle pas Saïd. Tiquinquin. Saïd. Hervé sosie d'Hervé Tonight. Les heures les plus sobres. Saïd. Salut à tous. Pirote des Caraïbes. Saïd. Mange tes mordés. Thomas. Saïd. Tata mis le pied dans la demeure. Coloriage plus. Saïd. Salut VV. Tu nous as manqué, visage souriant. Tiquinquin. Saïd. Christophe Demarque, canard de pirote. Pacman. Saïd. Je veux cela mise en slip. Le centre. Saïd. Elle magnifique au Jean Robineau. Roger. Saïd. FD News, la meilleure chaîne d'information, clin d'œil. Tiquinquin. Saïd. Geoffrey le sang David Favre. Saïd. Jeannot au rabinette. Albar de Singla Jérémy. Saïd. Bijour li fouon c'est, les Anglois ont recommencé leurs bêtises au Stade de France. Pacman. Saïd. Jeanne sauve-nous.
David Favre. Saïd. Le maghrébin partage 99,9% de son génome avec l'anglais de Liverpool. Tiquinquin. Saïd. Descends Hervé, je suis en bas mais mort. Star Paul. Saïd. Azouzou. Alain Akebar. Saïd. Oh. King Kong. Saïd. Salut à tous. Tiquinquin. Saïd. Re Alain. Roger Roger. Saïd. Starfoulo. Albar de Singla Jérémy. Saïd. Saint soldat du slip sauve-nous. Lou. Saïd. Life Posey. David. Saïd. Ambiance Far West chinois. Les heures les plus sobres. Saïd. Poussez poussez. Tiquinquin. Saïd. VV, tu peux faire une dédicace à Christophe de Marques TP. Johan Quille. Saïd. VV, tu vas te pointeur saper en garde rouge. Star Paul. Saïd. Il est énervant ce Saïd. Mars Manu. Saïd. Kikoulol. Alain Akebar. Saïd. Arrobas Tiquinquin recette Alain. Starduxu. Saïd. Bonsoir à tous. Lasté. Saïd. Du coup c'est qui l'invité? Haussement d'épaule, haussement d'épaule. Olfred. Saïd. Bonsoir Vivi, bonsoir à tous. Est-ce que l'invité sera en présentiel? Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes là, c'est fantastique. Salut, ça va, vous m'entendez bien? Oh, il nous a gonflé ce Saïd. Je sais pas pourquoi la voix de robot, elle dit Saïd à chaque fois. Bonjour, ça va? Y'a qui? Y'a Bleu Vert, Thomas, Le Centre, Ticoincoin et les autres, vous allez bien? Ce soir, grande soirée, ben parce que déjà, c'est la reprise. C'est la reprise des lives. Ça va, vous allez bien, vous m'entendez? Ouais. Alors, je crois que j'ai des petits problèmes de mon oreillette Bluetooth, alors on espère que ça va pas être trop gênant, bien sûr. Alors, ce soir, grande soirée spéciale, parce que j'ai un invité, vous l'aurez bien compris, j'ai teasé à mort, hein, je vous ai rabattu les oreilles avec cette histoire. Ce soir, j'ai un invité qui est présent dans le StreamYard, qui attend dans les backrooms, je vais le prendre, bien sûr. Ça va, qu'est-ce que vous me dites? Salut, bonjour. Tout va bien? Ouais, Saïd, je sais pas d'où il est apparu ce Saïd. Je sais pas, ça fait un petit moment là que je m'étais pas connecté parce que j'étais en vacances, je faisais pas de live. Vous l'avez remarqué, j'espère. Et donc je sais pas, là aujourd'hui je rallume comme d'habitude. Hein. Je mets mon logiciel de voix de robot et tout, et d'un coup Saïd par-ci, Saïd par-là. Certains vont y voir un signe. C'est le hasard de la technique. Bonjour, bonsoir à Saïd. Bon, vous avez liké, partagé, j'espère. Ouais, bon, ben c'est super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne mon invité tout de suite.
Il est là, il est beau, il a une chemise à fleurs. Il nous vient de Polynésie, c'est la France, madame. Madame, c'est monsieur Jean Robin. Bonjour Jean Robin. Est-ce que j'ai affaire au vrai VV ou c'est... Parce que j'ai pas ta vidéo là. C'est le vrai VV. Bonsoir Jean. Deux secondes. Point de vue du son. Alors, oui, c'est le vrai VV. Je peux pas mettre ma webcam dans le StreamYard, Jean Robin. Parce que quand je diffuse en même temps sur YouTube, je suis limité par la contrainte. Voilà, mais c'est bien moi, c'est bien moi. Salaud d'Américain. Salaud d'Américain. Ça va ? Vous allez bien, Jeannot ? On se vous voit ? On se tutoie, là. On se tutoie, allez. En Polynésie, on tutoie tout le monde. D'accord. Dans le Maghreb aussi. Ça fait un point commun déjà avec le Maghreb. Le tutoiement facile. Mais c'est vrai que le Maghreb, comme la Polynésie, nous ont aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Ouais. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Ça commence. Alors, je vais régler les volumes. Jeannot, je gère un peu les volumes. Ouais. Est-ce que vous entendez bien Jean Robin, mesdames et messieurs? Je monte un peu son. Ouais, je pense que ce sera mieux comme ça. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça va, si vous entendez tout ce qu'il faut. Ok. Bon. Alors, Jean Robin, ben merci d'avoir accepté mon invitation. Ben c'est moi qui te remercie. C'est rare quand je suis invité dans des radios libres de gauche, donc ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Ouais, ici, on est. Moi, ça me va, on est à gauche. Hein. Ouais. Voilà. Troisième République, comme Henri de Lesquin. Troisième République. Ben, il paraît que c'était pas mal la Troisième République. Alors, moi, j'y comprends pas grand-chose. Hein. Mais je crois que la Troisième République. Je te lis un petit extrait de la Troisième République. Ouais, alors moi, attends, déjà je te dis, moi ce que j'en sais, le peu de loin comme ça que j'en sais de la Troisième République, c'est qu'on lui reprochait une certaine instabilité. Moi j'ai retenu ça. Et après, par contre, quoi, ça serrait un peu plus la vis, non, je sais pas. Vas-y, dis un peu la Troisième. Non, instabilité, non, tu dois confondre avec la Quatrième République. C'est possible. La Troisième République, elle a duré 70 ans et c'était, tu sais, Jules Ferry, Jean Massé, Paul Bert et tous leurs copains. Ouais. Ceux qui nous ont imposé l'éducation nationale socialiste et tout ça. Donc, je te lis un extrait de Paul Bert, ministre de l'Instruction publique en 1881. Voilà, reconnu avec Jules Ferry pour leurs actions pour rendre l'école laïque et obligatoire. Donc, c'est, tu vois, il n'y a pas plus haut. Alors, ouais. c'est son manuel de classe de 8e. Donc, je ne sais pas, ça doit être CE2. Tu vois, CE2, CM1, je sais pas, ouais. L'équivalent aujourd'hui. Première notion de zoologie, je cite, hein, donc là, attention à les algorithmes. Les nègres, je cite, attention, Paul Bert. Merci. Donc, il y a des collèges Paul Bert partout en France. Hein. Donc, c'est ça qui me fait marrer, tu vois, avec les gauchistes, c'est que, Céline, antisémite, machin, mais Paul Bert, il y a des collèges Paul Bert partout. Donc, voilà, je cite Paul Bert dans le texte, hein, encore une fois. Merci. Les nègres, peu intelligents, n'ont jamais bâti que des huttes, parfois réunies en assez grand nombre pour faire une ville. Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont pas cependant les derniers des hommes. Il faut mettre après eux, comme intelligence, les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Voilà, on avance un peu. Ensuite, bien au-dessus du nègre, nous élèverons l'homme à la peau jaunâtre. Il a fondé de grands empires, créé une civilisation fort avancée. Mais tout cela semble de nos jours tomber en décadence. Mais la race intelligence entre toutes, celle qui envahit et tente à détruire ou à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons. Et alors, à ton avis? C'est la race blanche, voilà. Ah, bah ouais, bien sûr. Ah, sacré Jeannot, il sait vous brosser dans le sens du poil. Hein. Il sait que mon audimat, il sait que ça va leur faire plaisir, ça. Et donc ça, merci Jean pour j'ignorais. Ça, c'est la gauche. Ça, c'est la gauche française, historique, à laquelle se rattache très officiellement hein, Henri de Lesquin. Il le dit, moi, c'est ma référence, c'est la Troisième République. Et effectivement, Henri de Lesquin est de gauche, puisque Jules Ferry était aussi raciste que Paul Bert. Il a dit qu'il y avait des races supérieures qui devaient civiliser les races inférieures. Donc ça, c'est le discours d'Henri de Lesquin. Il parlait des nègres aussi, comme Henri de Lesquin, etc. Donc ça, c'est la gauche, tu vois. Et moi, je ne suis pas de gauche, je suis antiraciste, en fait, parce que les droitards, qui se croient droitards, comme Conversano, par exemple, veulent faire croire, c'est que le, tu
vois, le clivage raciste, antiraciste, c'est ce qui fait la gauche et la droite. Ben, c'est faux. En fait, les racistes ont toujours été à gauche, historiquement, et les antiracistes à droite. C'est comme ça. Ok, merci. Ah, il est en forme, le Jeannot. Là, tu vas fort. Ouais, non, mais bien sûr, mais je comprends. C'est très intéressant, très intéressant. Alors, on espère, bien sûr, que ma chaîne va survivre à ces citations de. Donc, Colbert, hein, tu nous as dit, c'est ça. Bon. Colbert. Ah, d'accord. Colbert. Tu sais, tu as des collèges, tu feras des recherches. Ça s'écrit Paul comme. Et Bert, B-E-R-T. C'est un des pontes. C'était le ministre de l'instruction publique. D'accord. Il n'y avait pas plus haut à l'époque. C'était un franc-maçon, okay. Comme quasiment toute la Troisième République. D'accord. C'est là où vraiment Henri de Lesquin est logique et cohérent. Donc c'est un okay, ça marche. Alors juste, ouais, bien sûr. Alors juste pour les mots tabous, on va y aller mollo parce que sinon ma chaîne, j'ai peur que de me faire mettre en slip. Hein, c'est une citation historique. Ouais, je sais, mais moi je m'en fous. Mais bon, c'est pour les robots. Alors juste Jean-Robin, ben ça fait un moment que je te connais, que je te vois sur Internet. Alors bon, il y en a qui font des bruitages hein, derrière, mais bon, faut pas écouter. Voilà, moi je te connaissais à l'époque de Enquête et Débat, figure-toi. Voilà, donc ça, ça ne rajeunit pas tout ça. Voilà. On a le même âge. Ouais, on est né en 78. On n'a pas le même quoi, t'as dit? T'as dit quoi? Je dis, on n'a pas le même QI. Ah ouais, bah ça je sais pas, j'ai jamais fait de test, j'arrive jamais à la fin du test, à mon avis c'est pas bon signe. Ouais, moi j'aimais bien Jean-Robin dans Enquête et Débat, parce que bah, j'aime bien les enquêtes, j'aime bien les débats, donc bon, tu vois, j'aimais bien Enquête et Débat, donc voilà, je me souviens, t'avais interviewé Dieudonné, et j'avais trouvé le concept sympatoche, parce que, en fait c'était peut-être un débat avec Dieudo, t'avais une horloge de jeu d'échecs, et je trouvais ça sympa, c'est pour faire tourner la parole, c'est pas bête ça. Voilà, c'est assez cool. Après, bon, voilà, j'ai suivi les pérégrinations de Jean-Robin. Alors, on s'est croisé durant ces quelques années, on s'est croisé plusieurs fois sur Internet. À quelle occasion on s'est croisé déjà? Alors, moi, je ne me rappelais plus, mais un des gars de mon équipe m'a rappelé que tu m'avais soutenu, tu avais été un des rares à me soutenir pendant mon procès perdu en première instance et gagné en appel, alors que la plupart des nationaux, là, droitards, je sais pas quoi, me crachaient à la gueule en disant « bien fait pour lui », alors que c'était pour avoir critiqué l'islam que j'avais été condamné en première instance. Exact, exact. Alors, je me souvenais pas forcément de t'avoir soutenu, mais écoute, ouais, c'est possible. Non, mais tu sais, moi, je fais les trucs et après, j'oublie. Ouais, c'est vrai que t'es venu des emmerdes. Après, on s'était croisés sur le podcast de l'équipe communautaire à Paris aussi. Hein, t'avais été invité et moi, j'étais chroniqueur là-dedans à l'époque. On s'était croisé aussi avec Asen Occident, je crois que, je sais plus si j'ai, ouais, j'étais dans les parages, hein, je crois que j'ai animé aussi. Lui, t'avais clashé. Comment? Toute la gauche française. Toute la gauche, ouais, mais alors attends, putain. Donc toi, tu vois des gauchistes et tu vois des communistes partout, donc ça va être compliqué. Bah, là. Non, mais en fait, je vois pas des communistes partout. C'est les gens qui voient des droitards là où il n'y en a pas. Donc moi, j'ai cité Paul Bert, j'ai cité la Troisième République, j'ai cité Henri de Lesquin, qui vote pour une femme de gauche qui s'appelle Marine Le Pen. C'est lui-même qui a dit que c'était une femme de gauche. Il a défendu Marine Le Pen pendant toute la campagne, non? Et donc c'est une femme de gauche, il a voté pour une femme de gauche. Elle-même se dit à la gauche d'Obama. Bon, ben voilà, au bout d'un moment, donc c'est parce qu'on a perdu les référentiels. Elle se dit à la gauche d'Obama. Marine Le Pen se dit, ah bon, d'accord, ok. À deux reprises, elle s'est dit à la gauche d'Obama quand elle est devenue présidente du RN. Qui s'appelait FN à l'époque. Et puis, en 2013, après, dans The Atlantic, tu vois, moi, je bosse, je fais les recherches, ce qui fait que Marine Le Pen est une femme de gauche. En effet, c'est une fêtarde. Hein, elle déteste qu'on dise ça, mais elle a failli intenter un procès à, je ne sais plus quel, VSD, qui avait dit ça, mais c'est une fêtarde. Et c'est une nana qui se réclame du marxisme. Donc, le marxisme, c'est à gauche. Et le marxisme est raciste et antisémite. Voilà, ça, c'est la gauche. C'est Toussnel, c'est Marx, c'est... tu vois, je t'ai lu Paul Bert, Jules Ferry, Léon Blum. Tous ces gens-là étaient des racistes. Bon, Léon Blum n'était pas antisémite parce qu'il était juif, mais souvent c'est antisémite et pour la race blanche, etc. Donc ça, Conversano, si tu veux, qui est le fruit de l'école nationale socialiste française, hein, et ben c'est normal, voilà, c'est logique. Et tous les gens qui le suivent aussi, c'est le fruit. Moi je vais te dire, comme ça, à brûle pour point, comme disent les jeunes, j'aime bien quand on défend la race blanche, parce que moi je suis de race blanche, tu vois. C'est bête, hein. C'est désolé, c'est pas très altruiste, c'est bête, mais tu vois, je me dis, c'est pour ma paroisse, ça me dérange pas, tu vois. Mais ça veut dire quoi, la race blanche? Parce que, comme on peut très bien constater, toi et moi, on n'a pas le même QI, ça, je crois qu'on sera d'accord. Est-ce qu'on est de la même race, VV? Moi, je n'ai pas l'impression.
Si la race existe, c'est quoi? Parce que t'as des mecs qui ont 80 QI et t'as d'autres. T'es pas un Asiate ni un Congolais, Jean-Robin. Je veux dire, bon, on peut dire ça. Moi, je suis d'origine diverse et variée. Je suis d'origine polonaise, tu vois, déjà. Oui, bien sûr. Ashkenaz, ce qui fait que mon QI est plus haut que le tien, par définition. Il a combien ton QI, Mangano? Non, moi, je n'ai pas mesuré, mais ça se voit. Ah, tu sais pas, tu présupposes, tu supputes. Bah, j'ai écrit 50 livres, t'en as écrit combien? Non, mais je veux dire, tu peux écrire 50 livres de merde. Je veux dire, bon, c'est ça, c'est pas mon cas. J'ai pas écrit oui en vacances, moi. J'ai écrit la judéomanie, j'ai écrit quiconque lit mes livres sait ce que j'ai écrit. D'ailleurs, j'ai vérifié, est-ce que tu avais écrit plus de livres que Michel Onfray? La réponse est non, il en a écrit plus que toi, faut le faire quand même. Vachement plus que moi, parce qu'il est plus vieux, hein. C'est un vieux Michel Onfray, donc il écrit comme moi, mais il a écrit plus de 100 livres, j'avais compté à un moment. Mais lui, il passe plus à la télé que moi quand même. Donc moi, j'ai écrit plus de 50 livres, mais je passe jamais à la télé, donc c'est ça, c'est ça qui compte. Tout à fait, tout à fait. Donc, attends, dis de race blanche, mais ça ne veut rien dire, en fait. Allons-y, la race blanche n'existe pas, Mangano, c'est ça? C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est inventé par les marxistes pour créer des divisions, bien sûr. Mais est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que à 100 mètres, comme ça, tu vois un mec dans la rue, tu peux dire si c'est un blanc ou pas, ou tu en es incapable? Par exemple, si tu vas en Algérie, les Berbères, d'ailleurs, ils sont pas d'accord. Tiens, vous êtes pas d'accord entre vous, les gars qui défendent la race blanche là. Entre Conversano, j'en ai débattu avec Conversano en 2018. Henri de Lesquin dit les Algériens sont de race blanche, d'accord. Alors que vous dites, non, ils sont pas de race blanche. Alors déjà, vous êtes pas d'accord entre vous, donc ça. D'accord. Mais il peut y avoir des incohérences et moi je suis d'accord avec toi. Après, bon, tu nous parles de Lesquin, moi je m'en branle un peu de Lesquin, hein, juste pour dire. Mais je réitère parce que malgré ton haut QI, je suis obligé de réitérer. Tu vois un blanc dans la rue à 100 mètres, un mec, tu peux pas dire lui c'est un blanc. Donc si jamais tu étais un flic, tu pourrais pas dire vite, Jano, lance un avis de recherche. On cherche un mec typé européen. Ouais. Tu peux dire ça ou pas? Donc, est-ce qu'il y a un type européen, si tu fais une fiche de recherche au commissariat? Si tu compares Conversano avec un Suédois, déjà, ça n'a rien à voir. T'es d'accord? Donc, les flics sont complètement cons quand ils disent un type européen quand ils recherchent dans la rue. Entre un blond aux yeux bleus et un brun aux yeux foncés, déjà, il n'y a pas grand rapport, non? D'accord. Peut-être qu'ils précisent, les mecs. Enfin, bon, donc, selon toi, blanc, ça n'existe pas. L'homme blanc n'existe pas. Non, moi je dis c'est instrumentalisé par les marxistes pour diviser les gens entre eux et les faire se taper sur la gueule. Ça c'est ton problème, Jeannot, malgré ton haut QI. Tu vois, tu dis ça c'est un problème, il y a des mecs qui instrumentalisent ça. Mais tu réponds pas tu éludes la question. Non, ça n'empêche pas. Qui a développé l'antiracisme en France? C'est pas Mitterrand? C'est pas un marxiste, Mitterrand? Peux voir un mec à 100 mètres et dire lui c'est un blanc ou pas? Tu peux ou t'es incapable? J'essaye de lever le débat là, au niveau. Mais tu essaies de pas répondre à ma question surtout, on l'aura bien vu. J'ai répondu à ta question. Chin-chin, sans te provoquer un chin-chin. J'ai répondu à ta question, c'est-à-dire que si tu vas en Algérie, est-ce qu'il y a que des blancs? Selon Henri de Lesquin, oui. Alors est-ce que selon toi, il y a que des blancs? Henri de Lesquin, je ne le cite pas par hasard, c'est une des références dans le milieu natio. Ah bon? Référence dans le milieu natio du racialisme. Donc c'est pas moi qui l'invente, Henri de Lesquin. Et Henri de Lesquin, il s'inscrit dans une tradition française qui s'appelle la Troisième République et qui effectivement voyait des blancs et voyait des noirs et voyait des je sais pas quoi. Le Père Noël par exemple. Ouais. Le Père Noël n'existe pas donc. Non mais tu le vois le Père Noël? Tu le vois ou pas? Est-ce que c'est un japonais le Père Noël? Au Japon, certainement, ils ont dû faire un Père Noël japonais, ouais, pourquoi? D'accord, bon. Le Père Noël est blanc, Jeannot. Tu veux pas le voir, c'est pas grave. Moi, je suis blanc, toi, t'es blanc aussi. Moi, je me considère pas comme blanc, tu sais, ça dépend comment on se considère. Bon, on va pas faire une heure là-dessus, écoute, tu veux pas répondre, c'est pas grave. Non, mais ça me dérange pas. Je réponds que ceux qui jouent le jeu de la race tombent dans le piège de nos ennemis, qui veulent nous diviser. Moi, je vais te dire, pour parler simplement, hein, parce que bon, moi, je suis plutôt identitaire, tu vois. C'est-à-dire, comment? Ah oui, je sais, c'est pour ça que je comprends pas. Ouais. Parce que je pense que c'est une réalité, je veux dire, la menace identitaire qu'on peut subir suite à l'immigration avec des gens d'une autre ethnie que nous. Alors on peut dire une autre race, mais une autre ethnie, tu vois, avec d'autres cultures, d'autres mœurs et tout. Moi, ça me gonfle, au moins,
comment dire, si les gens en prenaient conscience et ils se posaient la question, c'est gênant, c'est pas gênant, on réfléchit, on... Bon, en même temps, c'est un peu ça le système de vote. Hein. C'est-à-dire, quand le peuple vote pour continuer l'immigration, il a répondu à la question, mais bon. Oui, donc moi, je suis à peu près identitaire, et j'ai remarqué que j'étais blanc, parce que quand je vois les mecs qui arrivent en bateau, là, les pauvres migrants, je vois qu'ils sont pas blancs, tu vois. Ouais. Donc voilà, non. Moi j'ai ça. Mais après, juste pour te dire, moi c'est pas l'alpha et l'oméga. Moi j'ai pas réponse à tout avec ce prisme, hein, juste pour préciser. Quoi, voilà. Malgré mon bac UI, je te dis, j'ai quand même des nuances à ce niveau-là. Après, bon. Non, j'ai pas dit que t'avais un bac UI. Je plaisante. Tu as un plus bac UI que moi. Mais oui, je sais. Je plaisante. Tu as peut-être un QI moyen. Oui, certainement. En moyenne, c'est ça. Voilà. Moi, c'est pour te dire, j'ai conscience du côté identitaire, mais pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga. Toi, tu t'en fous ? Je veux dire, si tout le monde est métissé sur Terre, tu n'as rien à branler, toi, ou pas ? En fait, j'explique que c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Après, les gens peuvent le croire, ils peuvent se tromper. Tout le monde a le droit à l'erreur. Maintenant, si je prends comme... alors, tu veux pas que je cite Henri de Lesquin, je vais citer Jean-Yves Le Gallou. Okay, non, mais cite qui tu veux. C'est un autre identitaire pro-blanc, je sais pas quoi. Bon. Alors, là, il y a un contexte politique qui fait que des blancs attaquent des blancs, hein, tu sais, en Ukraine. C'est des blancs qui attaquent d'autres blancs. Ouais. On est d'accord. Enfin, les Russes, ils sont un peu bridés, mais ouais, c'est des blancs. Allez, ouais. Non, c'est des blancs, faut arrêter. Ouais. Donc, ils ont de drôles de gueule, quand même. Il y a des Tchétchènes là-dedans, c'est sûr. Mais déjà, voilà, problème, Jean-Yves Le Gallou est du côté des Tchétchènes. Alors déjà, ça fait un peu bizarre, non, pardon. Non, mais attends, des mecs qui... avec des... Je ne savais même pas. Pour une fois, qu'il y a quelqu'un qui défend les Tchétchènes, putain, on va leur laisser quand même Le Gallou. C'est Jean-Yves Le Gallou quand même, tu vois. L'identitaire français qui, je ne sais pas quoi. Quand tu écoutes Jean-Yves Le Gallou, donc il est du côté de la Russie, comme tous les immigrés de première et deuxième génération en France. Ils sont tous pour les Russes. Tu les écoutes tous. Alors, il est d'accord avec tous ces gens-là, Le Gallou, et soi-disant, il les combat. Or, c'est ce critère-là, de plus en plus, qui va déterminer la politique dans les 10 ans qui viennent. C'est la Troisième Guerre mondiale dont je parle, et dont je suis un peu le seul à parler pour l'instant, mais de plus en plus, moi j'en parle depuis 2 ans et demi, tu vois, que la Chine nous a attaqués biologiquement. Alors, on va revenir sur ça après, parce que pour moi, je n'y crois pas du tout, mais bon, donc on va en parler. Mais... Si tu veux, j'en ai débattu avec Alexandre Cormier-Denis, il y a plus d'un an maintenant, un autre identitaire, mais lui, moins con, parce que lui, il est au Québec et il est proche donc des États-Unis, donc il est occidental, alors que Le Gallou, lui, il est oriental. C'est-à-dire que Le Gallou comprend et fait comprendre autour de lui qu'il est plus proche d'un Tchétchène que d'un Ukrainien orthodoxe. Non, mais c'est vrai, d'un Ukrainien orthodoxe, c'est quand même grave. Donc, ils se sont tous foutus de la gueule d'Asselineau, qui disait, lui, il se sent plus proche d'un Malien que d'un Letton. Hein, ouais. On se rappelle Thomas Carrier, tout ça. Eh bien, Jean-Yves Le Gallou se sent plus proche d'un Tchétchène kadyrovien que d'un Ukrainien orthodoxe blanc. Voilà, c'est ça la réalité. Bon. Donc, et il est proche aussi ce que vous appelez, vous, les islamo-bamboulas, enfin, vous. Ou les gens qui nous écoutent, etc. C'est quoi ce terme ? Ah oui, je l'ai lu une fois, ça. Islamo-bamboula, ça, c'est exotique. Ben, les gens de couleur en France, tu vois, ma femme, elle est algérienne d'origine. Elle n'est pas pro-russe, hein, non. Pourtant, la plupart de l'immigration récente en France, c'est-à-dire de quelques générations, est du côté russe. Et la Russie a su faire l'alliance de tous les pays islamiques. Et là, le dernier en date, c'est l'Arabie Saoudite, tu vois, qui a rejoint à grandes enjambées l'Iran. Je sais pas, tu prends tous les pays islamiques, et ben ils sont du côté russo-chinois, voilà, comme nos banlieues, voilà, pour être plus cool. Donc ça, Jean-Yves Le Gallou, ça fait ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Et le pire, c'est même pas Le Gallou, c'est riposte laïque, parce que riposte laïque, ils sont soi-disant anti-islam, et là ils sont du côté de tous les pro-islam, tous les États islamiques du monde, ils sont de leur côté, parce qu'ils ont hébergé leur site en Russie, comme l'a dit Pierre Cassange dans l'émission dont tu parles. Ouais, donc, alors. D'accord. Mais je te remercie pour cet exposé. Je me permets de t'interrompre. Qu'est-ce que j'allais dire ? Toi, je me méfie quand tu fais des affirmations parce que je sais que tu vas pas avec le dos de la cuillère. Après, ce que je voulais dire, c'est que, alors oui, il peut y avoir déjà des incohérences, il peut y avoir des gens qui disent des conneries. Bon, pourquoi pas ? On peut se raviser et tout. Après, parfois aussi, comment dire, quand tu arrives au bout d'une logique, ça fait un espèce de twist, un peu un truc bizarre. Parce que, par exemple, si je reviens aux identitaires, on va dire aux patriotes en France, les mecs, ils en ont tellement plein le cul. Par exemple, Papacito disait ça, là, j'ai vu dans une vidéo. Tu sais, c'est l'accélérationnisme. Tellement plein le cul qu'il dit, si je devais voter, je voterais Mélenchon. Ok, vous voulez que ce soit la chienlit, on va y aller à fond, les mecs, tu vois. Et pourtant, tu peux pas dire...
Papacito, il est du côté de Mélenchon, tu vois, mais c'est dans la suite. Déjà, il n'est pas identitaire, il est avec une noire, donc mauvais exemple. Est-ce que tu en as un autre ? Mais j'en ai plein, je veux dire, c'est le concept qu'on retient, c'est-à-dire, parce que Papacito, pas identitaire, patriote, ça te va ? Ou souverain, souverainiste, ce que tu veux, royaliste, enfin bon, peu importe la case. En tout cas, le mec, il est prêt à voter Mélenchon parce qu'il en a plein le cul, il dit, il est français, c'est ça que vous voulez ? Ok, on va y aller, vous allez regretter, tu vois. Et tout ça pour dire qu'un Jean Robin nous dirait, regardez, Papacito, il vote Mélenchon, donc il est du côté de Mélenchon. Mais tu vois, la logique est différente. C'est juste pour te dire que parfois, le chemin logique, ben, ça t'amène à faire des trucs. D'ailleurs, moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour l'accélérationnisme. Moi, je ne me sens pas de mettre un bulletin dans l'urne pour Mélenchon. Moi, je ne me sens pas de faire ça, tu vois. Mais bon, c'est ma limite. Mais entre nous, Zemmour ou Mélenchon, c'est quoi la différence ? Je ne vois pas. La différence, ben, déjà sur l'immigration. Aucune. Donc tu sais que Zemmour et Mélenchon sont de grands copains, historiquement. Je crois que Mélenchon était au 50e anniversaire de Zemmour, c'était il n'y a pas si longtemps. Sur les plateaux de Ruquier, Zemmour faisait l'apologie de Mélenchon, comme de Georges Marchais d'ailleurs. Et ça, il l'a fait dans son livre « Le suicide français ». C'est il n'y a pas si longtemps, « Le suicide français ». Oui, et tu l'accuses de plagiat hein, pour ce livre. En plus, ah oui, c'est validé par l'universitaire spécialiste du plagiat, Hélène Morel-Inder, merci de le rappeler, parce que ça, voilà, j'ai révélé ce scoop en 2014, aucun média n'en a parlé, soi-disant. Ouais, tout le monde s'en bat les couilles, ça fait souvent ça avec tes scoops d'ailleurs. Non, mais non, puisque Ardisson, c'est mon premier scoop, et ça a fait 5 millions de vues. Donc, C'est vrai. Mais on va parler de Zemmour, parce que tu vas nous les stimuler là dans le chat. Hein. Parce que Zemmour, t'as été très dur envers lui, alors bon... Attends, je te laisse terminer si tu veux ce que tu disais sur Mélenchon et Zemmour, hein, si t'avais autre chose à rajouter. Zemmour a voté Mitterrand en 81 et 88. Donc déjà, la première chose qu'il devrait faire, c'est se cacher dans son trou pour le reste de sa vie. Parce qu'il n'avait pas 18 ans quand il a voté Mitterrand en 81 et 88. Il avait déjà plus de 30 ans. Donc à plus de 30 ans, on a déjà notre... Tu sais, on fait des conneries quand on a 20 ans, mais à 30 ou à 40 ans. Et Renaud Camus, encore pire. Alors lui, il a voté Mitterrand en 81 et 88, mais il a voté Noël Mamère en 2002. Et ça, c'est votre égérie Renaud Camus. C'est un gauchiste, ce type-là. C'est un LGBTQiste à fond. Il met en avant sa sexualité, etc. C'est un... Voilà vos références, alors que Guillaume Fay, lui, est déjà beaucoup plus défendable. C'était un mec de droite, Guillaume Fay. Voilà, c'était pas un Renaud Camus, je sais pas pourquoi, grand remplacement, je sais pas quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Il faut parler de colonisation, déjà, si on veut être précis. Alors que vous appropriez tous les codes de la gauche, Renaud Camus, c'est une égérie de la gauche, ce type. Et ben, même lui, il arrive à condamner la Russie. C'est dire. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Alors, c'est vrai que le... Bon, on va essayer de prendre sujet par sujet, mais c'est vrai que le sujet de la Russie, de la guerre avec l'Ukraine, c'est un curseur. Hein. Ça fait partie un peu des gros clivages qu'il peut y avoir. Il y a eu aussi la crise du Covid, tu vois, ça a été des curseurs. Parce que c'est des Blancs qui sont contre des Blancs. Donc c'est pas un clivage, t'es d'accord ? C'est ouais, ce que mais tu m'as dit. Ça... Oui, le clivage, c'est la race blanche. Alors, ouais, c'est pas un clivage. Oui, mais c'est pour ça, comment dire, c'est pas l'alpha et l'oméga, moi, je trouve, tu vois. Moi, je peux dire, j'ai pas envie que ça devienne l'Afrique chez moi, c'est-à-dire, les mecs, si j'avais décidé d'aller en Afrique, j'y serais allé. Donc, faites pas trop venir l'Afrique chez moi, c'est relou au bout d'un moment, tu vois. Je peux dire ça, et en même temps, qu'il y ait des Blancs qui se tapent sur la gueule d'autres Blancs. Je veux dire, Mélenchon, il est Blanc, je sais pas s'il est Blanc, ou n'importe qui, là, Corbière, ou n'importe quel cerveau malade communiste, le mec, il est Blanc autant que moi. Ça va pas annihiler les bateaux de migrants qui viennent, même si les mecs ce sont des malheureux, tu vois. Mais je veux dire, c'est pas ou l'un ou l'autre. Sortons un peu des idées reçues là, que j'entends sur vos chaînes, là, le soleil se lève, etc. Ça fait SS d'ailleurs, je sais pas si c'est voulu, mais... Bon. Donc, la gauche... C'est pas voulu à mon avis, ouais. La gauche marxiste, c'est... regardez, c'est la race. Les antiracistes, BHL et tout ça, nous disent « Ah, c'est la race qui compte. » Puis les identitaires nous disent « Ah, c'est la race qui compte. » Bon, faut sortir un peu de là. Quand on regarde les causes, il faut regarder les causes. Quelle est la cause de la venue de tous ces bateaux de migrants qui t'ennuient apparemment autant ? Est-ce que ce n'est pas les subventions qu'on donne à ces gens-là ? Et est-ce que ces gens-là, finalement, est-ce que ce sont des envahisseurs, vraiment, tu crois à ça ? Ou alors, est-ce que ce sont des gens qui suivent leur intérêt ? Est-ce que les gens... Est-ce que les êtres humains, même... Non, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il ne faut pas s'en prendre plutôt aux politiques
marxiste qui donne toutes ces subventions et ces allocations et c'est tout ce que tu veux, cet argent public pour que les gens s'installent, fassent des gosses. Mais bien sûr. Et puis qu'on leur dise, bah, vous pouvez garder votre religion, vous pouvez garder votre culture, et les mecs, ils les gardent. Voilà. Moi, juste pour te dire, moi je suis pas dans le schéma du bouc émissaire, hein, ça me gonfle. Je veux dire, l'autre qui vient en bateau, c'est tout nul son destin. En plus, il va venir à Porte de la Chapelle, c'est tout bidon. Donc moi, c'est pas le bouc émissaire envers l'immigré, mais c'est plus sur le peuple français qui vote comme un con, si tu veux. Parce que les mecs au pouvoir, tu dis les marxistes et tout, si on a Mitterrand pendant 14 ans ou alors François Hollande, c'est sûr qu'on va avoir un gouvernement socialiste, qu'est-ce que je te dise, moi, tu vois, des directives. Zemmour, il a voté pour Mitterrand. Ouais, mais putain, mais Zemmour, il est là. Enfin, je veux dire, tous les points qu'il a marqués, sans déconner, tous les gages de, comment dire, tout ce qu'il a dit, tu peux pas... juste parce que, soi-disant, il a voté Mitterrand, ce qui est possible. Hein, allez, on va dire que c'est vrai. C'est pas pour autant que tout ce qu'il fait, ça compte pour rien, quand même. C'est là que t'es extrémiste dans ta façon de penser, moi, je trouve. Non, il peut avoir raison. Il peut avoir raison par erreur sur certains sujets, comme une horloge cassée, ça donne l'heure juste deux fois par jour. Hein. Mais Zemmour est du côté russe, donc il est du côté des banlieues. En fait, là, il faut comprendre dans quel contexte on est. On est dans une troisième guerre mondiale. On a été attaqué, il y a eu 95 000 morts. Bon. Donc, il y a ceux qui le dénoncent, comme Jean Robin, et puis il y a les autres, tu vois. Et donc, tous les autres, ils sont du côté sino-russe. C'est tout. Point. Et donc, du côté de Macron et de tous ceux qui se sont couchés devant cette attaque et qui ne la dénoncent pas, tu as trois hommes politiques ou femmes politiques qui l'ont dénoncé. Trois. Je peux te les nommer parce que j'ai fait mon enquête. Roselyne Bachelot, la Chine a eu une attitude criminelle. 30 mars 2020, c'est à vous. Éric Ciotti, la Chine est la pire dictature au monde et doit rendre des comptes. Tribune du JDD, 18 avril 2020. Guillaume Pelletier, donc des gens, tu vois, classés plutôt à droite. Guillaume Pelletier, l'OMS et la Chine ont menti. Il faut faire un tribunal international contre eux, parisien, 26 avril 2020. Tous ces gens-là, on n'a plus entendu parler de ces gens-là. Ils sont où? Ils sont rentrés à la niche. Donc voilà, il y a quand même une réalité que moi, Jean Robin, aujourd'hui, je suis le seul à continuer à dire. Pourquoi? Parce que j'ai une colonne vertébrale et que les autres, ils en ont. Attention, parce que moi, j'ai quand même préparé des petites séquences... Parce que si tu parles pas de colonne vertébrale, d'ailleurs, si vous tapez Jean Robin colonne vertébrale, attention, sur YouTube, vous risquez de tomber sur des vidéos. Là, c'est pas un fait. Est-ce que je risque pas ma vie, là, en dénonçant seul, en France, la Chine communiste? J'ai fait une vidéo récente, j'accuse, je te l'ai envoyée, je sais pas si tu l'as regardée. Je l'ai écoutée, j'ai regardé. Le gouvernement et tous ses collaborateurs de la Chine communiste, qui sont ultra majoritaires dans l'oligarchie, médiatico, politico, scientifico, et on peut tous les faire parce que Raoult est là-dedans aussi. Voilà. Comme Delfrécy, comme... En fait, quand tu creuses un peu... Non, mais si je te dis la colonne vertébrale, c'est parce que si on tape Jean Robin colonne vertébrale, on tombe sur la chaîne Tatamis, le pied dans la même merde. Moi, j'aurais pu la supprimer, cette chaîne, parce que c'est des droits d'auteur. Mais je l'ai laissée parce que je veux éduquer les gens à la manipulation. Cette chaîne est un exemple de manipulation, c'est-à-dire tu coupes 3 secondes, par exemple je prends VV qui dit un bout de phrase et puis je colle avec un autre bout de phrase et VV il validera l'immigration, tu comprends? C'est facile. Je ne suis pas sûr que tu vois, peut-être, allez. Ouais. Moi je suis sûr parce que je connais ces extraits-là. La seule chose que j'ai gardée de cette chaîne, c'est qu'en effet j'avais oublié l'extrait où j'avais dit que l'islam était l'ennemi principal en France. Ça je croyais que je ne l'avais jamais dit. Mais tu rigoles ou quoi? Tu l'as dit pendant un an au moins? Non, pas pendant un an. Je l'ai dit à 3 reprises. Je sais à quel moment. Non, mais je veux dire, quand tu faisais le oui avec la flèche là, sur Twitter et tout, ça a duré un moment quand même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, après, bon. Ça ne voulait pas dire que l'islam était le principal ennemi de la France. Depuis 22 ans, je ne cesse de dire que c'est le marxisme. Et à 3 reprises, publiquement, parce que sous l'émotion, parce qu'il y avait un procès ou parce qu'il y avait eu des attentats, effectivement, je ne suis pas un robot. Et donc, mais ça, c'est ce que cette vidéo, c'est ce montage du gars, mais qui est un taré, hein. Enfin, c'est un obsédé pour regarder. Il est très fort. Vidéos. Moi, je trouve qu'il est très fort. C'est de la folie. C'est un dingue. C'est pas donc, moi, hein, derrière. Moi, j'ai rien contre les dingues. Tu vois, je les laisse. Ça fait sa psychiatrie. Au moins, c'est gratuit. Donc, il a fait ses montages. Il est content. Ouais. Les gens peuvent aller le voir pour savoir ce que c'est la manipulation. Parce que dès qu'on commence, tu le verras peut-être si tu deviens un peu connu. Les gens, ils s'acharnent sur vous parce que, je sais pas, votre gueule leur vient pas ou votre discours leur revient pas, etc. Non, mais attends. Jean Robin. Ouais. Si des gens s'acharnent sur toi, c'est peut-être que quand même, comment dire,
T'as le don de casser les couilles à la terre entière, c'est ça. Alors je cherche, là c'est ma façon de le formuler, mais t'as eu une époque où tu sortais une vidéo sur tous les droitards, tu leur chies à la gueule. Là, ces temps-ci, tu fais pareil, tu dis que, comment t'appelles ça tu... Non mais peu importe, on s'en fout de... Ouais d'accord, des gens de gauche. Là, tu démasques un tel, démasques un tel. Non mais Julien, après t'étonnes pas qu'il y ait des mecs... Hein non mais... Qu'il y ait des réactions, voilà. Bah non, mais tu dis après, voilà, les gens ils découpent et tout, on sait pas trop pourquoi. Moi je te dis pourquoi, voilà. Je te dis, j'ai dénoncé mon premier livre, c'est Ardisson, enfin mon deuxième livre, parce que mon premier livre c'était Avoir 20 ans en France, mais personne n'a lu. Par contre, mon livre que beaucoup de gens ont lu, c'est Ils ont tué la télé publique, dans lequel je démonte Ardisson, qui était le roi du montage. Et j'ai tout un chapitre sur le montage mensonge. Bah, je connais, hein. Donc j'ai bien vu la technique de ce gars-là, soit c'est un proche d'Ardisson qui voulait me faire payer. M'étonnerait. J'en sais rien. Je connais pas, non, je sais pas qui c'est. Ah, il n'a pas révélé son identité. Et même si c'est pas un proche d'Ardisson, en tout cas, il est dans la même. C'est un héritier d'Ardisson. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. On peut évidemment orienter une vidéo, un média. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Oui. C'est pas honnête. Quand moi, par exemple, les montages, il y a des montages honnêtes aussi. Là, je viens de faire un montage honnête sur Antoine Goya. Qui est un gars qui se dit soldat du PCC, maoïste, etc. Deuxième degré ou pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est un prof marxiste et il endoctrine donc ses élèves comme tous les profs marxistes. Et lui, il dit, j'ai voulu me foutre de sa gueule, mais lui, tu vois, j'ai pris un extrait dans une vidéo. C'est anal génocide, c'est ça ? Voilà. Antoine Goya, c'est anciennement anal génocide. Donc j'ai pris un montage. J'ai fait un montage où il dit, il se fout de la gueule de Waldeck, soi-disant de droite. Il dit voilà 45 pages pour 15 euros, ça fait 3 euros la page. Bon, bah ça c'est une erreur de maths de CM2, tu vois. Donc j'ai pris l'extrait où il dit ça, j'ai mis le bon calcul et puis j'ai dit t'es un nul. Puis c'est tout. Ah, c'est toi qui as fait ça. Ah, d'accord, j'ai vu la vidéo passer sur Telegram. Ouais. Ah, c'est toi qui as fait ce calcul. Ok, d'accord. Ah, ouais. J'ai fait ce calcul, ouais. 15 divisé par 45. Et lui il avait fait 45 Chapeau. Divisé par 15. C'est un nul. Donc d'accord. Il est prof dans l'éducation nationale socialiste française et il sait pas. De faire un calcul de CM2, quoi. C'est hallucinant, c'est pour montrer ça. Mais c'est pour te dire qu'il y a des montages qui sont honnêtes. Or, Tatami, machin, déjà, moi, la maison d'édition a fermé. Et donc, les montages qui sont faits là, à 99%, ne sont pas honnêtes. Voilà, c'est tout. D'accord. Les droits c'est pour ça que moi, je renvoie souvent sur cette chaîne. Déjà, ça m'a fait connaître. Je suis passé chez Teddy Boyer et ça, grâce à cette chaîne, parce qu'il m'a dit, moi, je te connaissais pas. J'ai vu, t'as mis pied dans la même merde, je sais pas quoi. Ouais. Ça m'a fait rigoler et du coup, il m'a invité, tu vois. Donc, moi, je le remercie, le gars. C'est pour ça que j'ai pas fait censurer sa chaîne. Parce que déjà, je suis pour la liberté d'expression et ça devrait m'être mis à mon crédit. T'es d'accord? Oui, d'être pour la liberté d'expression, oui, bien sûr. Non, mais moi, c'est un truc que j'aime bien chez toi, si jamais je dois donner mon avis sur ton cas, c'est que tu es ouvert au dialogue, ça c'est cool. Voilà, moi j'aime bien, c'est vrai, ce truc de débattre et des échanges d'idées, c'est chouette, quoi. Si j'avais fait censurer cette chaîne, on m'aurait dit « Ah, Jean-Robin est un censeur ». Alors après, sur ma chaîne... Tu aurais été mal placé, parce que tu nous casses les couilles à chaque fois avec la censure, à dire que t'es le seul qu'on censure et tout. Moi, je suis pour la censure, par exemple. Bon, on peut pas aborder tous les débats, là. Mais moi, je vais te dire, je suis pour la censure. Bah, ça dépend. En contexte de guerre, on peut l'être. Parce que là, on est en contexte de guerre, donc je pense qu'aujourd'hui, le communisme, il faudrait l'interdire, en fait. Ah, voilà. Il faudrait l'interdire. Il faudrait mettre en prison des gens comme Mélenchon, des gens qui font l'apologie du communisme. Ça, c'est pas possible autrement. Oh, ça, c'est chaud. Hein. Pourtant, je l'aime pas, mais alors le mettre en prison, c'est chaud. Là, quand même. Bien sûr. Bah, le communisme n'a pas de sang jusqu'au coude. C'est une apologie de 100 millions de morts. Il l'a dit, Mélenchon. Hein. Donc, rien que pour ça, je veux dire, on nous met en prison, on met des gens en prison parce qu'on nie un génocide. D'accord ? Alors, à ce moment-là, jouons. Enfin, si on veut jouer, on va jouer. Ouais, c'est d'accord. Le communisme qui fait ça. C'est les communistes qui ont mis en place la loi Guesso. Bon. Ok. Bon, merci. Alors, pour l'instant, on discute ensemble, Jean-Robin, toi et moi. Ensuite, si tu veux bien, on peut prendre des intervenants un par un, vite fait, pour voir s'ils ont des questions à te poser ou des trucs à dire. Si tu as envie d'interagir avec mon public, ça c'est... Un par un, oui, mais pas d'insultes, sinon... Pas d'insultes. Bon, après, moi, je suis pas derrière les mecs qui vont parler, mais on va essayer. Si, je répondrai pas, c'est tout. Voilà, ouais, non mais bien sûr, non mais moi je dégage le mec s'il y a des insultes. D'accord. Bon, c'était juste pour vous dire. En même temps, je suis en train de bidouiller la technique, mais vous inquiétez pas. Alors j'ai un peu préparé l'émission. Attends, merde, excuse-moi, je suis à la technique, c'est relou. Alors,
j'étais là, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais dire à Jean-Robin et tout, parce que le mec, il dit tellement de trucs et tout. Alors, par exemple, il y a toute la séquence que tu nous as fait sur Zemmour. Ça, ça va exciter les viewers, alors je vous le dis. Par exemple, Jean-Robin, dans ta vidéo qui s'intitulait tout simplement « Éric Zemmour pousse-t-il au meurtre des musulmans ?» Un truc comme ça. Tu reconnais le titre ? Ouais, voilà. Sure, déjà, c'est moi qui l'ai publié. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est audacieux. C'est audacieux. Pas du tout. Non, il faut lire l'article. Ouais. Il faut utiliser ses neurones quand on en a. Voilà, c'est ça. Alors, comment on juge pas un livre à sa couverture ? Alors, moi, mes neurones, par exemple, quand je t'entends dire dans ta vidéo, donc déjà, tu sonnes le... Tu as lu l'article ou pas ? Non. Ah, bah déjà, c'est gênant. Hein. D'accord, si mais je vais quand même te parler du contenu de ta vidéo. Sans avoir lu ton article. Hein ? Quelle vidéo ? La vidéo qui s'intitule « Zemmour appelle-t-il au meurtre des musulmans ?» Donc, tu as, concernant ton article, tu avais fait une vidéo qui est toujours sur ta chaîne. Ouais. Alors, tu dis tout simplement déjà, bon ben voilà, déjà dans ce titre, c'est sympatoche, tu vois, c'est déjà cool. C'est-à-dire, tu te places dans ce titre. Et alors, dans cette vidéo, tu dis très simplement que ton article de merde, je l'ai pas lu, hein, mais je le qualifie. Ouais. T'as vu, c'est gratuit, c'est comme ça. Tu dis que tu l'as envoyé à tous les gauchos anti-Zemmour. Tu dis que tu l'as envoyé. Donc t'as fait un peu ta tepu. C'est ça. C'est pour ça que j'ai. Ouais, d'accord. C'est pour ça que j'ai pas lu ton article. Parce que dans la vidéo, tu dis j'ai fait un article pour bien démontrer que Zemmour appelle à tuer, à massacrer les musulmans. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai envoyé à Mediapart, à Caroline Fourest, peut-être à la France Insoumise, je sais pas, est-ce que tu l'as envoyé à Tariq Ramadan et tout ? Oh, voilà, t'as fait ta petite soupe comme ça, et j'ai vraiment trouvé ça gerbé, mon Jeannot. Ben non, parce que moi, je suis stratège, donc je veux que mes ennemis s'entretuent, tu vois. C'est ça mon but. C'est comme ça que j'avais fait aussi avec Renaud Camus et Henri de Lesca, et ça a failli déboucher sur un procès que Renaud Camus allait intenter, je sais pas s'il l'a fait finalement, pour... accusation de pédophilie, etc. Donc ça, ça m'a beaucoup amusé, tu vois, parce que voir les débiles s'entretuer, ça m'arrange. Et ils ont monté les uns contre les autres. C'est ça. Ouvertement, moi je fais tout ouvertement, tu vois, je suis pas... Et donc Zemmour a comparé, il faut rappeler le contexte, pour ceux qui connaissent pas, et si t'as pas lu l'article, tu sais pas, donc... Mais je sais ce que tu vas dire, même si j'ai pas lu ton article, tu vois, je raconte pas n'importe quoi. Tu vas parler du massacre des protestants, donc vas-y. Mais tu vois, sans avoir lu ton article, je sais de quoi ça parle. C'était fait dans quel cadre, cette déclaration de Zemmour, tu le sais ? Non, mais je veux dire, arrête de me ramener que j'ai pas lu, parce que ça va aussi me gonfler. Arrête de me prendre de haut, tu vois, même si t'as plus de QI que moi. J'ai pas lu ton article, mais je sais de quoi ça parle, ta vidéo. T'as pas raconté complètement l'inverse dans ta vidéo que le contenu de ton article. C'est ça, mais laisse-moi donner le contexte. Donc le contexte, c'est... Ouais, non, mais arrête de me balancer à la gueule que j'ai pas lu ton article. Je sais très bien que t'as fait ta tepu et que t'es allé balancer à Mediapart et à tous les sous-merdes de gaucho que Zemmour appelait au massacre des musulmans. Donc vas-y, dis-nous l'article. C'est un fait, déjà. Donc je vois pas... Le problème, c'est pas qu'il y ait Mediapart, d'accord ? Le problème, c'est qu'il n'y ait pas de médias de droite qui fassent des enquêtes. C'est pour ça que j'avais créé Enquête et Débat. Mediapart, j'ai beaucoup plus de respect pour eux que pour la plupart des ceux qui se disent droitards et qui font que commenter l'actualité sans jamais enquêter. Et après, c'est tous les droitards, les gauchistes là, que tu nous as cités, et toi, t'es pas un gauchiste parce que t'as plus de respect pour Mediapart ? Bien sûr, parce que je suis journaliste. Oui, je suis journaliste. Et donc, en démocratie... Non, t'as pas de carte de presse, t'es pas journaliste. Bah si, c'est pas la carte de presse qui définit le journalisme. T'es pas journaliste, parce que n'importe qui a Internet est journaliste à ce moment-là. En fait, il y a 70 millions de journalistes en France, quoi. Non. Donc, moi, ça fait 17 ans que je fais ce métier et que je fais des scoops. Non, tu ne fais pas ce métier. Tu n'es pas journaliste, tu n'as pas la carte de presse. Tu es blogueur, à la limite, si tu veux, mais... C'est pas VV qui détermine si je suis journaliste ou pas. Bon, répondez dans le chat. Est-ce qu'il est journaliste ou pas ? Oui ou non ? Vas-y. C'est pas le chat de VV non plus qui détermine ça. Ah, d'accord. Donc, c'est la carte de presse, en fait. Même ma page Wikipédia dit que je suis journaliste, alors qu'il me crache à la gueule. Bon. Donc, Mediapart, moi, j'avais enquêté sur Laurent Oberton, par exemple. Et j'arrive aux mêmes conclusions que Mediapart. D'accord ? Et bien pour ça, j'ai été menacé de mort par Riposte Laïque. Donc toi, est-ce que tu es sur cette même ligne ? C'est du pipeau, ta menace de mort, c'est du pipeau de Riposte Laïque. Non, c'est un fait. Je les ai pardonnés pour ça, parce que je suis chrétien. Mais je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné. On ne dit pas « je les ai pardonnés ». Ouais, non, mais il faut remonter un peu le niveau, c'est relou, quoi. Je les ai pardonnés, je leur ai pardonné. Non, je leur ai pardonné.
Je les ai pardonnés pour ça aussi, c'est français. On vérifiera. Donc, riposte laïque écrit, Jean Robin mérite 12 balles dans la peau. Si ce n'est pas une menace de mort pour toi, si nous étions en guerre, trois lignes plus tard, nous sommes en guerre. Donc, c'est une menace de mort. Mais effectivement, la justice étant gauchiste, ils ont classé la plainte sans suite. Bah ouais, donc, c'est un complot. Et sinon, t'aurais aimé que des musulmans déséquilibrés butent Zemmour, en fait, suite à ton article. Zemmour, j'étais le seul à dire ça, ça a été repris justement nulle part, comme l'histoire du plagiat de Zemmour. Donc Zemmour est protégé par le système, d'accord ? C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Il est financé par les mêmes que Macron. Il était. Mais là non, mais ça, c'est pareil, c'est nul ce que tu dis. C'est pareil, c'est un fait. C'est nul. C'est mais c'est pas un fait. Le problème, c'est que. Est-ce que tu peux envisager que Zemmour passe dans les médias parce qu'il a du talent, qu'il fait de l'audimat, et que quand tu fais de l'audimat, t'es un bon client télé, on te réinvite. Et quand tu sors pas trop de conneries, que ça tient à peu près la route, tu trouves ton public. Quand tu vends des livres et tout. Peut-être c'est pas propulsé par je ne sais quel complot, peut-être que le mec est bankable. Ça se voit dans les audimats. Ouais. Est-ce que tu as pensé à ça ? J'ai pensé que Loana, en fait, elle vendait beaucoup de livres parce qu'elle était très intelligente et bankable, etc. Non. Donc moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Mais Loana, elle a été poussée par le système ? Elle avait des gros nichons, elle s'est fait tringler dans la piscine, ça faisait de l'audimat. Zemmour, c'est le Loana intellectuel, si tu veux. Oui, mais il n'a pas été poussé. Non, mais là, tu tournes en rond, tu te mets en position PLS, tu réponds pas. Zemmour, il est invité partout. Parce qu'il faut répéter avec toi. Il est invité partout parce qu'il fait de l'audimat, parce qu'il a du talent, le mec. D'accord. Voilà. Donc, Zemmour est la personne la plus invitée de ces 15 dernières années. Et ouais, parce qu'il a du talent, il fait de l'audimat. Non. Il n'a aucun talent, Zemmour. Tu me le mets 10 minutes devant moi, je le mets en PLS. Bon. Il fait l'audimat. Donc... Ah oui, alors moi, quand je suis passé à Ce soir ou jamais, d'accord ? Parce que la différence aussi entre toi et moi, c'est que moi, j'ai une expérience du système médiatico-politique. Bah ouais, carrément. Tu n'en as aucune. Moi, je le combats depuis 15 ans ou 20 ans, d'accord ? Et j'y suis passé une fois à Ce soir ou jamais. Il y a eu 800 000. C'est une des meilleures audiences de l'année 2013, d'accord ? Parce que j'étais seul face à 8 gauchistes ou 9 gauchistes, de tous les genres de gauchistes qu'on peut trouver, LGBT, etc. L'extrait est encore en ligne. Eh bien, malgré ces 800 000 vues en direct, plus derrière le replay, etc., je n'ai jamais été réinvité. Alors comment tu expliques ? En fait, il n'y a pas de lien. C'est que Jean Robin, il les a tous mis en PLS. Mais Zemmour, il ne met personne en PLS. Il les garde toujours au chaud, tu vois, il les chauffe un peu. Par exemple, par rapport à Attali, là, son truc qui a beaucoup buzzé. Attali, il n'y a pas 36 000 de trucs à lui dire. Il a fait tout un speech, c'était du spectacle, c'était du show. Mais Attali, tu lui dis, monsieur Attali, dans une conférence, vous avez déclaré que ce n'était pas très démocratique d'écrire, comme vous l'avez écrit, le traité de Maastricht. Est-ce que vous pouvez vous expliquer ? Est-ce que vous êtes un dictateur, monsieur Attali ? Voilà. Et là, tu le laisses. Ben, ça, Zemmour ne lui a jamais demandé. Pourquoi ? Parce que, voilà, on fait partie d'un système. Zemmour, il veut rejoindre tous les mecs les plus riches du système, les plus influents. Il a rejoint le club de je sais pas quoi, dont il s'est fait virer, parce que ce mec-là ne sait pas se tenir, et c'est un parvenu. Le club de piscine. Donc, voilà, ne me dis pas que Zemmour, et je sais pas quoi, c'est un nul, mais le niveau est tellement bas c'est dans les médias aujourd'hui. C'est un nul. Mais c'est pas ça que tu disais. Donc là, je te laisse répondre, mais c'est pas ça. C'est long et chiant ta réponse, tu rabâches. Bah non, tu disais qu'il était propulsé par le système. Bien sûr, c'est évident. Zemmour, j'ai enquêté sur Zemmour, j'ai démontré qu'il avait plagié. Okay ? Quand Ardisson, il a été démontré qu'il avait plagié, le mec a eu 2 ans de traversée du désert. Parce que ça a été révélé par le canard enchaîné. Et après, repris dans tous les médias et tout, il a eu la honte de sa vie. Et moi, derrière, j'ai fait le boulot parce qu'il a en plus menti sur l'ampleur de son plagiat. Zemmour, je révèle son plagiat, j'interview l'historien notamment qui l'a plagié, il a plagié plusieurs personnes, Valla et aussi Cascaro. J'interview Cascaro parce que l'autre est mort et Cascaro est toujours vivant. Il me dit oui, il m'a plagié, mais bon, il devrait indiquer en note de bas de page dans ses rééditions. Voilà. Est-ce que tu as vu ça dans un seul média ? J'ai été interviewé par le journaliste de L'Express qui a écrit un livre sur Zemmour pendant la campagne. J'ai lu son livre, il n'y a pas une ligne dessus. On me dit dans l'oreillette que le canard enchaîné, c'est des communistes. Et alors, oui, mais c'est pas la question, là. La question, c'est que... Ouais, mais t'es un peu collabo avec les communistes, là, sur le coup, quand même. Un plagiat, Alain Minc, Ardisson, Calix Beyala, tous ces gens-là, ils ont eu des traversées du désert et des
humiliations publiques à cause de leur plagiat. Zemmour, on ne sait même pas qu'il a plagié, alors que c'est validé par l'universitaire spécialisé du plagiat en France, Hélène Morel-Indard, et je veux dire, tout est validé. Cascaro l'a reconnu, oui, je me suis fait plagier, mais bon, voilà, c'est Zemmour. Alors, pourquoi, pose-toi la question, pourquoi le journaliste de L'Express qui fait un livre entier sur Zemmour, là, il a la place, il a 250 pages, il m'interview, il prend la peine de me contacter ici en Polynésie, à propos du plagiat de Zemmour. Je lui réponds pendant une demi-heure. Je lui apporte toutes les preuves. Il n'en dit pas un mot dans son livre. Et aucun média n'en a parlé pendant toute la campagne. Tu m'expliques ça ? Alors peut-être qu'il a vérifié et que c'est bidon ou alors... Quoi ? Non mais peut-être... Bidon, non mais j'en sais rien. Tu lui dis pourquoi il n'en a pas parlé. Il peut y avoir 1000 explications, quoi. Du fait qu'il n'en ait pas parlé. Il y en a une seule, c'est que Zemmour est protégé par le système. Tu comprends ça ou tu comprends pas ? Et si tu veux pas comprendre, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai Alors fait le système est islamophobe. Mais oui, en grande partie. C'est là où je suis sorti d'une bulle de biais de confirmation, mais tu as quand même des unes de magazines, l'islam ci, l'islam ça, en permanence. Si F de Souche arrive à faire tous les jours son édition avec 20 ou 30 articles qui critiquent plus ou moins l'islam, c'est bien qu'il y en a dans les médias, tu crois pas ? Voilà. Alors que la Chine communiste, moi, je ne pourrais pas faire l'équivalent de F de Souche sur la Chine communiste. En France, aux États-Unis déjà un peu plus, en France, non. C'est impossible, parce que la Chine communiste, on en dit plutôt du bien, sauf sur les Ouïghours, voilà. C'est le seul truc, parce que là, voilà, c'est vrai que c'est les musulmans, et que je suis d'accord, sur les musulmans, il y a les deux. C'est-à-dire, c'est soit les choufous, oui, il y a les deux, mais c'est pas unilatéral. Bon, tu as des unes de couverture de magazine, l'islam va envahir, machin, tu as Zemmour. Oui, mais c'est pas sur les mêmes journaux, putain. C'est dire. Tu as Charlie Hebdo, tu vois. Ouais, mais Charlie Hebdo, c'est des punks qui tirent sur tout le monde. À la limite, ça compte pas. C'est la doxa, Charlie Hebdo, aujourd'hui. C'est la doxa. Bah ouais, depuis l'attentat, c'est devenu une espèce de doxa, mais bon. Et bah voilà, bah merci. Merci, TV. Bon, de toi, on arrive à avancer, quoi. Non, mais bien sûr, non, mais moi, je suis pas en désaccord avec tout. Mais je veux dire. Juste, voilà, t'as des journaux qui sont plus à droite, bah ouais, ils parlent d'immigration, d'islam et tout, de sécurité, t'as des qui sont plus à gauche qui disent, c'est quand même cool l'islam. Qui ? Charlie Hebdo, c'est pas à droite. Non, c'est pas à droite. Alors, non, mais eux, c'est un cas à part, ils vont faire Mère Teresa en train de se torcher le fion, ils font des trucs sur tout le monde, hardcore, des trucs... Ils sont à droite ? Les post laïcs ? Ouais. Non, c'est pas à droite. Ah non, c'est militants robespierristes pour Christine Tazan. Robespierre, c'était pas à droite. Hein. Et CGT pour Pierre Cassin. Donc ça, ce sont ancien, ouais, mais c'est un ancien CGT. Ouais, mais il n'a jamais tranché sur la CGT. Hein. Et il se dit toujours communiste, d'ailleurs, si tu regardes bien. Mmh, et donc, Front populaire, Michel Onfray, il est de droite, peut-être ? Bah non. Bah, si tu veux, il se prétend de gauche, mais moi, je me demande encore... Qu'est-ce qu'il lui reste de gauche, hein. Il dit que Mitterrand était de droite. Attends. Non mais attends, c'est un confusionniste, c'est un confusionniste. J'arrive pas à dire le mot. Il sème la confusion, Onfray. Le mec, il est de droite. Il est de droite. Pour moi, il est de droite, Onfray. Mais voilà, pour toi. Mais parce que t'as pas compris, en fait, qu'on vit dans une France coincée entre la gauche et l'extrême gauche, et que tout ce qui est à droite de Mélenchon est de droite et d'extrême droite. Voilà, mais d'accord. Ça, je peux l'entendre. Américain, eh ben Marine Le Pen est à gauche d'Obama. Voilà, quand on a cette situation-là, on a tout compris. Parce que l'extrême droite française, soi-disant, en fait, elle est à la gauche de la gauche américaine. Voilà. Non, mais d'ailleurs, ce serait intéressant. Moi, j'aimerais bien le voir en visuel, tu vois. Faire une espèce de timeline, tu sais, avec la gauche, la droite et tout, l'intensité. Et il faudrait faire en sorte que la droite, l'extrême droite et la droite prennent beaucoup moins de place que le reste, c'est-à-dire du centre et de la gauche. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, bien sûr. Mais il suffit de regarder l'évolution du Front National. Jean-Marie Le Pen, il était libéral-conservateur dans les années 80. Ensuite, il est devenu quasiment gauchiste en 2006 quand il a pris Soral. Soral, c'est qui ? C'est l'ancien du Parti communiste français. C'est un marxiste revendiqué, islamophile et antisémite. Bon, c'est antisémite, ça n'a pas changé le Front National. Par contre, Marine Le Pen, derrière, elle a pris qui ? Elle a pris Philippot. Gauchiste aussi, il était chez Chevènement et Mélenchon. C'est-à-dire, on ne peut pas faire pire là, en gauchiste. Et aujourd'hui, Philippot a été au Front National, donc c'est l'extrême. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est l'auto-validation de systèmes qui a besoin d'une extrême droite hein, pour diaboliser des gens. Ouais. Parce que sinon, elle ne peut plus être de gauche s'il n'y a pas l'extrême droite. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, ça joue un jeu dans l'échiquier. Philippot, d'ailleurs,
Moi, j'aimais bien quand il était chez Le Pen, parce que j'étais là, je disais, putain, les mecs, il faut absolument réagir pour la France, allez, on prend Le Pen, il n'y a personne d'autre, et j'aimais bien quand Philippot, sur le plateau télé, il défendait la cause du Front National. Moi, j'aimais bien, tu vois, parce que je votais pour ça. Et après, quand j'ai vu Philippot se barrer, se faire virer, et monter son truc populiste, comment ça s'appelle, les Patriotes, et tout ce qu'il a débité sur le Covid et tout, anti-système et tout, je me suis rendu compte que le mec, en fait, il pouvait défendre tout ce qu'il a rangé finalement, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est moi, ça m'a fait bizarre, quoi. Je me suis rendu compte un peu que les mecs, ils pouvaient vendre un peu tout et n'importe quoi. Alors, on va passer en revue quelques petites personnes. Si tu veux bien, tu nous donnes, Jean, ton avis. Alors, assez rapidement, mais donc, Florian Philippot, quel est ton avis rapidement sur lui actuellement, on va dire? Non, pas actuellement, c'est un énarque. Donc, il fait partie de l'opposition contrôlée, comme tous les énarques qui sont dans la soi-disant opposition. Philippot, Asselineau, Cheminade, Paul-Marie Couteau. Moi, je les connais parfaitement, ces gens-là. J'ai soit été directement dans leur parti, comme, pas Philippot, heureusement, mais Asselineau, j'étais dans son parti en 2007. Paul-Marie Couteau, j'étais dans son parti, le RIF, en 2008 ou 2009. Ouais, mais on peut faire l'ENA et garder son libre arbitre, quand même. C'est pas invalidant dès que tu as fait l'ENA. Moi, je crois qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais ça, c'est une autre question. Ah l'ENA, oui, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais l'ENA, c'est invalidant parce que c'est une école qui a été fondée par Maurice Thorez. D'accord ? Et Maurice Thorez, c'était l'ami personnel de Staline. Bon. Donc, quand on sait ça, on sait quelle est la formation qui est donnée à l'ENA. D'accord ? Bon. C'est tout. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des énarques qui tiennent la France aujourd'hui en grande partie et ils sont tous de gauche ou d'extrême gauche si on prend les vraies valeurs de la gauche et l'extrême gauche. C'est-à-dire, on n'oublie pas ce que c'est la Troisième République, par exemple. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, j'aime bien les énarques. Les mecs, ils font des longues phrases et tout, ils arrivent à t'embobiner et tout, tu vois. Je préfère ça plutôt qu'un cassos dans un PMU qui a trois dents, qui raconte n'importe quoi. Moi, je préfère un mec de l'élite. Tu me reprocher de faire des longues phrases, donc il faudrait savoir. Non, mais pas du tout. J'ai fait l'énarque, moi, je n'ai pas fait l'énarque. Non, mais voilà. Non, mais bon. Bon, mais Florian Philippot, t'as pas d'avis sur son truc Covid populiste et tout, il est content là. J'ai vu que là, dans une dernière vidéo, il a dit « Ah, bientôt le pass énergétique !» Ah voilà, donc il est content, il se frotte les mains. Ça va être la crise énergétique, ah, mais non, on veut allumer le chauffage à fond. Donc il est tout le temps à contre-sens, tu vois. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ça? T'as pas d'avis, toi? C'est un communiste. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour le savoir. Il est du côté russe et chinois, d'accord. Au début, il était pour le confinement et pour les masques obligatoires, comme au Maroc. Oui, exact. Tu te rappelles de ça? C'est vrai. Et pour le confinement, comme en Chine. Alors, ça, c'est déjà exact. Un grand patriote. Après, il a complètement changé d'avis, parce que le gouvernement a complètement changé. Donc lui, le but, c'est d'être complètement à l'opposé du gouvernement, quoi que dise le gouvernement. Exactement. L'autre but, c'est de faire tourner en rond dans Paris les gens, voilà, pour leur faire perdre leur temps et leur énergie. C'est tellement vrai, putain. Non, mais attends, putain, c'est relou, quoi. Non, mais je pense que les gens qui suivent Philippot, j'imagine qu'ils ont envie d'un changement. Je pense, hein, qu'ils pensent que les élites sont déconnectées avec le peuple et puis ils en ont un peu plein le cul. Donc voilà, ils essaient de. Ouais, le changement. Ouais, le changement, c'est maintenant. Non, mais voilà, je suis d'accord aussi. Après, moi, je pense que c'est un. Le roi de l'esbrouf. Hein. Juste comme ça, en passant, est-ce que tu as un avis sur Philippe Ploncard-Assac ou pas? Non. Bon, pas très intéressant, le personnage. Franchement, c'est un peu les ambulances. Non, ouais, ce qui m'a fait marrer, je l'ai un peu étudié au moment de l'affaire Beltrame, parce qu'il s'est embrouillé les pinceaux. Je connais Arnaud Beltrame, il était franc-maçon, mais... Et donc, il montrait qu'il était proche d'un franc-maçon, alors que d'habitude, il dit toujours « Ah non, les francs-maçons, je ne les connais pas, il faut les combattre. » Mais voilà, en fait, Beltrame était à la fois franc-maçon et catholique. Philippe Ploncard-Assac le connaissait, donc je me suis bien foutu de sa gueule à cette époque-là, en disant « Qu'est-ce que tu racontes, le petit vieux, là ?» Mais bon, voilà, rien de plus à dire sur une épave. Ouais, mais j'ai du respect pour les vieux, tant qu'ils ne nous font pas chier. Non, bien sûr, non, mais son âge. Bon, ouais. Moi, à mon avis, je vous le donne. Je sais pas, je connais pas trop. Pour moi, c'est un peu les tréfonds de YouTube. Enfin, je vois ça sur YouTube, moi. Ploncard-Assac, c'est vrai que le mec, il débite tout et n'importe quoi, bof. Alors, on passe à un personnage suivant, vite fait, même si tu l'as déjà évoqué. Quel est ton avis de Daniel Conversano, rapidement? Eh ben, rapidement, c'est un gars qui comprend tout 2 ans après. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il dit « Vous voyez ce que dit Jean Robin là sur la Chine ?» Eh ben moi, c'est tout le contraire. Et puis là, aujourd'hui, il dit « Bon, en fait,
En fait, alors, il dit pas Jean Robin avait raison, parce que ça lui arracherait trop la gueule. Mais déjà, si vous regardez notre débat de 2018, c'est pour ça que je fais des débats aussi. Tout le monde me dit, pourquoi tu fais des débats? Bah, parce que quand on fait un débat en 2018, Conversano me dit, ouais, l'esquin, c'est super. Aujourd'hui, il dit, ouais, l'esquin, c'est de la merde. Moi, je disais, l'esquin, c'est de la merde. Ensuite, il disait, ouais, Jean Robin, tu t'es expatrié, t'es un salaud. Faut le savoir, ça, pour employer l'expression consacrée. Donc, moi, je ne m'étais pas expatrié, hein, j'étais venu en France, en Polynésie. Mais lui, maintenant, il s'est expatrié, donc c'est lui le salaud, d'après sa propre définition de 2018. Et maintenant, alors, il est taré, franchement. Là, Poutine attaque l'Ukraine, c'est à côté de la Roumanie. Il dit, venez, venez, les gars, il y a des belles femmes ici. Non, mais franchement, et donc, il a un problème, quoi. Voilà. Bon, d'accord, merci. Moi, pour dire, pour Conversano, je comprends que le mec a envie de se barrer de France. Tu vois. Moi, je comprends les patriotes qui ont envie de se barrer de France. D'aller... Pour aller proche de l'armée de Poutine. Ouais, bah, c'est pas mal, ouais, mais sinon, ils vont où? Les Blancs qui veulent rester entre Blancs, ils ont nulle part où aller. Donc, ils vont dans les pays de l'Est. Et voilà, c'est parti en couille, ça a pété là-bas. Après, voilà, c'est tout. Hein, je dis ça. Et bon. Ouais. Juste, il y avait quelqu'un pour revenir dans le en chat. France, qui... le ouais. bouclier nucléaire. Il ouais, n'y a pas le bouclier nucléaire en Roumanie. Alors, il y a des Français d'ailleurs qui sont envoyés là-bas. Alors, Conversano, il y a ces petites fesses qui vont être protégées par les soldats français qui, eux, risquent leur vie. D'accord ? Pour les petites fesses de Conversano, là, qui fait son business, on ne sait pas trop. C'est très bizarre son histoire. Je ne sais pas pourquoi. Non, moi, ce n'est pas sur les ragots. Mais c'est très bizarre qu'il soit, il est totalement con, mais comme il n'est pas totalement con, il y a autre chose. Pourquoi il incite des gens à se rapprocher d'un front de guerre qui tend à s'élargir quand même? Les Russes menacent du feu nucléaire maintenant, les pays baltes ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est... Et puis donc la Roumanie, c'est à côté de la Moldavie. La Moldavie, c'est la prochaine étape, hein, parce qu'ils ne sont pas dans l'OTAN. Il y a la Transnistrie, donc c'est exactement là où vont aller les mecs. Et puis il y a tous les réfugiés ukrainiens, dont il dit lui-même, en fait, c'est pas terrible. Les Roumains, ils les aiment pas trop. Ouais, mais il y en a pas des millions de réfugiés ukrainiens un peu partout en Europe de l'Est maintenant? Donc, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et donc, il aurait dû, mais ça, c'est peut-être l'orgueil, je sais pas, il aurait dû dire, bon, bah, je me suis planté, voilà, c'est pas... Maintenant, je change d'orientation, j'arrête de faire partir, d'essayer de faire partir les Français en Europe de l'Est, parce que c'est le dernier endroit sur Terre où il faut être, tu vois. Mais non, apparemment, il n'a pas cette présence d'esprit-là. Ben, je pense que ça va être catastrophique pour ceux qui vont le suivre, c'est tout. Mais chacun est responsable de sa vie. Hein. Voilà. Ok. Pourquoi toi, tu pars pas en Europe de l'Est, par exemple? C'est intéressant. Pourquoi moi, je pars pas en Europe de l'Est? Ouais. Moi, bon, on a déjà débattu hein, souvent sur ma chaîne, et même quand il y avait Daniel Conversano qui était venu, il y avait des mecs... qui avait dit qu'il voulait rester en France et tout, qui comprenait pas ses décisions, tu vois, et même d'être un peu prosélyte pour se barrer de France. Mais il a répondu, on en a pas parlé ouvertement. Moi, pourquoi je reste pour l'instant? Bah, je sais pas, je suis patriote, quoi. Mais bon, je suis patriote. J'ai un sentiment patriote, tu vois, qui est lié un peu à l'éducation, je sais pas, quoi. Je trouve que comme ça, je sais pas, ça me fait chier. Mais en même temps, il y a tellement à dire, quoi. Parce que, par exemple, je me souviens, quand il y avait Conversano, j'ai dit, mais attends, tu vois, regarde, je suis là dans le bus. Dans le bus, il y a 40 places. Si moi, je me barre dans les pays de l'Est, je laisse une place libre, et cette place, elle va être prise par un immigré. C'est le grand remplacement. Mais Conversano, à peu près, hein, et Conversano me dit, mais si tu restes dans le bus, tu vas te faire bolosser dans le bus, tu vas te prendre des coups de couteau par des Africains, et tu n'auras pas le droit de te défendre, sinon tu vas aller en tôle. Parce que, tu vois, donc c'est vrai qu'aussi, on vit dans un pays à la con, où on a le droit de fermer sa gueule et tout. Donc moi, je comprends les patriotes qui se barrent. Voilà, c'est pour ça que je peux même comprendre les patriotes comme Papacito, qui veulent accélérer et voter Mélenchon pour qu'ils voient bien à quel point c'est la merde. Moi, je comprends un peu tout le monde. Après, moi mon point de vue, à moi, bon, là, c'est tout, quoi. Ça, toi, hey, tu t'es quand même barré dans les îles. Il y a quand même... Enfin, je veux dire, tu nous disais qu'il n'y avait pas de mosquée là-bas dans les îles. Hein. Désolé de te ramener à ça, hein, mais... Bah, j'en suis fier, hein, qu'il n'y ait pas de mosquée ici. Il faut être fier. Voilà. Non, mais c'est aussi un peu ce qui t'a motivé, bon. Tu vois ce que je veux dire. Entre autres, enfin, je sais pas. Non, mais c'est une décision qui a été connectée par Dieu. Il m'a dit d'aller là-bas. Bon. Je sais que ça paraît dingue. Non, quand on ne croit pas en Dieu, moi j'y croyais pas. Mais pour revenir sur Conversano, Papacito, tout ça, c'est marrant parce que Conversano, par qui il a été tapé? C'est pas par Soral? Oui. Il est pas blanc, Soral? Oui. Bah si. Moi, par qui j'ai été tapé une seule fois dans toute ma vie? On m'a cassé la gueule, j'ai failli crever. Je sais pas. C'était des bikers. Je raconte ça. Ah oui, c'est vrai. Des bikers. Ah ouais. Des bikers. Hein, parce que j'embrassais ma femme. On était des jeunes mariés et tout. On va écouter le concert d'un ami, d'un de ses amis à elle. J'embrasse un peu. Et ben, y a un mec bourré qui m'a tapé sur le derrière de la tête. Hein. Ça m'a rendu inanimé. Je me réveille. 30 ou 40 bikers autour de toi qui dit c'est quoi le problème?
Wow. Donc on a failli crever avec ma femme, parce qu'elle s'est mise entre nous, etc. Bon, donc ce n'était pas ma femme actuelle, c'était l'ancienne. Bien sûr, ouais, ouais. Mais donc, c'est pour te dire, en France, les antifas, ils tapent personne ? Ils ne sont pas blancs ? Mais oui, hein, mais attends, mais... Oui, mais moi... À chaque fois, j'ai demandé à Alexandre Cormier-Denis, tu t'es déjà fait taper, toi, par un immigré ? Oh non. Conversano, oh non. Toi, tu t'es fait taper par un immigré ? Moi ? Oui, toi ? Ben à l'école, quand je suis revenu avec un cocard, c'est vrai que c'était un arabe qui... Mais attends, il était autant français que Jeanne d'Arc, un arabe. Mais c'est vrai que c'était un petit arabe qui m'avait foutu un coup de poing comme ça, par surprise. J'étais un petit gamin en primaire. Ouais, non, après, j'ai peut-être eu de... Oui, c'est vrai qu'une autre fois, il y en a un qui m'a craché dessus, quoi. Mais c'est le hasard. Donc, est-ce que c'est pas un peu une paranoïa, là, que vous nourrissez tous, là ? Je pense que c'est psychiatrique. Il faut prendre du Xanax. C'est-à-dire, il y aura moins d'Africains en France si on prend du Xanax. Certainement, je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a 6 millions, combien ? 6 millions de musulmans arabes en France, et t'as pas été tapé une seule fois ? Mais tu vis sur une île où il y a que des blancs ou c'est quoi, Par contre, là, ce que tu essaies de nous démontrer, moi, je te dis, ça change rien. C'est-à-dire, même s'il peut y avoir des blancs qui me tapent la gueule, des blancs qui sont complètement contraires à mes idéologies, patriotes, ou ce que tu veux, ça n'empêche que ça me casse les couilles quand j'allume Netflix et que je vois que des Africains dans ma télévision parce que j'habite pas en Afrique et je me reconnais plus dans le programme qu'on me propose dans ma télé. Donc si tu veux, ça change rien qu'il y ait des blancs qui me pètent la gueule. Je te parle de la menace identitaire, c'est pas ou l'un ou l'autre. Voilà, c'est tout. Donc oui, il y a tous les communistes blancs français de souche, ça restera des cerveaux malades. Mais moi, ça me fait chier cette menace identitaire. Et puis c'est tout, quoi. Voilà ce que je te dis. Et pour moi, c'est pas éliminatoire, c'est pas ou l'un ou l'autre. Si, parce que c'est ce que je t'ai démontré tout à l'heure. Alors, je répète, mais d'une autre manière, pour que tu comprennes bien. Donc, si demain, imaginons tous les Noirs et les Arabes quittent la France. D'accord ? Ouais. Est-ce que c'est possible que Conversano revienne ? Oui, mais justement, puisqu'il est bête. Est-ce que les problèmes de la France sont réglés ? Alors, lesquels ? Non. Bah, tous. Bah, ça dépend. Non, parce que, par exemple, alors je sais que Zemmour a eu des problèmes avec ça, mais il paraît que la population carcérale est assez représentative d'une certaine minorité d'ethnie. Alors, je sais pas, hein, je prends ça avec des pincettes. Est-ce que ça viderait les prisons, du coup de... Ben voilà. Ouais, donc tu as ta réponse, ça viderait les prisons. Non, je n'ai pas dit oui. J'ai dit, est-ce que les tueurs en série sont noirs ou sont blancs en France ? Non, mais je veux dire... Non, mais c'est un exemple. Non, mais moi, je te donne un exemple. Qu'est-ce que ça... Non, bah, ça me gonfle. Tu joues au con, là. Putain, ça m'emmerde. Et c'est toi le communiste, hein. C'est toi le socialiste, c'est toi le gaucho. Putain, on va travailler chez Mediapart, hein, sans déconner. Donc, quand on a le ministère de l'Intérieur qui nous dit qu'il y a, je sais pas moi, 60% d'agressions dans le métro à Paris qui sont issues de mecs issus de l'immigration. Tu me dis qu'il y a plus d'immigration en France, je te dis qu'il y a moins 60% d'agressions dans le métro à Paris. Et il y a peut-être moins 70% dans les prisons. Voilà, t'as ta réponse. Ouais, mais moi, donc ça change pas rien. T'essayais de me faire dire, ça change rien. Non, ah ouais. Je sais pas de dire ça. Je t'ai dit, la plupart des problèmes français restent. C'est-à-dire qu'on a toujours des connards qui nous dirigent, qui veulent nous imposer le modèle chinois. D'accord ? Ça, c'est pas les musulmans qui veulent nous imposer. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et ben alors, c'est ça le problème. Voilà. Là, non, je rejoins peut-être Filippo, c'est qu'on veut nous imposer des confinements. T'étais pour le confinement, peut-être ? De t'enfermer. Alors, moi, je pense que le confinement était efficace, effectivement. Ouais. Parce que t'es communiste. Enfin, franchement, c'est une mesure communiste. Il n'y a pas plus communiste comme mesure. Non, mais ça vient de la Chine. Je te parle pas par rapport à la liberté. Je te parle par rapport aux contaminations. Je te dis, c'était efficace, le confinement. Mais pas du tout. Ça n'a pas été démontré scientifiquement. Pourtant, si. Pourtant, après les confinements, on a les statistiques et on voit que ça chute drastiquement. Pas du tout. Et en plus, c'est un exactement que si. Le confinement, c'était un conditionnement. Ça n'avait rien de sanitaire. Ça, c'était le prétexte. Comme d'habitude, les totalitarismes ont toujours besoin de prétextes pour s'imposer. Non mais, attends, tu brodes. Tu veux que je te montre les courbes avec les dates des confinements et tu vas voir que ça a eu une incidence flagrante. Donc, si vous voulez voir la réalité, les mecs, je vous dis, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir que j'étais heureux pendant le confinement, bordel de merde ? Non, mais tu me demandes est-ce que c'était efficace ? Oui, c'est efficace. Non, voilà. Regarde la Suède. Foutre des capotes pour baiser, c'est casse-cou, c'est nul. Franchement, ça enlève tout le plaisir, c'est trop nul. Et en même temps, tu chopes vachement moins le sida, mon pote. C'est relou, mais c'est efficace. Comme le confinement, tout pareil. Non. On peut faire baiser sans capote, mais avec capote, tu chopes moins le sida, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc, si
Non, moi, je veux dire, quand on est normalement constitué, on a un partenaire sexuel dans qui on fait confiance et qui nous fait confiance. Oui. Mais ça, c'est la société, justement, décadente que tu dénonces peut-être, ah bon, qui te fait te multiplier tes partenaires sexuels. Pourquoi tu n'as pas un seul partenaire sexuel dans qui tu as confiance et que mais tu pas moi, c'est pas moi, je te parle des rats. Alors, le confinement, tu as la Suède, d'accord, qui n'a pas fait un seul confinement, la Suède, parce qu'ils sont contre le Parti communiste chinois. C'est lié directement. Et la Suède, ils ont moins de morts par habitant que nous. Donc arrête, c'est faux. Tu reprends BFM TV, là. Non, pas du tout. Pas alors déjà, moi, je veux défendre BFM TV parce que c'est trop facile de dire BFM TV, c'est trop nul. Écoutez, quand France il... Non, mais... France Culture, venez, France on fait le test. Mais, non, mais ça me gonfle aussi. C'est trop facile, putain. Franchement, hey, il faut un peu vous renouveler, les mecs, quoi. Venez, on allume BFM, on écoute ce qu'ils disent. Les mecs, ils, franchement, je vous jure, ils prennent des pincettes. Quand il y avait les manifs de Gilets jaunes, tout le monde disait « Ah, BFM, c'est les enculés !» BFM, les mecs, ils sont carrés. Ils te disent « Selon le gouvernement, il y avait 15 000 personnes. Selon les manifestants, il y en avait 35 000. » Voilà, c'est tout. Après, ils peuvent être parti pris sur certains points, mais arrêtez de le cliché, franchement. Pour moi, c'est tellement... c'est bon, c'est surfait, quoi. Je veux dire, BFM collabo. Putain, achetez-vous un cerveau. Franchement, les mecs, ils sont nettement plus carrés sur BFM. Et ouais, vous l'entendez jamais. Vous entendez jamais personne défendre BFM. Parce que c'est trop facile de dire, ah, BFM, c'est les enculés. Sur Internet, tu as nettement plus de mecs décérébrés qui racontent n'importe quoi, qui déblatèrent comme toi, ça peut t'arriver, Jean-Robin, plutôt que sur BFM. Je peux vous le dire, ça, putain de merde. Moi, ça m'énerve, tu vois. Et pour parler du confinement et de la Suède, là, j'ai pas le dossier sous les yeux, mais c'est plurifactoriel. Voilà. Hein? Ah bon? Ah, c'est plurifactoriel, alors. Ouais. C'est facile de dire. Non, mais c'est pas ça. C'est que derrière, c'est un peuple, ils étaient déjà habitués au télétravail avant le Covid. Ça vient de là, c'est sûr. C'est évident. Ça n'a aucune incidence, selon toi? Eh ben, la France... Les gens travaillent de chez eux. Je peux répondre. La France a été obligée par Elisabeth Borne, membre du Paris Shanghai Club, hein, si ça t'intéresse, parce que c'est le modèle chinois qui s'applique. Ah oui, c'est vrai. Elle a été obligée de travailler. Elisabeth Borne a dit d'abord, on va inciter les gens à travailler à distance. Après, elle a dit... En fait, on va vous obliger. Et puis ceux qui ne le font pas, eh ben, ils auront des amendes. En fait, ça, c'est ça la société que tu veux, avec le confinement, avec le travail à distance obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune initiative personnelle ni individuelle. C'est l'État qui dit, voilà, maintenant, VV, tu vas rester chez toi parce que tu es bien portant, mais on va t'enfermer chez toi. Et puis tu vas te signer une autorisation de sortie toi-même. Et moi, ouais, exactement. Exactement, c'est exactement ça, Jean-Robin. Et moi, comme j'ai aucun... Mais, et oui, c'est ça. T'as entièrement raison. Et moi, comme j'ai absolument zéro élan libertaire, je suis comme un poisson dans l'eau quand je suis tenu par les couilles par un État qui me dit « Reste enfermé chez toi, on t'oblige à te vacciner, fais ceci, fais cela. » Exactement, c'est pour ça, c'est bien ça. J'ai absolument aucun élan libertaire. Exactement. Moi, je suis un mouton. C'est pour ça. J'écoute BFM, je suis un mouton et je me remets absolument rien en question. Voilà, c'est ça. Vous êtes éveillés, les mecs. Attention, éveillés, ça se dit woke. Ah bah ouais, ben. Moi, j'ai enquêté. C'est pas pareil. Toi, t'as pas enquêté. Tu ne sais pas d'où viennent ces mesures. C'est-à-dire que la Chine communiste, qui est le régime dictatorial qui met des millions de gens dans des camps, et pas que des musulmans, hein, des chrétiens, des Falun Gong, etc., depuis 1999, qui leur prélève des organes de force avec l'aide des chirurgiens français et espagnols, au passage, c'est ce système-là qui a imposé le confinement au monde entier, d'accord ? En l'imposant d'abord à sa propre population, ils ont dit « on va le faire comme on a fait pour les Ouïghours », d'accord ? Donc c'est ça la norme, c'est les Ouïghours, on va tous devenir des Ouïghours, et toi tu dis « ouais, génial, super !» Attends, réveille-toi. Là pour le coup, c'est pas que je suis éveillé, c'est que t'es sacrément endormi. Si, tu vois, tu me dis « réveille-toi », ça veut dire que toi t'es réveillé, que moi je suis pas réveillé, ça veut dire que t'es un wok. Mais moi je t'ai pas dit que je m'épanouissais dans cette censure, je t'ai dit que c'était efficace, cette mesure liberticide. Cette mesure liberticide est efficace biologiquement, que ça vous plaise ou pas, les mecs. Attendez, j'ai mon truc là, j'ai oublié ma... Voilà. Donc, non, parce qu'il y a eu plein de conséquences au confinement. Hein, il y a eu des millions de conséquences sur les gens qu'on enferme chez eux comme ça de force. Tu crois que ça n'a pas de conséquences? Mais c'est quoi multifactoriel pour toi? C'est juste quand ça va dans ton sens ou tu prends toute la réalité en cause? Non, pas du tout. Des psychologues qui ont dit que les enfants devenaient dingues, comme avec le masque, qu'on t'a imposé obligatoirement aussi à un moment. Ça, c'est dingue en école. Tu défends ça aussi? Non. Ben, non, mais attends, mais je défends si c'est nécessaire. C'est pas nécessaire, bébé. C'est ça qu'il faut voir. Là, on a 2 ans de recul maintenant. On a vu que les gosses, on les a traumatisés.
où tous les connards de profs ont imposé ça, parce que c'est tous des moutons, là, pour le coup, communistes pour la plupart, t'es d'accord là-dessus? Ils disaient, allez les gamins, si vous mettez pas votre masque, hein, vous allez chez le directeur. T'as jamais entendu ça, toi, dans tes... Je sais pas, enfin... Attends, et tu crois que ça me faisait pas mal au cœur d'envoyer ma fille à l'école et qu'ils aient tous le masque sur la gueule? Alors moi, j'ai essayé de plaisanter, de dire, tu sais, il y en a, ils sont tellement moches, ils y gagnent à avoir un masque sur la tête au moins, tu vois, mais tout le monde y perd pas. Mais évidemment, c'était un crève-cœur, quoi, bon... Ben, toi qui es attaché au QI, il y a une baisse de 20 points de QI en moyenne sur ces deux années-là, des enfants. Je suis pas attaché autant que ça au QI. Ah, c'est pour ça que tu me parles de QI, toi. Non, mais pas tant que ça, j'ai jamais fait de test de QI. C'est important le QI aussi, non? À quoi ça sert d'avoir une population française dont le QI va atteindre ceux des populations que tu dénonces soi-disant? Moi, je ne reprends pas ça à mon compte parce que c'est débile, mais c'est dans votre imaginaire. Là. Ah, mais tu considères, considères que le QI reflète l'intelligence? Bah, une partie, oui. Donc si on fait baisser les... Alors là, QI, on va sortir la carte des QI à ce moment-là. En partie, je dis bien en partie. Ouais. Voilà. Et c'est une moyenne... Non, mais s'il y a des mecs qui ont 80 QI qui... Entre toi et moi, il y a un écart beaucoup plus grand de QI qu'entre moi et ma femme, par exemple. Je sais pas. Bon, on parle de QI, on va prendre Starduck, si tu le veux bien. Je connais, c'est un habitué. Starduck, t'es parmi nous. Alors, il faut attendre peut-être qu'il prenne son... Salut, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci d'avoir patienté jusque-là. Écoute, il y a toujours Jean-Robin qui est avec nous. Est-ce que tu voulais lui dire quelque chose? Alors oui, tout à fait. Bonsoir Jean. Alors déjà, je trouvais que c'était un peu fallacieux de reprocher à VV donc sur les agressions d'Arabes en disant « Ah, est-ce que tu serais pas en train de les déscientialiser, de dire qu'ils sont agressifs parce que tu as une mauvaise expérience ?» Mais de la même manière que tu prends en exemple le fait pour les défendre, que tu dis « Moi, c'est que des Blancs qui m'ont agressé dans ma vie. » On avait un intervenant... vers les derniers lives avant les vacances, qui disait en fait les mêmes arguments, c'est de dire « Moi, dans ma vie, il n'y a que des Blancs qui m'ont emmerdé, donc les Blancs, ils sont méchants, et comme les Arabes, ils m'ont pas emmerdé, ils sont gentils. » Donc, tu vois, ce biais-là, en fait, il peut appliquer d'être des deux côtés, en fait, premièrement. C'est absurde de reprocher ça à DV. Donc, je peux répondre là-dessus? Oui, bien sûr. Merci, Starduck, pour ta question. Merci, Starduck. Donc, j'ai dit au début de notre échange que les échanges sur la race étaient débiles, donc ça ne m'intéresse pas en fait. Donc je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit en parlant de la race, sauf que c'est débile. Voilà, c'est la seule chose. Moi, pour moi, ça se passe à un autre niveau. Le Parti communiste chinois et les communistes mondiaux, qui se sont alliés depuis très longtemps, veulent nous imposer leur gouvernement mondial communiste, sans contre-pouvoir, et nous mettre dans des goulags, en commençant par chez nous, avec le confinement. Voilà, c'est ça qui compte pour moi, là, aujourd'hui, et qu'on est en Troisième Guerre mondiale, et que notre élite se couche devant l'ennemi, et qu'il y a eu 95 000 morts, là, si on veut parler des morts, il y a eu 95 000 surmortalités 2020-2021, d'après l'INSEE, hors vaccin, et donc ça, c'est une attaque comme on n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ben, la Deuxième Guerre mondiale, t'avais les pétainistes qui disaient « Non, il se passe rien », et puis les véritables ennemis, c'est les bolcheviks. Et puis, il y avait les résistants qui disaient « Ben non, les véritables ennemis, c'est les nazis qui nous occupent ». Et ben aujourd'hui, t'as pareil, 40 millions de pétainistes à l'époque, 65 millions de macronistes aujourd'hui qui disent « La Chine n'est pas un ennemi, elle nous a pas attaqué, Jean-Robin est un dingue », quand ils me connaissent. Ok, alors merci. Mais... Attends, juste pour savoir, pardon. Après, on va embrayer sur la soi-disant attaque biologique de la Chine, mais qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que selon... Parce que je comprends qu'on défend de la liberté, les mecs, hein, dans les concepts et dans la pratique en société, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut parfois rogner sur la liberté individuelle pour privilégier la communauté, le grand groupe national, ou est-ce que tout de suite Jean-Robin va nous traiter de communistes parce qu'on fait passer le collectif avant la liberté individuelle? Juste, c'est une question qui est un peu confuse, mais est-ce que tu comprends, Jean-Robin, qu'on puisse un peu rogner sur la liberté individuelle pour défendre le collectif? Selon toi, t'es trop libertaire, trop libéral, toi il faut absolument la priorité aux libertés individuelles. Genre la ceinture de sécurité, par exemple, voilà. De quoi? Moi, je suis... Genre la ceinture de sécurité dans les bagnoles qui sont obligatoires, par exemple. C'est un exemple. C'est une contrainte qui nous est imposée. On pourrait dire « je veux être libre de ne pas la mettre, c'est mon problème », mais on l'impose parce que c'est un coût pour la société, que des gens se blessent en faisant des accidents et qu'après, il faut les soigner dans les hôpitaux, quoi. Parce que c'est vrai que ça modèle une société. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Robin? Je suis pas très clair, peut-être. Ouais. C'est une question philosophique passionnante. Donc, il y a deux contextes déjà. Il y a le contexte de paix, il y a le contexte de guerre. C'est pas du tout le même contexte. Et
en contexte de guerre, un État est justifié à imposer des limitations de liberté dans la préservation de la patrie. Mais il faut savoir jusqu'où ça va, parce que là, ça se débat. Aux États-Unis, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils mettaient les Japonais dans des camps. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas parce qu'ils étaient inhumains ou je sais pas quoi, c'est que les Japonais organisaient des attentats, parce qu'ils étaient en guerre contre le Japon, et que c'était intégralement des ennemis potentiels. Voilà. Donc oula, ça, c'est en tant que... Ça me rappelle quelque chose, ouais. Ouais, bah Macron est en train de faire non, la ça chasse. Ça me rappelle... rien, j'allais dire un truc, mais... Bon. Donc, merci Théo pour le don. Tout dépend déjà si on est en temps de paix ou en temps de guerre. En temps de paix, il doit y avoir des principes qui sont établis dans une constitution. Alors en France, on a une constitution de merde. Mais aux États-Unis, par exemple, ils ont une constitution avec le premier amendement, avec le deuxième amendement, donc droit du port d'armes fondamental, et même en temps de guerre d'ailleurs. Surtout en temps de guerre, mais même en temps de paix, donc, et liberté d'expression totale et quelques autres droits. Donc si l'État va plus loin que ça, il est en infraction. Et donc, il ne peut pas limiter les libertés plus que ça. Ça, c'est la Constitution qui doit le déterminer. Après, en temps de guerre, effectivement, il y a des mesures exceptionnelles qu'un État, je trouve, peut justifier légitimement pour protéger la patrie, mais sans aller non plus jusqu'à enfermer des gens chez eux, quand ils sont bien portants. Ça, c'est du délire. Eh bien, on nous a imposé ça quand même. J'y reviens, parce que quelqu'un dit le confinement est fini, pourquoi en parler? Sauf que ça a duré longtemps, cette histoire. Ça a traumatisé beaucoup de gens, et il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est une préparation pour la suite. Ouais, je suis d'accord. C'est pas parce que c'est terminé qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, maintenant, on peut en parler peut-être mieux... mieux réfléchir, poser un regard un peu analytique, et puis on peut d'ailleurs se projeter, parce que c'est bien possible qu'il y ait d'autres virus, hein, bien sûr, qui... Alors j'ai vu là, c'est, je sais plus, en Argentine, je sais pas où, il y a un virus à la con, on va voir un peu ce qui va se passer, mais... Donc voilà, ça risque de se reproduire, donc la question de la liberté se pose, bien sûr, oui, oui. Ouais. Ouais, en chat privé, il dit, Jean, tu as la même ligne que Salim Laibi sur le Covid. Non. Salim Laibi, il y a un an, disait, mais Jean Robin... avec son parti communiste chinois, mais qu'est-ce qui nous emmerde? Et aujourd'hui, il diffuse sur son compte Telegram, j'ai vu, des vidéos de drones chinois qui viennent dire aux Chinois, restez chez vous, parce que là-bas, ils sont confinés. Hein. Ils confinent, là, il y a quelques jours, ils ont confiné 21 millions de personnes d'un coup. Shanghai, c'était plus que ça, ils avaient confiné pendant 2 mois. Les mecs ont crevé de faim. Et c'est ça, en fait, le modèle, parce qu'ils sont en train de préparer les Chinois à passer d'un mode de paix à un mode de guerre. Et donc, on est en guerre. Voilà, Macron, il avait raison là-dessus, il nous a pas dit qu'on était en guerre contre la Chine, ni contre le communisme, et puis que lui-même était en guerre contre nous. Ça, il a oublié de nous le dire, bah, faut l'excuser, ça lui a échappé. Ok, alors les mecs, dire... ouais, Sardeg, vas-y. Et du coup, je voudrais revenir sur ce qu'on disait la première fois. Donc pour Jean Robin, c'est la race, c'est pas important, etc. Donc, c'est quoi? C'est plus visé pour diviser pour mieux régner, c'est ça? Mais du coup, tu comprends bien que nous, notre postulat, il est clair pour les gens de droite nationaliste, c'est qu'on ne veut plus des immigrés africains, parce que de toute manière, ça créera des divisions, qu'on le veuille ou non. Donc certes, il y en a qui peuvent très bien s'intégrer en toute petite minorité, il n'y a pas de problème, mais dans l'état actuel des choses, c'est impossible de faire corps avec ces personnes, car elles nous détestent de par l'histoire de la colonisation française dans leur pays d'origine. En faisant ça, tu tombes dans le piège de ceux qui veulent que tu tiennes ce discours-là. Justement, pour sortir de ce piège, il faudrait que ces gens-là retournent dans leur pays. Et mais une fois qu'ils seront dans leur pays et qu'il n'y aura plus de division raciale en France, les gens seront peut-être un peu plus unis. Même s'ils ne seront pas totalement unis, je suis d'accord, mais il y aura quand même un peu plus d'unicité que dans l'état actuel des choses. Il ne faut pas déconner. Donc, il ne faut pas déconner. Et effectivement, tous les gauchistes là, qui se disent de droite, alors qu'ils sont de la Troisième République que j'ai citée tout à l'heure, ce n'est pas innocent. Il faut que vous réfléchissiez un peu quelles sont les références du racisme en France. C'est la gauche, première chose. Deuxième chose, il faut s'en prendre aux causes et pas aux conséquences. L'idiot regarde le doigt quand le sage monte la lune. Donc c'est que la plupart des Français sont des énormes gauchistes. Je fais un raisonnement, laisse-moi terminer. Je vous montre le marxisme, d'accord, qui est la cause de la venue de l'immigration, comme on l'a dit tout à l'heure avec VV. J'espère que tu es d'accord avec ça. C'est-à-dire que les gens suivent leur intérêt. Et les gens. On l'a dit moult fois, on est d'accord. Donc, il faut dénoncer le marxisme. Ouais, mais attention, désolé. Excuse-moi, Jeannot, je vais défendre le marxisme. Non, c'est pas ça, mais c'est aussi les patrons et le libéralisme qui a engendré l'immigration. On est d'accord. Pourquoi les patrons? Ça, c'est encore une classification
les grands patrons. Le patron de son épicerie, c'est pas lui qui a dit oui, mais voilà, je veux dire, parce que le regroupement familial, c'était les mecs de droite, les libéraux, hein, qui voulaient le grand patronat. Donc c'est pas que la faute au marxisme, par exemple. Non, parce que tu trouves que toi, Giscard, il était de droite, c'est-à-dire qu'il a libéralisé l'avortement, et ça, tu trouves que c'est de droite, en fait. C'est ça, non, mais le problème, c'est que vous n'avez pas. Est-ce que les patrons avaient un intérêt à avoir de la main-d'œuvre pas chère? Oui. Ah. Mais ça, c'est le discours marxiste. Hein, tu peux mais non, mais d'ailleurs, il le dit, Marx. Il le dit, c'est l'armée de réserve. Voilà, super. Les gens suivent leur intérêt. D'accord? Oui. Donc, ce n'est pas les patrons qui ont passé la loi. C'est Giscard. Qui est Giscard? C'est un énarque, d'accord, formé par donc Maurice Thorez. Je suis désolé d'y revenir, mais enfin, ce n'est pas moi qui fait que l'ENA aujourd'hui domine quasiment toute la France, l'élite oligarchique. D'accord ? Des médias, des ministères, des ONG, tu les regardes, des banques. Il y a tellement d'énarques, d'inspecteurs des finances, des polytechniciens. C'est toute cette technocratie-là à laquelle les droitards, soi-disant, qui sont en fait des gauchistes, ne se prennent jamais. Ils s'en prennent jamais. J'ai jamais entendu Conversano, Papacito ou je ne sais pas qui s'en prendre à l'ENA. Jamais. Ni à la CGT. La CGT, elle a fait venir bien plus d'immigrés que le patronat qui n'existe pas. La CGT, ça existe, la CGT, tu vois. Si tu t'intéresses un peu, comme je m'y suis intéressé, à l'histoire de la CGT et du communisme, eh ben c'est le contraire, en fait. Vous tombez dans tous les pièges. Donc, il y a le Marchais qui va dénoncer l'immigration dans deux conférences électorales. Donc, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, comme disait Pasqua. Eh ben ça, vous allez dire, ah voilà, et Zemmour va sortir Marchais comme un héros. Donc c'est l'inverse, là, si vous ne voyez pas que le communisme a fait venir tous ces gens pour faire des nouveaux votants, d'accord ? Pour la gauche, à l'époque, si on reprend les années 60, c'était la guerre d'Algérie, et c'était De Gaulle. Voilà. Donc chacun voit son intérêt, y compris les gens qui immigrent, eux aussi voient leur intérêt individuel, et donc chacun voit son intérêt, et dans tout ce merdier, bah après ça fait bouger un peu les plaques tectoniques. Mais du coup, tu vois, ça rejoint quand même ce que l'on dit, c'est-à-dire que tu le dis, c'est que ces personnes d'origine immigrée sont tous favorisent en fait les gauchistes au pouvoir. Donc encore une fois, maintenant qu'ils sont là, ils sont un frein total à l'émancipation de la France, quoi. Déjà, on peut pas généraliser. Tu as des gens qui sont bien intégrés, qui travaillent, voilà. Oui, on peut être raciste, mais c'est con d'être raciste. On est d'accord, mais VV raciste, c'est-à-dire que les prisons... On ne généralise pas, déjà. On ne généralise pas, surtout si on ne veut pas faire sauter la chaîne de VV. Bon. Ensuite, si on supprime toutes les subventions, toutes les allocations, toutes les aides, d'accord, à la CIMAD, à toutes ces organisations qui les font venir, si on arrête dans les médias de dire « c'est super, les bateaux qui viennent les chercher dans la Méditerranée », et si on diabolise ce discours-là, d'accord, plutôt que les immigrés, eh bien, ça aura plus d'efficacité, à mon avis, parce qu'à un moment, il faut que ça s'incarne politiquement. Là, je ne vois pas en France de mouvement de droite, parce que personne ne critique le communisme. Voilà. Ouais. Alors juste... Pardon, est-ce qu'on est d'accord, qui critique le communisme aujourd'hui en France, à part Jean-Robin ? Mais il y en a plein. Le premier... Nous, tous les soirs en radio libre, Jean-Robin. Voilà, nous, déjà. La question que tu me poses, c'est pas sur le communiste. Tu connais rien sur le communisme. Je suis sûr que t'as pas lu Marx. T'as pas lu. Est-ce que tu as lu des livres sur, parce que c'est des livres étrangers la plupart du temps, sur les manipulations de mais la non, Chine. Non, on lit pas des livres. On regarde des vidéos YouTube, mais on n'aime pas les communistes. On n'a pas envie. De toute façon, le communisme, c'est un truc en voie de disparition. Mais alors, juste pour suivre un peu avec le chat, il y a Maizap qui demandait, par exemple, que Jeannot dénonçait jamais les Américains. Donc, est-ce que selon Jean-Robin, ce sont nos alliés, je te dis ce qu'il écrit. Il faut que vous sortiez de cette pensée marxiste qui vous fait penser par classe. C'est ça, la lutte des classes. C'est débile. Les États-Unis, ça veut dire quoi, les Américains? Dans les Américains, il y a Trump et il y a Biden. C'est comme si vous disiez, il y a VV et il y a Macron en France. C'est la même chose? C'est deux Français, non? Bah, c'est d'ailleurs, pas la France. Il a le même âge que nous, hein, Jean, Emmanuel. On a le même âge tous. On est tous de la même année. On n'a pas eu le même destin, finalement. Hein. Ni le même que nous. Donc, lui a gagné quand même. Je pense qu'on peut dire que sur nous trois, c'est lui qui a gagné. Ah non, lui il a perdu parce qu'il va aller en enfer. Lui il va aller en enfer avec tout ce qu'il fait. les États-Unis, moi je les critique matin, midi et soir. C'était la question de MyZap dans le chat. Mais je lui donne la réponse parce qu'elle ne s'intéresse pas à mon film. Qu'elle aille sur ma chaîne, elle verra la seule vidéo de. C'est un garçon, enfin. Sur
garçon. Maintenant, on ne sait plus. Ah, on ne voit pas le méchant en vrai. Voilà. Donc, je suis le seul en France à avoir parlé du livre de Peter Schweizer, Red Handed, qui met en cause tous les Américains qui ont collaboré avec la Chine communiste. Il y a Biden là-dedans, il y a Pelosi là qui vient d'aller à Taïwan, il y a Elon Musk, je suis quasiment un des seuls à critiquer Elon Musk dans ce pays. Il y a LeBron James. Tu critiques Elon Musk? Bien sûr, il est allé. C'est un winner, il ne faut pas critiquer les winners, putain! C'est un winner qui est, c'est l'homme le plus subventionné de l'histoire. Donc certainement, il t'a pris de l'argent parce qu'il y a des Tesla ici. Il travaille avec la Chine à fond, c'est-à-dire toutes ses batteries électriques, elles viennent de la Chine. Il a même fait une gigafactory à Shanghai. Les patriotes américains, là, il y a Peter Navarro, j'ai relayé sur mon Twitter récemment, il le démonte. Il dit, Trump le déteste, ce type. D'ailleurs, Trump s'est foutu de sa gueule avec son contrat avec Twitter, qui est un mauvais contrat. D'ailleurs, c'est en train de partir en lambeaux, cette histoire. Parce que Musk est allé délocaliser ses productions de Tesla en Chine. Et donc, il dépend, dit Peter Navarro, donc ancien conseiller de Trump sur la Chine, il dépend du bon vouloir de Xi Jinping et donc il est obligé de lui baiser le cul, dit Peter Navarro, c'est pas moi. Ah, d'accord. Elon Musk est obligé de baiser le cul de Xi Jinping tous les matins, sinon il ferme sa gigafactory. Et le gars est en train de se faire tout copier par les Chinois. Ça va vraiment surprise. Ah, mais ça, c'est donc, le dans game. Dans 2 ans, Tesla, ça n'existe plus. Voilà. On prend rendez-vous si tu veux. Bon, on verra ça. Hein. Écoute. Je sais pas s'il a du souci à se faire, Elon Musk. Alors, juste pour vous dire qu'il y a Mono et personne qui nous a rejoint dans le StreamYard. J'espère que ça vous plaît. Mettez des likes. Si l'intervenant vous intéresse, Jean Robin, sachez qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle Jean Robin. Hein, c'est ça ta chaîne. Voilà. Un. J'ai deux chaînes. Jean Robin normal, mais je la mets de côté. C'est ma chaîne secondaire. Ça. Bon. Et là, voilà. Et donc, c'est un auteur qui écrit des livres. Vous pouvez les acheter. Il fait des vidéos. Il a aussi un système de vidéos. D'abonnement, de vidéos privées sur Patreon, c'est ça, pour ceux qui veulent en savoir plus. Et c'est beaucoup sur la Chine communiste et tout. Alors, mon nom est personne, t'es là? Tu nous as rejoint? Ouais, je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien? Et likez le live, c'est ça que je voulais vous dire. Likez le live et partagez. Ouais, salut mon nom. T'as un truc à dire ou quoi? 5 sur 5. Ouais, on t'entend 5 sur 5. Ouais. Je crois que c'est lui qui ne nous reçoit pas. Ah, tu nous entends toi? Ouais, je m'entends. Ah, tu nous entends, bah génial. Bah super. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Debout, bah, salut Jean, mais qu'est-ce que tu reproches à Zemmour? Je comprends pas. Oui, à l'ancienne, la question à l'ancienne. Ma question est simple. Donc, c'est le principe de l'opposition contrôlée. Bah, vous l'avez pas vu là pendant la campagne? Il a fait passer Marine Le Pen pour une nana sympa, finalement. Et donc, elle a pu passer toute la campagne tranquille. Et résultat, au deuxième tour, ils nous ont joué une valse à 3 temps où elle lui a rien reproché de tout son bilan. Et puis c'est tout. Donc, résultat, aujourd'hui, il est sur la paille, parce que ce gars, en plus, est un loser. Il est allé même se présenter en tant que député, il a perdu. Donc, il n'a aucun feeling politique. C'est un commentateur qui n'a jamais rien fait de sa vie autre que commenter. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce 7%, qu'il a découvert 7% pour une première présentation, je veux dire, pour une première candidature à l'élection présidentielle, c'est pas mal, hein. Moi, je sais, il y a des mecs de l'UPR qui me disent quand même 1,2% d'Asselineau à la première élection, c'était pas mal. Bon. Non, ça, c'est de la merde. Exigence. Lui, il voulait gagner l'élection, il n'était pas parti pour 7%, t'es d'accord? Donc, il a échoué lamentablement. Et il aurait dû se retirer comme son modèle, soi-disant, De Gaulle, s'est retiré en 69 après le référendum. Ça, j'ai trouvé ça con quand De Gaulle s'est retiré, moi, franchement. Ah, il était vieux. Ah, il était vieux. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il avait perdu son référendum, mais j'ai trouvé ça débile, moi. C'était un des seuls trucs honnêtes qu'il a fait dans toute sa carrière. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est un sujet qui peut diviser De Gaulle, mais... Bon, d'accord, toi, tu ne le portes pas... Alors, juste pour savoir, parce que... Attends, Jean-Robin, t'aimes pas Zemmour, t'aimes pas Marine Le Pen, t'aimes pas Mélenchon, t'aimes pas Macron, alors qui t'aime bien dans le paysage politique français, par exemple? Bah, la France est un champ de ruines, hein. Je crois que c'est clair, à tous les niveaux, aussi bien tout en haut qu'en tout en bas. Là, je discute avec des gens qui ne connaissent rien sur le communisme et que je suis là pour faire monter en compétence. Mais ils refusent parce qu'ils tombent dans tous les pièges des marxistes qui veulent. Black Lives Matter, vous trouvez ça bien peut-être? Les mecs sont sur la race à fond. Et bah, c'est le même logiciel que vous. Donc c'est ça que je viens vous dire aussi, c'est sortez de votre logiciel, là. Prenez de la hauteur et regardez qui vous met de force chez vous, qui vous court votre argent, qu'on soit pour les vaccins ou pas, et qu'on soit pour les tests PCR ou pas, on nous a pris de force notre argent pour financer des tests PCR, des vaccins et toutes les conneries. Ben ça c'est à cause de la sécurité sociale obligatoire. Et puis après il y a l'URSSAF, URSS, donc je sais pas, l'URSS, ça a fait des dizaines de millions de morts, ça a tenu des pays entiers sous la dictature.
Aujourd'hui, c'est en train de renaître de deux façons. L'UE, l'Union européenne, qui met ça par des règlements et qui transfère plein d'argent à Orban, à la Pologne et tout ça. Ils vous prennent votre argent à vous, hein, ils nous prennent notre argent à nous. Et puis, il y a Poutine qui reconstitue l'URSS par les armes. Et tout ça, c'est en train de se joindre comme c'était prévu par Golitsyn, qui est un défecteur du KGB et que vous n'avez pas lu parce que on vous l'a pas dit. Ben là, moi, je suis là pour vous le dire, mais ça vous intéresse pas. Parce que ok, vous êtes non, déjà mais dans... si, ça nous intéresse. Mais attends, ne nous voit pas que omnubilés par le racialisme, hein, franchement. On parle de Zemmour. On parle que de Zemmour. À la race, il parle de race. Il parle que de race. Ah oui. Ah ouais. Il parle d'islam et de race. Ah oui. Ben oui. Il parle que de ça. C'est un marxiste qui est là pour diviser les gens. Alors, dans ta vidéo, j'accuse, tu dis que tu accuses Général de Gaulle, pour ceux qui connaissent, d'avoir créé l'URSSAF en hommage à l'URSS. Ouais, j'ai le dit. Ouais, mais c'est une blague, c'est quand tu joues au Scrabble, c'est quoi le délire? Parce qu'il y a les mêmes lettres, hein, c'est quoi? C'est... Ouais, c'est-à-dire s'il y avait eu le NSDAPAF, t'aurais dit, ouais, c'est un hasard. Faut être sérieux, ça a été créé en 1960. C'est le premier organisme de collecte de l'impôt. C'est quoi l'impôt? C'est généralement lié aux communistes, surtout quand il y en a trop. Et donc, De Gaulle l'a fait parce que c'était un néo-marxiste, lui aussi. Tu es contre les impôts? Non, je suis contre le trop d'impôts, évidemment, comme tout le monde. Ah, bah oui, c'est-à-dire que si on ne me prenait pas de l'argent pour ma retraite, parce que j'aimerais gérer ma retraite comme j'aimerais la gérer, si ce n'est pas trop demandé, là, on me prend de force, comme à tout le monde ici en France. Oui. La retraite par répartition, elle est obligatoire. Et donc, mais ça, vous adorez, en fait. Vous adorez qu'on vous flagelle, qu'on vous mette... J'ai discuté avec Étienne Chouard, encore un gauchiste. Lui, il ne voyait pas le problème. Il était contre le vaccin obligatoire, mais il ne voyait pas le problème. L'éducation nationale obligatoire, puisqu'il en a été lui-même un des piliers pendant des décennies, il a endoctriné ses élèves dans le marxisme. Il ne voyait pas de problème aux retraites par répartition obligatoire, et donc tout ce qui était obligatoire, ça lui convient tant que c'est communiste. Mais le vaccin obligatoire, c'est Big Pharma, alors c'est capitaliste, alors ça lui convient pas. C'est débile. Tout ce qui est obligatoire, alors il faut un minimum d'impôts pour faire tourner un minimum d'État, mais là, on a combien de ministères et de secrétaires d'État? C'est du délire sous Macron. On en a 40 et quelques, il avait dit qu'il y en aurait deux fois moins. Ben voilà, c'est les marxistes, Macron s'est dit maoïste. Et ça, je suis le seul à le dire. Pourquoi dans les sphères droite nationale, soi-disant, qui n'existent pas, hein, j'insiste, il n'y a personne de droite en France parmi ces sphères-là. Moi, je vois des gens de droite en France, je peux les citer, mais c'est des pseudos sur Internet, tu vois. Udiak, c'est un mec de droite en France, voilà, il est libéral, conservateur. Des mecs dans mon fil YouTube, par exemple. Voilà, ça, il y a des mecs de droite comme Marion ça. Marion Maréchal Le Pen, elle est de droite, selon toi? Mais non, mais pas du tout. Marion Maréchal de droite, c'est la blague. C'est une question. Chouard, je suis d'accord. Communiste et tout, anti-outil de production et tout, machin truc là, ouais, bien sûr. Lui, communiste pour de vrai. Mais par exemple, Marion Maréchal. Mais Marion Maréchal a-t-elle dénoncé conservatrice. Une seule fois le communisme? Je ne l'ai jamais entendu dénoncer le communisme. Mais c'est parce que c'est tellement évident, quoi. Ben voilà, c'est tellement évident. Est-ce qu'elle a dénoncé une seule fois la Chine communiste qui nous a attaqué, qui a tué 80... C'est des gens qui se disent patriotes. Déjà, Marion Maréchal, elle est mariée ou elle est compagne d'un Italien, déjà. Donc ça, ça marche pas. Toi. On peut pas se dire patriote, c'est pas cohérent. Voilà. Moi, ma femme, elle est venue d'Algérie, elle s'est naturalisée française, elle a changé de prénom, elle a abandonné sa nationalité et elle a pris la culture. Voilà, ça existe. Alors c'est rare, mais au moins, voilà. Moi, j'ai pas à rougir de ce point de vue-là, je suis un patriote français. Marion Maréchal, elle est mariée ou elle est avec un Italien. Oui, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, la politique, ça a du sens. Si on est responsable politique, ou alors, il faut qu'elle change de vie. Il faut qu'elle retourne à son ICEP, là. Ça marchait pas, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'elle a arrêté. Donc, elle voilà, a arrêté, Marion, je sais pas. Ah ouais. Bah oui, elle a arrêté, parce que ça marchait pas. Un Italien, il peut pas s'assimiler à un Italien. Mais non, mais en soi, c'est chaud. C'est un Italien, voilà. C'est moins choquant de l'Italie que de l'Afrique du Nord. C'est moins choquant que des Noirs africains. Les Italiens sont déjà plus proches des Français que des Africains du Nord. Mais quel rapport? Marion Maréchal se dit patriote. Elle a pas trouvé un seul Français chaussure à son pied, là. Franchement. Elle est pas moche. Hein. Donc elle est capable de draguer quelqu'un qui est de... peut-être qu'il fait ce même si elle était moche, attends. C'est une question, hein. C'est une question, écoutez, là on sait pas. Hein. Alors bon, on va mettre les pieds dans le plat. Jean-Robin, merci d'être là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, selon toi,
les Chinois communistes. Ding, ding, ping. D'ailleurs, là, ils font l'actualité, là, les mecs, parce qu'il y a des élections, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe. T'es au courant, toi, qui suis l'actu en Chine, là, juste actuellement ? Des élections. Ouais, non, non. Enfin, il y a le congrès, le prochain congrès. Ouais. Final du Parti communiste chinois a lieu le 16 octobre prochain, la date exacte. Annoncée, ouais. Voilà, dans à peu près un mois, et voilà, on va parler que de ça parce que ça va déterminer l'avenir du monde. Voilà, mais ça, personne veut le reconnaître aujourd'hui parce que c'est comme en 40, l'Allemagne nous attaque et puis les morasses de l'époque, enfin voilà, les gens comme la droite nationale aujourd'hui soi-disant, hein, c'était morasses à l'époque, ils disaient c'est la divine surprise. Donc aujourd'hui, tu as des gens même qui osent dire que bah, finalement, par exemple Bruno Salé, tu connais ce gars-là? Ouais, il n'a pas de cheveux, oui, oui. Lui, il a dit le Covid, c'est une bénédiction parce que ça nous débarrasse des boomers. Ah, ça, j'aime pas du tout. J'avais pas entendu. Ouais, pareil. J'aime pas. Donc c'était second degré ou je sais pas quoi. Ouais, mais il a quand même... c'est un peu second degré, mais j'aime pas. Tu as en ce moment Antoine Goya. Non, non, mais c'est... moi le second degré, ça va deux minutes. Là, on est en guerre, il y a eu 95 000 morts. Et Antoine Goya, donc anciennement un génocide, dit « Jean Robin, je vais aller m'occuper de son cas à Tahiti. » Il fait une parodie, je sais pas quoi. Il se dit soldat du Parti communiste chinois, maoïste, etc. Je veux dire, ça va loin. Ça va très loin. Et ce gars-là, ouais. Il est prof de l'éducation nationale, et ça va, pour son cas, il a le droit, tu vois. Par contre, s'il avait dit « je suis nazi » ou « je suis contre l'avortement » ou je sais pas quoi, de droite, alors nazi, c'est d'extrême-gauche, hein, mais national-socialiste. Mais ça, c'est interdit en France, les communistes l'ont décidé. Nazi, c'est d'extrême-gauche ? C'est centriste, du coup. Ah ouais. Oui, je dis trop de vérité d'un coup, qu'on vous a dit dans les médias. Ouais, c'est trop. Ça. Mais le socialisme est de gauche, oui, en effet, et le racisme aussi. Donc voilà. D'accord. Si donc Hitler. Non, mais non, c'est juste pour te suivre. Donc Hitler est à l'extrême gauche, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Et donc, si vous comparez le programme. Ah, c'est marrant ça. Du coup, il y a un trou. Il y a un truc à combler alors, à l'extrême droite. Pas à l'extrême droite. Il n'y a pas d'extrême droite en France, sauf, je sais pas, un taré là, qui c'est qui me viendrait en tête, qui voudrait mettre des gens dans des camps. Comme sous Pinochet, tu vois, c'est Pinochet l'extrême droite. Ça, oui, ça existe, mais il n'y a pas de Pinochet en France. J'ai jamais vu quelqu'un. En France. En France. Vous trouvez l'équivalent de Pinochet en France ? Moi, je ne connais pas. Donc, il n'y a pas de droite en France. C'est ça qui est important. Il n'y a que de la gauche et de l'extrême gauche, y compris ceux qui se disent droite. Éric Ciotti, la droite, quand même. Mais non, mais je viens de dire. T'as pas écouté. Éric Ciotti a dénoncé la Chine communiste dans une tribune du JDD le 18 avril 2020, et après, on n'a plus entendu parler. Bon. C'est tout. Ouais. C'est bon. Aujourd'hui, alors... on est de droite quand on dénonce la Chine communiste, c'est évident. Et bon. Le communisme en général, la CGT. Éric Ciotti d'accord. A-t-il dénoncé une seule fois dans sa vie la CGT ? Pardon. Du coup, la Chine va nous envahir. Mais elle nous envahit déjà. Simplement, c'est le modèle communiste. Économiquement, oui. Non, à tous les niveaux. Économiquement, mais aussi le modèle communiste chinois, dont les confinements, les passes. C'est là où Philippot, il dit pas que des conneries, c'est juste que c'est un communiste. Donc il est là pour faire croire que c'est pas intelligent de le dire, pour me décrédibiliser moi, par exemple. C'est sûr que si un débile comme Philippot commence à dire n'importe quoi, après moi, quand je reprends certains de ses arguments, ça paraît débile aussi. Mais c'est le modèle chinois qui s'impose en France. J'espère qu'on sera d'accord là-dessus, non ? Y compris avec le pass climatique tu te moquais de tout à l'heure. Mais c'est une réalité. Macron, non mais attends, deux secondes. Attends, c'est pas parce que. Attends, c'est pas parce que. Pour moi, c'est le modèle africain qui se développe en France. Transition énergétique et toutes ces conneries. Non mais je veux dire, c'est pas parce que. C'est le modèle africain. Ouais, mais c'est pas parce que le virus vient de Chine et que voilà. Alors oui, peut-être. C'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs. Est-ce qu'on a confiné parce qu'on confinait et eux ont confiné parce qu'ils s'en battent les couilles, c'est des communistes autoritaires. La question peut se poser. Je suis d'accord. Ah, mais après, surtout les mecs, ils sont lamentables. Ils veulent faire une attaque bactériologique, enfin virale plutôt. En l'occurrence. Ouais. Et en fait, ils le font chez eux à domicile. Ouais, ça, c'est con. Ça, c'est con quand même. Attends, alors qu'ils ont une diaspora immense dans le monde entier, ils sont pas capables de démarrer l'épidémie autre part qu'en Chine. C'est un peu con. Faut quand même pas se foutre de notre gueule. Les gars, c'est pas des branquignoles quand même. Et en plus de pas avoir le vaccin, ça, c'est un peu ballot. C'est des branquignoles et on n'a rien à craindre d'eux. Parce que si les mecs sont nuls à ce point, ok, tu vois. Bien sûr. Donc. Moi, j'ai enquêté depuis 2 ans et demi sur le sujet. Il se trouve que je suis diplômé d'un master d'intelligence économique à l'école de guerre économique. Donc, le problème dans ce pays... Ouais, moi, j'ai mon BEP cuisine, c'est bon, je rabâche pas toutes les 2 secondes. Merci de confirmer ce que je dis. Donc, quand il y a des gens un peu compétents sur un domaine,
On les rabaisse, on dit qu'ils sont débiles, qu'ils n'ont rien compris, etc. Alors que, ah, moi, mais moi, je dis pas ça. Non, je dis j'ai soulevé une question. Je dis comment ça se fait que les gars, ouais, ils veulent faire des attaques virales dans d'autres pays, mais en fait, ils le font démarrer chez eux. Mais non, mais le truc que je dis, Jeannot, c'est que quand t'as une bombe à balancer, tu la balances pas à tes pieds. Tu la balances un peu plus loin, putain. Non, alors, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que les Chinois, c'est les inventeurs de la stratégie et que vous, vous êtes les inventeurs de rien du tout et moi non plus, d'accord ? En France, on n'a jamais inventé la stratégie militaire. C'est Sun Tzu qui l'a inventé il y a plus de 2500 ans. Donc quand ces gens-là font quelque chose, hein, c'est pas débile. Si ça vous paraît débile, c'est que vous tombez dans leur piège parce que Sun Tzu dit « Quand je suis à l'attaque, je dois paraître en défense. Quand je suis… je dois passer pour la victime. » C'est ce qu'ils ont fait en lançant cette attaque biologique chez eux. D'abord parce qu'ils avaient besoin… J'ai fait tout un visuel là-dessus. Ils avaient besoin de maîtriser les lieux pour pas qu'on découvre que c'était eux qui étaient derrière. D'accord ? Non, mais ça, on est d'accord. Et ça, mais même vos vilains journalistes de BFM, eux aussi, ils sont d'accord, et tous les journalistes sont d'accord, pour dire que les vilains, que les méchants dirigeants autoritaires communistes, c'était opaque, tout le monde le rabâchait, c'était opaque. Au début de la pandémie, ça filtrait un peu, il y avait des vidéos, mais on ne savait pas trop. Des blogueurs lanceurs d'alerte, là-bas, d'un coup disparaissaient, tout, c'était un merdier. Donc ça, t'as pas trouvé un putain de scoop ! BFM le rabâchait déjà, mon Jeannot, redescend, deux secondes ! Et si les mecs balancent une attaque, ils ont au moins le vaccin ! On va empoisonner la terre entière, putain, on n'a pas le vaccin, comment on va faire ? On les a bien niqués ! Et puis je vais te dire, mon Jeannot, qui c'est qui s'est rempli les poches ? Qui c'est qui s'est rempli les poches pendant le confinement ? C'est Amazon, mon pote ! Tu vas pas me dire c'est AliExpress ? C'est Amazon ! Ils avaient fermé le port chinois de transport international, les livraisons, c'était quoi ? Deliveroo ? C'était Amazon ! C'est, donc où est et qu'est-ce que c'est que cette folie que tu as dans ta tête de dire que parce que ça vient de là-bas, ça provient de là-bas, ce truc zoonose, pourquoi ce serait une attaque volontaire ? Pourquoi ? Ça tient pas, t'as enquêté mais ça tient pas ton truc. Non, ça tient pas parce que t'as pas toi, tu n'as pas ni enquêté. Ouais, je suis pas éveillé, je comprends bien, mais enfin ça tient pas. Je veux dire, quand t'attaques, t'as déjà l'antidote. Sinon t'es trop un con, tu vois. Mais il a beau dire Sun Tzu, je me fais passer pour une victime, ça c'est du pipeau. Voilà. C'est du pipeau. Tu peux répondre maintenant ? Ben vas-y. Tu vas rester dans ton ignorance là. En plus. Ouais, ben alors vas-y, éclaire-nous, putain. Tu mets mes lunettes de soleil. Allez, c'est bon, c'est parti. Ça a l'air de plaire l'ignorance, parce que tu dis, je sais pas quoi. Donc, penser qu'on a moins tort quand on parle plus fort, hein, disait Jean-Jacques Goldman, c'est déjà une première chose. Je t'invite à écouter ses chansons, la bonne chanson française. Bon. Deuxième chose, moi j'ai enquêté sur ces histoires. Donc, il faut reconnaître les faits. Moi, BFM TV, ils en ont parlé pendant 3 jours, et puis après, ils sont passés à autre chose. Moi, j'en parle encore parce qu'il y a eu 95 000 morts. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que 95 000 morts ? Les faits, c'est qu'on n'en sait rien, et tu diras, en fait, ce qui te contentera de toi personnellement. C'est-à-dire que pour toi, ça va être la Chine communiste qui est responsable. Là, pour certains. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Il y en a, ils vont te dire que c'est un complot juif pour empoisonner les goïms. Il y en a, ils vont te dire que c'est la Chine communiste. Il y en a, ils vont te dire que c'est Barack Obama. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est Emmanuel Macron. Chacun voit Midia à sa porte, comme on dit. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Et donc, tu as fait une enquête très poussée, mais plein de gens ont fait des enquêtes très poussées pour nous sortir chacun leur paradigme, en fait. Voilà, c'est ça. Les gens doivent lire et écouter les gens qui ont des avis différents pour se faire leur propre opinion. Le problème, c'est que la plupart des gens ne me connaissent pas et ne connaissent pas mes enquêtes parce que je suis censuré. Donc, ce n'est pas une histoire de BFM TV, VV, tu te trompes. Désolé, je suis invité nulle part, sauf une fois par an sur Sud Radio parce que je connais André Berkov depuis 15 ans, et c'est tout. Voilà. Donc, quand j'enquête, je découvre la Chine communiste qui est derrière tout ce qui se passe dans notre pays quasiment depuis 2 ans et demi. Ensuite, je découvre que l'élite française, comme la plupart des élites mondiales, ont été captées. La captation d'élite, ça existe. Quoi que vous disent Rudi Reichstadt et Tristan Mendès France, non, c'est une théorie complotiste, parce que le complot juif international n'existe pas. Eux, ce sont des staliniens et qui sont là pour ça. Ça s'appelle l'opposition contrôlée et ils sont dans tous les médias matin, midi et soir pour dire la théorie mondiale du complot communiste, ça n'existe pas, ou n'y pensez même pas, ça serait un truc débile comme Soral ou je sais pas quoi. Et bien moi, je la démontre, cette théorie. D'accord ? Mais personne ne tient compte de mes enquêtes. Donc prenez compte des enquêtes et après, ouvrez-la, les gars. Mais là, je vous explique que Macron
Young Leader de la France China Foundation. Ça vous intéresse ou personne n'en parle? Non, c'est l'antidote. L'antidote. Le mec balance une bombe bactériologique, il prévoit un minimum l'antidote avant de balancer ça. Moi, c'est ça la réponse que j'attends de ton cerveau éclairé, de ton cerveau de stratège. Voilà. Où est le stratège? Alors, je vais gueuler parce que tu m'énerves. Ouais, je t'énerve, je vois. Parce que la vérité t'énerve, VV. Mais je m'en branle. Donc oui, voilà, j'ai raison. C'est Amazon qui s'est fait des couilles en or, qui a gagné des milliards grâce au confinement des Chinois. Voilà, va y comprendre quelque chose. Et les Chinois, leur vaccin, il est tout bidon. On préfère les vaccins des Américains, des Européens ou je sais plus qui. Donc tu vois, ils ont même pas l'antidote. Réponds à ça, s'il te plaît. Je réponds si tu me laisses la parole. Bah, alors vas-y, mais ne pars pas dans des putains de diatribes à la con. T'es logoré, t'es diarrhée verbale. L'antidote. Vas-y, balancer une attaque biologique sans avoir l'antidote. Explique-moi. Donc, tu question précise. Question précise. L'antidote, ils n'ont pas l'antidote, ils balancent un truc. Qu'est-ce que tu en sais déjà qu'ils n'ont pas l'antidote? Tu le sais, toi. Les dissidents chinois disent que le sommet du Parti communiste chinois ont l'antidote et qu'ils se sont distribués entre eux, mais pas au reste du peuple, s'ils en ont rien à foutre et qu'ils pensent. Je te cite les dissidents chinois, Lude Media par exemple, voilà, j'ai enquêté. Ensuite, sur ceux qui ont fait le plus de couilles en or dans cette histoire, ce sont des Chinois. Si tu regardes ceux qui sont le plus, il y a Forbes qui a fait paraître un classement de ceux qui sont devenus milliardaires en 2020-2021. Il y avait une immense majorité de Chinois. Allô, tu m'entends? Attends, c'est quand même con parce que pendant les confinements, le port d'import-export à Pékin était fermé, bordel de merde. C'est quoi cette stratégie à la con quand même? C'est ballot quand même. Une stratégie, d'accord, ça peut être complexe. Non, c'est que je vais te dire, on va gagner du temps, c'est que tu cherches à avoir forcément raison parce que c'est ton gain-pain. T'es en conflit d'intérêt, mon Jeannot, et je te le dis parce que tu prends un peu de haut et ça m'emmerde aussi. Et tu vois, et la vie est courte et j'ai quand même autre chose à foutre. Donc t'es en conflit d'intérêt. Toi, tu vends cette soupe H24 tous les jours dans tes vidéos. Dans tes vidéos et dans tes livres, et donc tu as un conflit d'intérêt, tu vends ta soupe, voilà, donc c'est pas de faire... Le conflit d'intérêt, c'est pas de dire la vérité, non. Non, le conflit d'intérêt, c'est de dire ce pourquoi les mecs te suivent, ils ont envie de se branler sur des nouilles chinoises toute la journée, comme ça, sur le grand complot chinois, et c'est ça que tu leur balances ta soupe toute la journée, et c'est ce que tu es en train de nous faire. Quelle est la... Franchement, est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve de l'origine du virus? Parce que t'es un Mario. Non, là, tu ne me laisses pas répondre. Donc déjà, sur le fait que je sois en conflit d'intérêt ou je sais pas quoi, je suis le seul en France à dire ce que je dis. Donc ouais, mais parce que tu vends des livres. Tu vends des livres qui prennent ça. C'est chiant, VV. Parce que si tu m'invites, tu me coupes la parole tout le temps. Mais je m'en branle, je t'invite et je te coupe la parole. Tu vends des livres qui vendent ça. Bah, si tu me branles, moi je me casse. Bah casse-toi si tu veux. Bon. Bah vas-y, casse-toi, tu veux me faire chanter. Tu vends des livres. Mais je te coupe parce que j'ai envie, tu m'emmerdes. Ouais, mais Casse-toi si tu veux, je m'en branle. Tu vends tes livres et tu fais tes vidéos tous les jours et tes vidéos privées payantes pour dire c'est le grand complot des Chinois. Et donc ça t'arrange bien de trouver et de te casser le fion. Et Berkoff perd toute sa crédibilité quand il t'invite. Voilà, il invite un cerveau malade que tu es et le mec il raconte n'importe quoi. Franchement, quelle est la différence entre inviter Alain Soral qui dit ouais, je te parle. Quelle est la différence entre inviter Alain Soral et dire tout est de la faute des Juifs et inviter Jean Robin qui dit toute la faute de la Chine communiste? C'est pareil. Allez, vas-y, régale-toi, vas-y. Merci. Donc, je suis seul contre tous depuis le début. Je n'ai jamais parlé de la Chine communiste avant mars 2020, même le 2 avril 2020, ma première vidéo sur le sujet. Donc ce que tu dis est faux. Je dois expliquer à tout le monde ce que moi-même j'ai mis longtemps à comprendre. Et c'est par l'enquête que j'ai remarqué que moi-même je m'étais trompé en ne parlant jamais de la Chine communiste et qu'ils avaient discrètement capté l'élite française notamment et mondiale dans les institutions internationales, notamment à l'ONU et en particulier l'OMS. Et que là, ça se met en place. Mais il n'y aurait pas de complot, bien sûr, parce que Rudi Reichstadt t'a dit que ce n'était pas possible. Et toi, tu crois à Rudi Reichstadt. Donc, c'est ça ton erreur. Donc, moi, je suis seul contre tous dans cette histoire. Ce n'est pas un conflit d'intérêts. Je navigue avec des vents contraires et tu me dis encore... C'est peut-être parce que tu dis de la merde que tu es seul contre tous. Ça n'a aucun intérêt ce que tu dis. Est-ce que tu te remets en question de vous? Je suis d'accord avec ce que tu dis, Jean. C'est-à-dire que, pour toi, tu considères que le gauchisme en France
des Français est due à la Chine communiste. Mais c'est... Jamais dit ça. Mais comment ça? Tu dis qu'ils sont tous des communistes, en fait, en France. Oui, mais j'ai jamais dit que c'était à cause de la Chine. J'ai jamais dit que c'était à cause de la Chine. J'ai dit que la Chine imposait un modèle chinois. Oui, ben elle a... donc elle est la cause. Non, pas la cause du modèle. La Chine impose un modèle, donc elle n'est pas la cause de cette imposition du modèle. Si, mais j'ai pas dit que le modèle chinois, c'était le gauchisme. Enfin, le modèle chinois, j'ai dit, c'était le confinement. J'ai dit, c'était les tests PCR, c'était les autorisations de sortie à se signer soi-même, etc. C'était les passes, c'était le crédit social, c'était les QR codes. C'est ça, le modèle chinois, d'accord ? Totalitaire. On veut vous enfermer chez vous et vous y faire rester comme on le voit en Chine aujourd'hui. Maintenant, le gauchisme en France, il date d'il y a bien longtemps. Le Parti communiste français, et c'était 1921, la CGT aussi. J'ai parlé de la CGT tout à l'heure, tu ne m'as pas écouté, mais tu me fais un faux procès. Donc, le gauchisme en France vient du fait que l'URSS d'abord, et le Parti communiste chinois, effectivement ensuite, à partir de Chirac et de Raffarin, qui a nommé Raffarin donc Premier ministre, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était un agent du Parti communiste chinois depuis déjà 20 ans. Il le cache, il a du mal à le cacher, Raffarin. Et je suis le seul aujourd'hui, dans nos milieux et partout, en fait, à dénoncer Raffarin. Alors que c'est le gars, si vous regardez... Bah ouais, 2000. Carrément. Mais ouais, vas-y. Ouais. Voilà. Donc par exemple, tu nous dis aussi que Viktor Orban, c'est un agent communiste infiltré. Et je le démontre. Tu le démontres, ouais, tu assumes. D'ailleurs, Macron aussi hein, est communiste. Il s'est dit maoïste. Est-ce que tu sais qu'il s'est dit maoïste? Trump aussi, hein. Tu nous dis que c'était un agent infiltré communiste. Non. Non. Alors, Biden. Ben oui, Biden, il est. Ouais. Peter Schweizer a démontré. Ah, j'essaie de me souvenir un peu. 31 millions de dollars par la Chine. D'accord. Donc, ça, ouais. Sa famille. Alors... avec Biden et tout ça. Ouais. Ça, c'est démontré. Alors, moi, c'est pour ça, par exemple, hein, que je pense que Berkov passe pour un con, quoi. Je veux dire, quand tu reçois un mec qui dit que, par exemple, Orban est un soutien du communisme. C'est un communiste, en fait. Il vient d'aller rendre hommage à Gorbatchev. D'accord. Eh ben moi, je vais te lire aussi un autre truc. Et si Berkov était un peu moins reposé sur ses lauriers, s'il sortait un peu les doigts du fion, il t'aurait un peu rétorqué ça s'il voulait pas passer pour un con sur sa radio. Tu vois, par exemple, je te lis un truc. Le Premier ministre hongrois appelle le PPE à élever davantage la voix contre les socialistes qui aident l'extrême-gauche anarchiste et communiste à accéder au gouvernement. Au lieu de redoubler d'efforts contre le communisme et le marxisme, nous félicitons Fidel Castro et Karl Marx déplore Viktor Orban dans sa note. Donc là, il s'exprimait sur le PPE, c'est le parti populiste, on va dire, là-bas. Donc, est-ce que tu vas me dire quoi? Je vais te dire ce que je dis toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire que les paroles, je te l'ai déjà dit, les paroles n'engagent que ceux qui y croient. Ouais. Il faut voir ce que les gens font. Que fait Orban? Il a ouvert son pays à la Chine communiste. Quand on a enquêté, ce n'est pas une obsession de Jean Robin, c'est que la Chine communiste a investi, il y a quelques jours, le 12 août, il y a moins d'un mois, par exemple, une industrie, la première industrie de batteries électriques en Hongrie, une usine 7,5 milliards. Tu comprends les milliards, ce que c'est pas des millions, c'est des milliards de dollars à Budapest. Ensuite, tu as la plus grande université chinoise d'Europe, d'accord, de Fudan, qu'ils ont pour projet d'installer à Budapest. Tu as les mecs de Budapest, ils gueulent, les habitants de Budapest. Donc, il faut se renseigner. Il a fait venir le vaccin chinois Orban. C'est le deuxième pays au monde où il y a le plus de morts par habitant. D'accord. Et il a fait venir le vaccin russe aussi parce qu'il est ouvert à la Russie aussi. Et Poutine est communiste, là, tu peux rajouter. Parce que c'est ça, le communisme. La Hongrie, ils ont connu le communisme ou quoi? Ben oui, il y a eu la révolte de Budapest en 1956. Ouais. Mais du coup, Orban, il est quand même communiste, en fait. C'est ça. C'est chaud, ça, putain. Franchement, ils sont mous du bulbe, les Hongrois, quand même, pour gober le cinoche d'Orban. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'ils peuvent gober autre chose, étant donné que l'opposition à Orban a eu droit à 4 minutes à la télé, ou 5, pardon, je m'étais trompé, j'avais dit 4. En fait, c'est 5 minutes à la télévision publique pendant toute la campagne électorale pour les législatives qui ont eu lieu en avril dernier. Si Macron avait laissé 4 minutes à Marine Le Pen, ou à qui que ce soit d'autre, puisque en fait, c'est que Marine Le Pen aurait rassemblé derrière elle tous les opposants à Macron, bien et sûr, Macron lui aurait donné 4 minutes à bien la sûr. Télévision. Après, mon avis, c'est... Vous pensez quoi de Macron? Je parle d'Orban, en tout cas. Le mec, c'est Orban, il a laissé 4 minutes à son Mais j'ai compris, ça sert à rien de répéter, putain. Et donc... On les reconnaît que ça te dérange quand même. Je te réponds, bordel de merde. Non, tu réponds pas. Est-ce que c'est un totalitaire, oui ou non?
Putain de merde, tu vas me laisser te répondre ? Bah, moi, je te dis oui, Orban oui. Est conservateur. Et franchement, ça donne envie. Le mec, il a pas envie de laisser l'opposition, parce que l'opposition, c'est qui ? C'est les progressistes et c'est les droits de l'homme. Et casse-couille, tu vois. Je veux dire, nous, je pense qu'on est à peu près d'accord dans le chat. En tout cas, moi, c'est ce qui me turlupine. Je me pose des questions sur l'état de droit et sur la... même la démocratie, c'est relou. L'alternance, d'ailleurs, c'est tout... Enfin, je critique de plus en plus l'alternance parce que c'est complètement con. Pendant 5 ans, tu vas dans un sens, pendant 5 ans, tu vas dans l'autre. En fait, c'est le système du zigzag. C'est un peu débile. Moi, j'aime bien le mec. Bon, allez, on va dire c'est un peu, soi-disant, dictatorial. Le mec, ouais, mais un peu, mais je sais pas tant que ça. Est-ce qu'ils ont envie de faire une révolution, le peuple en Hongrie, je sais pas, tu vois. Non, mais parce que. C'est facile de défendre. Alors, tu défends les droits de l'homme et le progressisme, finalement, Jean-Robin. Et tu envoies des courriers à Mediapart pour dire que Zemmour appelle à tuer les Arabes, les musulmans. Et puis, et puis finalement, tu descends tous les droitards parce que tu dis que c'est des gens de gauche. Tu serais pas. J'ai démontré que les gens qui se disent de droite en France ne le sont pas. Après, voilà, le droit de voilà, voilà. C'est faux. Je l'ai démontré. Donc, il faut démontrer maintenant que j'ai tort. Pas le dire. Ça sert à rien. Ensuite, Mediapart, ce sont des journalistes, que tu le veuilles ou non. Voilà. Ils ont révélé, par exemple, que Valérie Pécresse s'est faite désigner candidate LR grâce à des centaines de Chinois étrangers. C'est pas Jean Robin, tu vois. Mais c'est eux qui l'ont révélé. Ils servent plus que les putains de droite. Ah ben là, pour le coup, il y a vraiment des Chinois dans l'histoire. Ah, putain, ouais. Bah oui. Bah ouais. Mais oui. Bon, c'est LR allez. Qui a signé en 2009. On va prendre un peu... un accord avec le Parti communiste chinois. Ok. Alors on prend un peu de diversité. Je crois qu'il y a quelqu'un de race noire qui nous a rejoint. Jaff. Oui, bonjour. Salut. Bonjour à tous. Bonsoir. Merci d'être là. Bon, merci d'être là. Voir ton retour. Ben, bonjour, c'est gentil, merci. Jean-Robin. D'ailleurs, Jean-Robin, je suis content de pouvoir te parler. Hein désolé de te tutoyer. Si tu veux, je peux te voir, mais c'est pas le problème. Tout le monde ici en Polynésie. En alors, il t'écoute, on t'écoute. Très bien. Parce qu'en fait, il y a plusieurs. Il y a plusieurs points sur Jean-Robin, parce qu'en fait, j'écoutais pas mal de tes débats. À défaut de suivre tes vidéos, j'écoute la plupart des débats que tu fais, que ce soit contre Versano ou contre Cro-Blanc plus récemment. Je vais juste commencer sur un truc. Quand tu avais dit à Cro-Blanc, tu l'avais... pour toi, c'est une insulte. Pour moi, non, mais tu l'avais dit que c'était un raciste. C'est pas une insulte pour toi, raciste. Non, pour moi, non. Je pourrais t'expliquer plus tard, mais pour moi, c'est pas une insulte. Tu les gens selon leur couleur de peau. C'est cette intelligence. Oui, et je t'expliquerai pourquoi. Oui, mais c'est peut-être. En tout cas, déjà c'est plus oui, c'est peut-être. Ah bon. Donc, non mais leur couleur de peau. T'as pas vu quelqu'un, tu juste le vois dans la rue comme ça. Est-ce que je peux finir? Mais le juger. Parce qu'en fait, Cro-Blanc n'a pas eu le courage. N'a pas eu le courage. Tu es raciste, c'est ça? Tu es raciste, c'est ça? Moi, je considère que oui, on peut me considérer comme raciste. Très bien. Mais pourtant, je suis beaucoup plus coloré que toi. Non ? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de haïr et de détester, déjà, premièrement, l'islam ? Et secondement, est-ce que j'ai le droit de haïr les Arabes, par exemple ? J'ai le droit ou pas ? Je te demande. Ça n'a rien à voir. Déjà, ça n'a rien à voir. Non, mais est-ce que je te pose la question ? Mais moi, je te réponds. Donc, je sais que ça n'a rien à voir. C'est deux pans différents. C'est pour ça que j'ai fait la différence entre islam et arabe. Je t'ai dit, est-ce que j'ai le droit, premièrement, de détester les Arabes ? Et, secondement, de détester l'islam. Alors, Jean-Robin va répondre, on y va mollo. D'ailleurs, moi, je pense que c'est pas un choix, hein. On le subit. Hein. Tu vois, c'est un peu comme homosexuel, tu préfères les bites plutôt que les vagins. Ben, y a des gens, ils aiment pas les Arabes, ils préfèrent les Noirs ou autres. Moi, je pense que c'est pas un choix, mais enfin, réponse de Jean-Robin. Donc, l'islam n'est pas une race. C'est pour ça que moi, j'ai critiqué l'islam. J'ai même défendu les musulmans, parce que je suis effectivement... je défends les musulmans. T'as le droit d'être une islamophile, ça. Si tu veux répondre, donc je veux bien que tu poses une question, mais... Donc, l'islam n'est pas une race. La plupart des musulmans sur Terre ne sont pas arabes. La première chose, faut déjà le savoir. Ensuite, les arabes, ça n'existe pas. Voilà. Il y a certains arabes qui sont des émirs du Qatar, tu vois, par exemple. Ils sont des mecs, ils ont tellement de milliards qu'ils savent pas quoi en foutre et ils organisent des coupes du monde débiles. Et puis, tu as des gens qui, comme par exemple mon beau-père,
sont venus en France dans les années 60 parce que la France, et c'était pas le patronat, c'était le gouvernement français qui est venu le chercher, et il a dû travailler toute sa vie en France. Voilà. Et il n'a pas fait le regroupement familial, ce qui fait que ma femme, donc sa fille, est restée en Algérie. Mais après, elle a voulu venir en France, voilà, c'était son droit. Et en plus, il était même pas arabe, et lui, il était kabyle. Mais voilà, il y a tout type de personnes, donc arrêtez de dire les arabes, les femmes, les patrons, les juifs, les je sais pas quoi. Ça n'existe pas. C'est une construction. Vous connaissez le constructionnisme ? C'est comme le déconstructionnisme. C'est des trucs marxistes qui veulent vous faire croire. C'est ce que Philippe Fabry essaie de te faire comprendre. Arrête de dire les communistes aussi, quoi. Tu vois, voilà. Il essayait de te faire comprendre ça, Philippe Fabry. Ouais, il essayait de te montrer qu'il y avait des nuances. Des nuances. Les nuances que tu nous infliges. Dans une catégorie. C'est la responsabilité de tous les communistes. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, non ? Ah bon ? Il y a des bons communistes. Je sais pas. C'est comme quand on essentialise les Arabes, tu vois. C'est quoi un Arabe ? C'est quelqu'un qui a une origine arabe. Et donc, il ne l'a pas choisi. Il ne peut pas en changer. OK ? Un communiste, ça n'a rien. Oui, mais ils ont souvent le même caractère aussi, c'est un problème. Ah. C'est une idéologie, le communisme. D'accord ? On l'a choisi, on ne nous l'a pas imposé, sauf dans les pays totalitaires, effectivement, communistes. Et donc, quand on se réclame du communisme, c'est qu'on se réclame d'une idéologie qui a au compteur 100 millions de morts et qui a pour principe d'enfermer les gens dans des goulags, de créer des génocides, de créer l'inégalité, en fait, sous couvert d'égalité. C'est ça, le communisme. Donc, c'est une apologie de crimes contre l'humanité, de génocide et de totalitarisme. C'est ça. Non, mais qui n'a jamais massacré personne sur Terre, j'ai envie de te dire. Ah bon ? C'est-à-dire, qui n'a jamais massacré personne sur Terre ? Je veux dire, il n'y a eu aucun peuple 100% pacifique, ou une idéologie 100% pacifique. Ça, c'est du relativisme. Je veux bien que tu sois relativiste, mais il faut que tu en aies conscience quand même. Non, c'est un constat. C'est un constat qui fait. C'est un constat, oui, pur et simple. Hein. C'est que, oui, ok, c'est une idéologie mortifère, mais déjà, toutes les idéologies, déjà, je pense qu'elles sont mortifères. Hein, parce que c'est pas forcément très malin. On va dire pousser à leur paroxysme, ouais. Les oui, ça, c'est les choses à leur paroxysme, quoi. Intéressant. J'en reviens, c'est plus pour les Lumières, quoi. Les Lumières ? Non. Bah ouais, ma foi, c'est eux qui ont voulu qu'on arrête de dézinguer les mecs, qu'on soit tous frères, quoi. Bah ouais, mais alors, comment tu fais au bout d'un moment ? Écoute un peu, parce que c'est quelque chose que t'entends jamais à BFM TV, justement. Donc, les Lumières sont pour le libre-arbitre humain, l'humanisme. Et toi, tu es beaucoup plus pour les Lumières que moi, puisque moi, je suis anti libre-arbitre. Je ne crois pas qu'on ait de libre-arbitre, parce que je suis protestant réformé. Et c'est une idéologie, comme vous dites, une religion, qui a donné d'excellents fruits, voilà, globalement. Ça a sorti des milliards de gens de la pauvreté, et des castes, et des dictatures, grâce au capitalisme. Et le problème dans notre droite, là, ou des gens qui se considèrent comme de droite, c'est que ce sont souvent des anticapitalistes. Parce que les catholiques, par exemple, sont anticapitalistes. Il y a beaucoup de gens qui se disent de droite, comme Papacito, par exemple, qui sont ou Abosi, ou tous ces gens-là. Par contre, t'es vachement plus humaniste que nous et que Papacito et tout, quoi. Non, moi je pense que c'est Dieu. J'ai une petite question, si tu me permets. Vas-y, bien sûr. Pour Jean-Romain. Ouais. Il me semble, tu me dis, si je me trompe, tu m'arrêtes tout de suite, que tu étais anti-islam il y a un moment, non ? Il y a une période de ta vie où tu as été contre l'islam, farouchement. Une période de ma vie, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, je suis anti-islam. Tu entends le français ? Non, parce qu'en fait, dans ton discours, c'est pas trop ce qu'on entend. Après, peut-être que c'est parce que charnellement, tu t'es mis avec une arabe. C'est peut-être ça qui a fait que tu as changé de fusil d'épaule. Parce que tu défends vachement les Ouïghours, par exemple. Ouais. Exemple. Qu'est-ce que je viens de dire ? Alors, il faut réécouter, remettez 5 minutes avant. J'ai dit, je suis anti-islam et pro-musulman. Les Ouïghours, ce sont des musulmans. Donc, je les défends quand on est dans les camps. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vois bien que ça n'a pas de sens. Tu devrais y être indifférent plutôt. Ou un raciste peut-être. Pour moi, en fait, ça n'a pas de sens de vouloir défendre des gens à l'autre bout du monde dont tu ne sais même pas à quoi ils ressemblent, quelle est leur langue, quelles sont leurs us et coutumes. Tu vois, genre prendre une position comme ça pour des gens qui sont à l'autre bout de la planète, je trouve ça ridicule. Fondamentalement, tu t'en fous du sort des Ouïghours. Tu ne te couches pas tous les soirs en se disant mince, les pauvres, ils souffrent. C'est ridicule. Je m'en fous pas. Pas plus que je me fous de la misère dans le monde. Je me couche pas en disant il y a des Africains qui meurent de faim aujourd'hui. Mais ça me touche. Ça te touche pas qu'il y ait un million de gens qui sont dans des camps dont on prélève de force des organes, dont on stérilise les femmes
Bah, si, si tu es humainement... Ça dépend, ça dépend. Tu es... Non, mais voilà. Après, c'est pas mon combat principal, les Ouïghours. J'ai jamais fait de ça. Par contre, c'est le combat principal de Raphaël Glucksmann. C'est pour ça que lui, il n'est pas sincère dans son combat, parce que protégeons, moi, mon combat principal... Protégeons les nôtres avant les autres. Comment ? Les nôtres avant les autres. Les nôtres, voilà, c'est tout. Les nôtres avant les autres. Mais eh ben, les nôtres, ils sont en guerre. Et quand on a désigné un ennemi, on fait des alliés avec tous ceux qui ont le même ennemi. Ben, moi, je suis stratège, je ne suis pas un commentateur. Donc, en tant que stratège, je désigne un ennemi et sont mes alliés, tous ceux qui désignent le même ennemi. C'est aussi simple que ça. Les Ouïghours ont le même ennemi que moi. C'est ok, donc tu as dénoncé auprès de Mediapart Zemmour pour défendre les Ouïghours, c'est bien ça. J'ai informé Mediapart qu'ils ne faisaient pas leur travail en petit ne reprenant délateur. Jamais les... Délation. Pardon. Délation, c'est public. Ça n'a rien de délation. La délation, ah, tu sais bien que si tu as envoyé une lettre privée, d'accord, non signée, à des gens pour qu'ils prennent des rétorsions qui sont souvent illégitimes. Moi, c'est chevaleresque. Ton voisin en 40, quoi. J'ai envoyé. En 40, fallait pas être ton voisin, toi. Pourquoi tu ne parles pas du postulat que Mediapart collabore avec la Chine communiste ? Attends, laisse le raciste s'expliquer là, parce qu'apparemment, il n'est pas assez courageux pour dire quel est son nom, mais il est assez courageux pour m'insulter. Alors vas-y, répète. Alors, je n'ai pas insulté, j'ai juste dit une chose factuelle. Vu que tu es dans la délation totale. Je ne suis pas dans la délation. Je considère que. Et lis ce que ça veut dire délation, d'accord ? La délation, c'est. Eh ben, tu ne sais pas, voilà. Donc écoute. Non, mais je sais très bien ce que ça veut dire. Je sais très bien ce que ça veut dire. Non, c'est exactement ce que tu avais. Je vais te l'expliquer. Bah, je suis désolé auprès de Zemmour, c'est pas ce que tu as fait. Non. Moi, j'ai. Pour aller pleurer auprès de Mediapart, les gauchistes qui me chient dessus. Je suis informé, Jeff. J'ai enquêté et j'ai transmis mon enquête de droit. Bon, on choisira les termes. Moi, je préfère la délation. Mais après, tu choisiras. Mais du coup. Ça te regarde, mais les mots ont un sens. Et la délation, c'est pas ça. La délation, c'est ce qu'a subi mon arrière-grand-père, par exemple. C'est qu'il était résistant, il était boulanger, il transmettait des messages dans le pain. Il a été dénoncé anonymement. Non, il a été informé. L'autre, il a informé la Gestapo. Alors, moi, j'ai la définition de délation, c'est. Délation, c'est dénoncer. Définition de délation, dénonciation inspirée par des motifs méprisables. C'est fou. C'est pas méprisable, mes motifs. Mes motifs, c'est la vérité. Alors, à moins de considérer que la vérité est méprisable, en effet, j'ai fait de la délation. Mais ce n'était pas ce que j'ai fait. J'ai dénoncé des faits. C'est-à-dire que Zemmour a instrumentalisé l'histoire de France. Il a inventé une citation de Montaigne. J'ai fait une enquête avec une historienne de Montaigne pour vérifier que cette citation était tirée complètement de son contexte et voulait dire le contraire de ce que Zemmour lui faisait dire, c'est-à-dire qu'il fallait faire la Saint-Barthélemy. Voilà ce que Zemmour a fait dire à Montaigne pour justifier le massacre actuel des musulmans en France, puisque s'il fallait justifier la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire... Je crois que c'est pas vraiment ça qu'il a dit, Zemmour. Il a dit que contextuellement, ça pouvait se justifier, s'expliquer, la Saint-Barthélemy. C'est ça qu'il a dit à peu près. Que ça pouvait conjoncturellement se comprendre. Désolé. C'était peut-être nécessaire. C'est ça un truc comme ça qu'il disait. Comme Mediapart n'a pas repris mon enquête, vous le saurez pas. Hein. Aucun média n'a repris mon enquête. J'étais le seul. Bah mais... ouais, parce que Zemmour était protégé dans ce pays. Voilà. La question que je me posais, c'est que tu partais pas du principe qu'ils étaient aussi collaborateurs de la Chine communiste, Mediapart ? Ils le sont, oui. Plenel et trotskiste, etc. Et alors ? Mais du coup, pourquoi leur envoyer... Enfin, je veux dire, pourquoi penser qu'ils sont dans la même lutte que toi Pas dans la même lutte que moi. Je veux dire, contre... Bah, enfin, je veux dire, tu... Ils font du journalisme. Ils font un média. Donc, je leur envoie une enquête pour qu'ils la reprennent, voilà. S'ils en ont... Alors, l'article, d'ailleurs, je crois que quelqu'un demande... C'est public, oui. Quelqu'un demande de comment on le trouve, c'est... Comment... est-ce que Zemmour appelle à tuer des musulmans? Un truc comme ça, le titre de ton article. Hein, quelque chose comme ça. Ah. Ouais. Voilà, il n'a pas été attaqué en diffamation par Zemmour. Hein, posez-vous la question. À mon avis, c'est parce qu'il n'en a pas entendu parler. Hein, sinon, là, tu étais à la 17e directe. Je l'ai envoyé. Mais oui, tu l'as envoyé. Moi, j'ai des relations avec Zemmour depuis 15 ans. Que ce gars-là me fait des crasses. Et donc, quand je peux lui en faire, eh ben, je me gêne pas. Tu vois, parce que vous ne connaissez pas, apparemment, notre historique. Je lui ai offert mon livre, La Judéomanie, dédicacé, et il l'a revendu dans un gibet. Je l'ai retrouvé dans un gibet jeune. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la Si, moi je connais votre historique commun, ouais. Juste parce que tu lui avais remis, je crois, hein, un trophée de la liberté d'expression, un truc comme ça, c'est pas ça ? Voilà, je l'ai piégé avec Dieudonné. Il y avait une vidéo avec Dieudonné. Mais voilà, pourquoi tu dis piégé, par contre ?
Parce que tous ces les aficionados de Zemmour prétendent être des gens courageux, etc. Mais quand Dieudonné est arrivé, parce qu'il n'était pas annoncé, il est arrivé, ils sont tous partis comme ça, comme un vol d'oiseau. Et voilà, le courage des Zemmouriens s'est évaporé en quelques secondes. Donc ça, c'est vérifiable, il y a une vidéo là-dessus. Dès qu'ils ont vu Dieudonné, la bête immonde, incarnée... Parce qu'en fait, de ton initiative, tu avais, je trouve pas le bon terme, estampillé Éric Zemmour d'une médaille de la liberté d'expression, mais il y avait également Dieudonné. C'est pas de ton initiative, je sais pas exactement. Ouais. Moi, à mon initiative, j'ai organisé un sondage sur mon site et j'ai dit qui a le mieux défendu sa liberté d'expression. Donc, les Zemmouriens ont voté pour Zemmour, les Dieudonnistes ont voté pour Dieudonné, les Soraliens ont voté pour Soral, et puis les ripostes laïques ont voté pour Taza. Résultat, en premier est arrivé Zemmour, en deuxième Dieudonné, et en troisième Taza. Et donc, j'ai remis un prix de la liberté d'expression à Zemmour, qui est venu uniquement parce que Dieudonné n'était pas là, et je le lui ai garanti avant, parce que si je lui avais dit, il viendra, Zemmour ne se serait pas pointé. Résultat, alors... On peut reconnaître à Zemmour plus de courage qu'à ses aficionados, puisque lui, au moins, il est resté. Mais c'est vrai que ça aurait fait quand même... J'ai vu la vidéo. Il y avait une vidéo, je ne sais pas si elle est encore visible, mais... Ouais. Au moins, lui, il est resté. Il a discuté avec Dieudonné après. Et donc, j'ai permis cette rencontre un peu baroque, comme a dit Caroline Forest dans Le Monde. Hein, parce que Caroline Forest, elle me déteste. Donc, il ne faut pas croire que ces gens-là sont mes amis. Moi, je me fais menacer de mort par la gauche, beaucoup plus que par l'islam, alors que j'ai tapé sur l'islam. C'est là où il faut vous poser des questions. Moi, je tire des conséquences de mon expérience. Mais tu vois... J'ai des têtes tombées par rapport à l'islam aussi, c'est ça. Caroline Forest, tu dis qu'elle te déteste, et tu vas lui envoyer ton article à charge contre Zemmour pour dire qu'il appelle au meurtre des musulmans. C'est quoi ce... Elle n'a pas repris. Ça montre bien qu'elle est complice. C'est ça le but, tu comprends pas? Toi, tu vois à court terme, hein, franchement, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. J'ai de la suite dans les idées. Donc, à courte vue. Si je peux t'afficher. Tu sais, Jean-Robin, ta phrase. Je vais juste terminer ma phrase, s'il te plaît, après tu pourras parler, s'il te plaît. Okay. Si je peux affirmer aujourd'hui chez toi que Zemmour est protégé par le système, c'est que j'en ai toutes les preuves, et ça en fait partie. C'est que j'ai envoyé toutes mes enquêtes sur Zemmour et qu'elles n'ont été reprises nulle part. Déjà, je voulais juste dire, c'est la première fois que j'entends une personne qui me dit que Zemmour est protégé par le système. Ça, il faudrait m'expliquer encore une fois. Mais en fait, et la phrase que tu as sortie, je suis plus menacé que par la gauche que par l'islam. Déjà, pour moi, les deux font pair. Mais cette phrase, ça me rappelle une phrase que Charb avait lancée, hein, quand il disait que les catholiques intégristes l'embêtaient plus que les islamistes. On a vu le résultat. Hein. Donc en fait où je veux en venir, c'est ça, c'est quoi ton but là? Non, mais en fait où je veux en venir, c'est que c'est toujours le même discours. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils te catégorisent souvent à droite, hein. J'ai même vu que certains disent que tu fais partie de la fachosphère, mais en fait t'es un gauchiste. T'es un gauchiste, peut-être déviant, en plus. Hein. Non, mais peut-être déviant. C'est vrai, peut-être un gauchiste déviant, mais tu restes un gauchiste. Un gauchiste déviant, putain, l'étiquette de merde. Bah ouais. Mm-hmm. Oui. Non, mais c'est ça, mais je sais pas comment le catégoriser, mais je pense que c'est ça. Parce que... Non, mais clairement. Non, mais c'est vrai. Moi, je dirais que Jean-Robin est un... il est dans la confusion populisto... complotiste, quelque chose comme ça. C'est ce que dit de la gauche de moi, en effet. Ouais. Et donc, selon toi, les complotistes, ça existe quand même, rassure-moi. Il y a de vrais complotistes. T'es d'accord au moins avec ça? La différence entre toi et moi, c'est que moi j'écris des livres. Donc là, j'ai écrit un livre entier sur le sujet. Les délires des anticomplotistes, les gens qui veulent connaître. Mais si tu veux, moi aussi, demain j'écris un livre, personne ne va l'acheter, on s'en bat les couilles, tu vois. Je veux dire, rien à foutre. Tu n'en es pas capable, mais on voit bien. Donc, avec une intelligence artificielle, un clic droit, un clic gauche, il doit y avoir un moyen de faire un truc. Voilà, fais-le, puis après on en parlera. Mais donc, je m'en bats les couilles, c'est has-been les livres. Aujourd'hui, c'est les vidéos, arrête de me casser les couilles avec tes bouquins à la con que personne n'achète, on s'en fout. Ça permet de réfléchir. Ça fait combien de ventes? C'est pas la question. La vidéo, justement, qui fait la promotion de ce livre a été vue 50 000 fois, si je veux parler de vidéo. Mais 50 000 fois, c'est nul. Mais t'as vendu combien de bouquins en final? Je suis censuré par le système, donc j'en vends pas. Non, mais ça, c'est... t'as fait 50 000 vues. Je m'adresse pas. En fait, ton bouquin n'intéresse personne. Je suis un clown, j'en vends pas. Si on commence à en parler. Mais toi, tu parles de pseudo.
Viens, viens. Moi, je parle sous mon nom. Alors, viens, Jeff. J'ai déjà vu plusieurs fois mon visage. Jeff, on a vu son visage. Il s'appelle comment, Jeff? Mais non, mais Jeannot, on n'a pas confiance. Après, tu vas balancer son adresse à Mediapart et à Caroline Forest, on n'a pas envie. Tu vas envoyer son adresse à Tariq Ramadan. Après, on veut pas te filer des renseignements. En sachant qu'il y a pas mal de panafricanistes, il y a pas mal de panafricanistes qui me traitent de traître et tout ça. Bounty, il faut rendre un régal de Bounty. donc en fait le truc c'est que donc en fait le problème avec toi Jean-Robin, c'est ça, c'est qu'en c'est fait que tu raciste, as, j'ai compris, j'étais pas raciste et que c'était un crime pour toi. Non mais c'est pas un crime, non mais c'est pas un problème. C'est simplement ben non, il y en a plusieurs comme toi. C'est pour ça que Macron est réélu. Donc c'est pas un problème. C'est pas à cause de moi. Non mais c'est pas le problème. Non mais moi si je sais même pas pourquoi t'es parti en fait. Et Jean-Robin, quand même, les racistes, certains racistes, ouais. Moi je trouve que tu fais des clichés vachement hein, sur eux. Parce que là, par exemple, Jaff. Hein, est-ce que devant 800 000 personnes, toi tu as défendu les racistes? Moi si. Je t'ai vu, tu parles de chez Tadaï et j'ai trouvé ça très sympatoche ce passage. Donc voilà. Donc tu racontes n'importe quoi. Là on a une audience de 50 personnes, ou 100 ou 200, j'en sais pas. Peut-être que je vous ai amené un peu d'audience. Ah, certainement. À 1000 ou à 2000. Oh, et donc, oui, c'est bien ça possible. Ça a rien à voir avec 800 000. Tu es d'accord que défendre les racistes dans leur sens général, c'est-à-dire j'englobe tout ce que je déteste, parce que je défends la liberté d'expression de mes ennemis déjà, et j'estime que les considérer comme des sous-hommes, c'est faire le jeu des nazis, en fait. C'est voilà, d'être donc nazi. En fait, voilà, c'est ça. Donc en fait, tu as fait preuve d'un ultra-humanisme. Mais non, j'ai fait preuve de l'ouverture d'esprit. D'ultra-humanisme. Tu t'es montré, tu es allé là-bas chez les humanistes, les mecs du système que tu décris tant dans le système médiatique, et t'es allé faire de l'ultra-humanisme tant et si bien que tu dis il faut pas déconsidérer les racistes. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ton ennemi, c'est le nazisme ou le communisme ? Moi, c'est tous les totalitarismes. Mais il se trouve que le nazisme, aujourd'hui, n'est pas ultra-dominant ni dans mon pays, ni dans le monde. C'est le communisme qui est ultra-dominant dans les institutions internationales, dans les oligarchies nationales, même dans les mairies. C'est ça qui dirige aujourd'hui la CGT. Mais ce serait quoi ton alternative ? Quelle serait ton alternative ? Comme alternative à quoi ? Bah, au communisme ? Déjà... Non, mais le libéral-conservatisme, c'est ce dont je me réclame. C'est-à-dire le libéralisme pour développer l'individu et ses libertés, y compris d'entreprendre, y compris... c'est pour ça que je suis contre le confinement. Le confinement liberté de marché aussi ou pas ? Ah oui, liberté de circulation, voilà, oula. Notamment. Ouais. Liberté... Oh là là. Ouais, mais ça comment tu fais avec le conservatisme ? Et donc le conservatisme, c'est parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et libéralisme sans... christianisme n'est que ruine de l'homme. Donc il faut humaniser. Par exemple, moi je suis contre la GPA et la PMA. C'est des trucs ultra-libéraux. Ouais. Voilà. Et je suis pour les frontières. Et les ultra-libéraux sont contre les frontières, voilà, comme les marxistes. Mais aujourd'hui, on met sur le dos, à cause de gens comme Soral et tout ça qui ont fait diversion, on met sur le dos des libéraux qui n'existent pas en France. C'est interdit d'être libéral, disait Guillaume Faye. Me disait Guillaume Faye quand je l'ai interviewé en 2014. C'est interdit d'être libéral, mais Marine Le Pen dénonce l'Union européenne comme ultra-libérale et Macron comme ultra-libéral, alors que ce sont des ultra-communistes, en fait, et qui sont en train de mettre en place dans notre pays le programme communiste et que vous y voyez que du feu parce que vous restez dans votre ignorance, apparemment, ça vous plaît. Voilà, je sais pas. Mais ils sont pas en train d'essayer de le mettre en place. Le système est déjà mis en place, Jean-Robin. Se renforce chaque jour. Les confinements, on en a déjà eu avant 2020. C'est quoi le plus... Mais après, du coup, moi, c'est là que je te rejoins pas. C'est qu'on n'a pas attendu la Chine communiste pour être des énormes communistes en France. Hein. Ouais, parce que pour chercher un peu... On n'a pas attendu la Chine ou... Justement, c'est... D'ailleurs, c'est ça qui est souvent repris dans les universités américaines. C'est pas la Chine communiste ou quoi, c'est la French Theory qu'ils appellent ça. C'est tous les écrivains gauchistes français... Deleuze, Foucault et les autres, oui, bien sûr. Donc c'est ça, c'est pour ça que moi le poison communiste chinois, pour moi il est loin de nous, parce que c'est un autre paradigme qu'on a en France, hein. Totalement différent.
ça s'ajoute à tous les autres paradigmes qu'on avait déjà et qui ont été mis en place notamment par l'URSS, parce que l'URSS a été créé en 1917, j'espère que je ne vous apprends rien, et donc il a influencé énormément la France, à commencer par le Parti communiste français, l'Humanité, la CGT, toutes ces conneries. Il y a le dîner annuel de l'Humanité, tous les médias là, c'est dans quelques jours, d'accord, le 12 septembre. Je suis le seul, depuis 2014 où j'ai découvert ce truc, tous les médias, les grands médias français se rassemblent chaque année au dîner annuel de l'Humanité, et ben, on n'entend que parler du dîner annuel du CRIF. Voilà. Parce que en France, ça fait bander un certain nombre de débiles. Ouais, mais après moi, quand je dis, on n'a pas entendu l'URSS ou la Chine communiste. Hein, avant même la création de l'URSS, on était déjà communiste et gauchiste à foison en France. Hein. Oui, mais je suis d'accord. Mais donc, moi, je dis, Robespierre et Babeuf, c'était des Français et c'est nous qui avons créé le communisme. J'ai même une théorie pour savoir pourquoi on a créé le communisme. Ah bah, là, je te rejoins. Mais voilà, et c'est pour ça on n'est pas complètement éloigné, surtout Jean-Robin. Moi, si je peux donner mon avis de QI à deux chiffres. Ouais, non, mais voilà, question de priorité. C'est vrai qu'il faudrait voir un peu les priorités, bien sûr. Pour moi, tu vois, au lieu d'attaquer les communistes en Chine, il faut d'abord attaquer les communistes en France. Hein. Ah, mais je fais les deux, moi. L'un n'empêche pas l'autre. Les résistants en 40 s'attaquaient aussi bien à Vichy qu'à l'Allemagne nazie. L'un n'empêche pas l'autre. C'est même impossible de faire l'un sans faire l'autre. Donc moi, si tu regardes ma vidéo J'accuse, là, que j'ai mis en commentaire de la vidéo où VV annonce, et puis se trouve sur ma chaîne, J'accuse, je commence par la France, l'historique français. Et après, j'enchaîne sur la Chine et je reviens sur la France. Voilà, pour bien montrer qu'il y a une intrication entre les deux. Mais c'est bizarre, je suis le seul dans toute la France à en parler. Et j'en apporte pourtant des millions. Oui, mais parce que tu clashes tout le monde, en fait. C'est ça ton problème, Jean-Robin. Ouais, ça t'aide en fait, pas à trouver des relais, ça. Eh oui. C'est ça. Au fond, il y a beaucoup de choses où je pense qu'on peut ne pas être en désaccord. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à te faire d'alliés. Pourquoi? Parce que tu clashes Conversano, tu clashes Gros-Blanc, tu clashes VV. En fait, tout ce qui pourrait être plus ou moins ton camp, c'est-à-dire la droite, hein, clairement. Disons les termes. Hein, parce que si. Bah ouais, quand tu combats les communistes, tu te retrouves à avoir des alliés à droite, normalement. Bah oui. Ce qu'on peut vraiment te reprocher, en fait, c'est surtout ton antiracisme exacerbé. Hein, c'est-à-dire que tu défends corps et âme l'antiracisme. Alors que l'antiracisme, bah c'est. À un moment, c'est les communistes, pour moi, c'est vraiment les communistes en France qui prônent l'anti. Même si, ok, c'est peut-être pas le communisme originel, etc. Pour moi, la forme, elle a évolué avec son époque actuelle. Donc là, on est en 2022. Aujourd'hui, un jeune qui se revendique communiste en France, ça insinue qu'il faut accueillir toute la misère du monde avec un système social qui taxe les blancs pour le filer aux étrangers. C'est ça. Hein. C'est une question intéressante et importante. Ça vous passionne, apparemment. Donc, il faut différencier l'antiracisme. L'avenir des blancs nous passionne. Est-ce que je peux parler ? Parce que sinon. Il faut différencier l'antiracisme de gauche que je dénonce. J'ai fait un livre qui s'appelle « Pour un antiracisme de droite ». Donc déjà, il faut savoir, la gauche n'est pas antiraciste. Elle se dit antiraciste, mais ce n'est pas parce que vous dites honnête. Ça, on est d'accord. Non, mais si on est d'accord, alors ne me dis pas que c'est communiste. Le communisme est raciste. Je l'ai dénoncé. Mais ils ont évolué. Attends, ils n'ont pas évolué. Il l'est aujourd'hui, raciste. Je te démontre. Aujourd'hui, il y a une hiérarchisation des races avec les blancs tout en bas. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et les minorités tout en haut. Moi, je dis ça depuis 15 ans. Alors, si les gens ne veulent pas m'écouter, c'est leur problème. Mais moi, je le dis depuis 15 ans dans des vidéos. Voilà. Si les gens ne me regardent pas, ce n'est pas ma faute. T'es d'accord ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'antiracisme de gauche, c'est-à-dire les blancs sont en bas de l'échelle. Et on va dire que, par exemple, les noirs sont tout en haut de l'échelle. Mais le communisme dit qu'il est égalitaire, alors qu'il n'y a pas plus inégalitaire. D'accord ? Donc, ce sont des images. Il faut pas L'égalité, ça n'existe pas. On est d'accord. Non. On peut appeler ça antiracisme de gauche pour reprendre les termes de l'ennemi et les qualifier comme étant les termes de l'ennemi, mais derrière, il faut tout de suite dire, c'est du racisme. C'est de l'Hitler inversé. Hitler mettait les juifs tout en bas, les noirs et d'autres, arabes même, ou je ne sais pas qui, et puis les blancs tout en haut, d'accord ? Ben là, c'est l'inverse. Ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est pas tout à fait ça. Mais... Un peu de choses. Il y avait une hiérarchie. Voilà. Par contre, moi, il y a un truc, et juste que je voudrais te dire, Jean-Robin, après tu continues, excuse-moi de t'interrompre. Je pense que le racisme d'autochtones envers des gens extérieurs, pour moi, c'est naturel. Je ne te dis pas que c'est un super projet de société, je ne te dis pas que c'est génial ou je ne sais quoi, mais pour moi, c'est naturel.
Tu vois, le mec, nous, chez nous, on a cette gueule. On est nous, chez nous, ici, on a cette gueule. Il y a des gens avec une autre gueule qui viennent. On les aime pas trop. On veut pas qu'ils soient trop nombreux. Pour moi, c'est naturel. C'est voilà. Juste pour dire. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. C'est la réflexion exactement inverse de celle d'une Rokhaya Diallo, par exemple, qui dit mais il n'y a pas de racisme anti-blanc parce que les blancs sont dominants dans la société. Donc vous vous justifiez. Oui, mais justement, Rokhaya Diallo, qui est noir comme moi, donc je pense que j'ai le droit de le dire, qu'on n'est pas chez nous. Non, mais surtout, nous, ce qu'on te dit, c'est qu'il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas d'antiracisme, etc. C'est que en fait, tout le monde est raciste naturellement. Ça n'existe pas quelqu'un qui va te dire moi, j'aime absolument toutes les races de l'univers sans problème. Normalement, on fait des choix. On discrimine parce qu'on est, comme ça. C'est notre manière d'être câblé en tant qu'humain. Non, ça, c'est débile d'en rester là où était l'humanité il y a 5000 ans. Donc l'humanité, il y a 5000 ans, elle était pauvre aussi dans des dictatures. Et l'humanité, il y a 5000 ans, en réalité, on se dit que les gens étaient des attardés mentaux il y a 5000 ans. Moi, je pense que les humains étaient exactement les mêmes que nous sommes aujourd'hui. Ça n'a pas changé énormément, en réalité. Après, moi, je comprends. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a toujours des gens qui ont des superstitions, genre croire en l'existence des fantômes, tu vois, ou des démons, ou des trucs dans le genre. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est des trucs qui existent depuis des millénaires. Et on va continuer d'être dedans. Hein. Essayer de surpasser ça par des concepts intellectuels. Hein. Mais moi, je pense qu'on trimballe avec nous, justement, ces millions d'années qui sont archaïques un peu, qui sont en nous. Mais après, moi, je peux entendre ce que dit Jean-Robin. Comment dire ? Parce que il y a un peu le cliché du raciste qui, forcément, tu mets le mec dans une case parce que t'as vu qu'il a les cheveux crépus ou je ne sais quoi. Tu le mets forcément dans une case de façon systématique. Même Conversano ne tient pas ce genre de discours. Moi, j'avais fait un test. À quel point est-il raciste, Daniel Conversano ? Franchement, il n'est pas tant raciste que ça. Le mec, il n'est pas à te dire non plus que, voilà, je sais pas, enfin des gros clichés racistes. Non, on ne devient pas fou parce que Jazz est avec nous en vocal et qu'il est noir. On ne devient pas taré pour ce genre de raison. Il tient un discours qui nous fait plus ou moins plaisir. Donc, on pourrait l'envoyer chier, c'est vrai. Voilà. Mais on le fait pas. Il dit un truc complètement opposé en disant. Comment ? En prenant les discours de la gauche, ça vous emmerderait, c'est sûr. Tu dis quoi, Jean ? On apprécie encore moins. Je dis, ne vous dites pas raciste si vous n'êtes pas. Il faut être cohérent. Parce que, inévitablement, moi, parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec la diversité africaine, je me méfie de ces gens. Si je monte un business, je serai moins enclin à les embaucher. Si je loue mon appartement, je l'éviterai de le louer à un noir, clairement, ou à un arabe. Voilà. Et donc, si SOS Racisme fait un testing. Si SOS Racisme fait un testing avec Starduck, ils vont dire il est raciste. Donc au bout d'un moment, c'est pas qu'on se dit qu'on est raciste. C'est ça, c'est que... après, tu vois, je vais leur dire, moi je suis multiculturel, etc. Je vais les déjà à l'envers. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga, tu vois. C'est un mélange de tout. Voilà. Moi, c'est pas les boucs émissaires. Mais personne n'est raciste à 100%. Enfin, ouais, voilà, foncièrement. Mais je pense que tout le monde est un peu raciste. Par exemple, comme je dis souvent, pourtant étant noir, je sais qu'être entouré de noirs, c'est désagréable. Je le sais, et je pense que tout le monde le sait. Non, mais je pense que tout le monde le sait. C'est agréable de vivre en Afrique, tous les Africains ne quitteraient pas leur pays. Exactement. Si les gens prennent le bateau au péril de leur vie, c'est qu'il y a une raison. Le truc, c'est que. Et le truc, ça, par exemple, si tu le dis, t'es considéré comme raciste. C'est pour ça que moi, l'étiquette de raciste, je la prends comme ça, tu ne veux pas me la relancer, tu vois. Dès le début, je t'ai dit, je suis raciste. Comme ça, tu ne vas pas commencer à dire raciste, je te dis, je le suis. C'est ça, après... et ça, je trouve que c'est une erreur que Robin a fait dans son débat, c'est pour ça que je voulais souligner. Il aurait dû après, te dire, le truc, raciste. C'est la définition donc du racisme qui est que c'est de considérer qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, mais la plupart des gens qui vont se dire racistes ne voient pas les choses de cette manière, simplement qu'ils ont des préférences pour des races et plutôt que d'autres. Point. Il y a des gens qui vont préférer les Asiatiques, Papacito va préférer les Noirs, et etc. etc. Okay. Et alors, évidemment, on va discrimine et qu'on a des préférences les Arabes. Ouais, exactement. Jean-Robin peut aimer les Ouïghours. Bon, attendez, on va recentrer le débat et peut-être que Jean-Robin, peut-être qu'il n'a pas la nuit devant lui. Enfin, je crois qu'il fait jour chez toi. 11h30 du matin. Bon, 11h30 du matin. Là, on parle de la race alors que ça ne sert absolument à rien, c'est stérile. Moi, je vous parle de l'ennemi du pays qui s'appelle le communisme, et notamment
l'alliance sino-russe. Là, il y a une guerre militaire qui s'est déclarée. Ils sont en train de reconstituer l'URSS militairement et par la réglementation en Union européenne. Et ben ça, ça ne nous intéresse pas. Vous préférez parler de la race. Voilà. Mais si non, ils font bien le travail, la Chine communiste et la nouvelle URSS, qu'ils arrivent finalement à dominer la planète et à établir un contrôle total, et que finalement ça se passe mieux que ça se passe actuellement... Les gens, ils l'accepteront. Parce alors, que les gars, ils sont intelligents, alors, ils font le boulot. Merci Starduck. On peut leur reprocher ça. Avant, laissez-moi. Je suis d'accord que s'ils font un système de merde, leur truc, il va s'effondrer hein, de toute manière. Parce que tu peux pas tenir un système débile où en fait, tu mets absolument toute la population dans un goulag. Alors, attendez, deux secondes. Ça fait 80 ans que le Parti communiste chinois est au pouvoir, d'accord ? Ils ont tué 80 millions de Chinois déjà. Plus le massacre de la place Tiananmen. Là, ils mettent tout le monde dans un goulag numérique. Déjà, tu n'as pas le droit d'aller sur Internet en dehors de ce que le Parti communiste chinois veut que tu vois. Ensuite, ils mettent des millions de gens dans des camps, sous prétexte de la race, par exemple. Les Ouïghours, c'est une race, soi-disant. Et ben, c'est des racistes, en fait. Donc, vous devez les aimer, les Chinois. Ben, si c'est vous qui êtes dans leur viseur, vous allez moins les aimer. Je vous dis, parce que d'ailleurs... se faire tout, une gamme de force. Ouais, mais le fait est que les Chinois adorent les Français, hein. Les Chinois adorent les Français. Moi, je voulais juste souligner un truc après. Attention, bien vas-y, Jeff. Les gars. Vas-y. Moi, je voulais juste souligner. Par exemple, ce que tu dis, mais c'est pas faux. Et je pense qu'on est tous au courant de toutes ces problématiques. Mais en fait, moi, comme Zemmour, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai soutenu tout au long de cette campagne, il y a des priorités. Et je pense que la priorité aujourd'hui en France, c'est le grand remplacement. Comme Zemmour, c'est l'immigration et le grand remplacement. C'est la priorité numéro une. Après, vient le reste. Parce que je considère... Après, tu rebondis, je te promets. Parce que moi, je considère, à tort ou à raison, mais en tout cas, je pense que j'ai raison, que la France, sans les Blancs, la France est morte. Je considère ça. Donc maintenant, Zemmour est pour l'immigration, d'accord ? Donc ça, c'est ce que vous n'avez pas compris. Parce que Zemmour... Est-ce que je peux expliquer pourquoi ? Vas-y. Mais bon, c'est pas un immigrationniste, tu déconnes, mais vas-y. Ah si. Et si. Voilà. Donc... Zemmour, est-ce qu'il a dénoncé une seule fois la Chine communiste ? Non. Est-ce qu'il a dénoncé une seule fois Georges Marchais ? Non. Il a validé Georges Marchais. Il a dit bravo Georges Marchais. C'est celui peut-être en France qui a fait venir le plus de monde. Ensuite, il a voté Mitterrand deux fois, je l'ai déjà dit. Ensuite, il n'a jamais dénoncé le système communiste qui nous dirige en collusion avec les puissances communistes étrangères, notamment la Chine, et qui fait venir des millions d'immigrés. Ensuite, son analyse du féminisme, elle pourrait être intéressante, sauf qu'il dit, il l'amène jamais jusqu'au bout pour montrer son lien avec l'immigration. C'est-à-dire que le féminisme pousse les gens à avoir moins d'enfants. D'accord ? Et du coup, il faut compenser cette absence de natalité ou cette baisse de natalité par des gens qu'on fait venir de l'extérieur. Voilà comment ils se servent du féminisme. Et pourquoi les puissances communistes, d'abord URSS, puis Chine communiste, pousse le féminisme en France. Alors tu voudrais qu'ils tiennent les propos d'Orban. Orban qui fait des primes pour faire des enfants autochtones. Et Orban qui est conservateur, qui veut mettre la religion chrétienne dans la Constitution. Et quand tu dis pour Georges Marchais, le Zemmour, il disait que c'était un mec du Parti communiste qui tenait des propos anti-immigration, c'est ça qu'il défendait. Tu vois midi à ta porte, c'est pas faux du tout. Le Parti communiste de l'époque, c'était anti-immigration. Non, on a une phrase qu'on connaît très bien, c'est ici, il y a une phrase de Georges Marchais qu'on connaissait très bien. Mais bien sûr. Sur le fait que, voilà, que les immigrés... Parce que voilà, vous ne lisez pas de livres, on en revient là. Donc les vidéos, non, on regarde les vidéos et on a raison, on te mouche, on a raison. On lit pas de livres, on regarde YouTube et on te nique, on a raison. Georges Marchais, il avait des propos anti-immigration et c'est pour ça que Zemmour le citait. Et c'est là, ça. Tu te prends les pieds dans le tapis de Ouïghour. Eh oui. C'est sérieux, franchement. Donc, le Parti communiste français est la première force immigrationniste en France. Ma femme vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Putain, il faut qu'on écoute Georges Marchais à l'époque, qui dit qu'il faut arrêter l'immigration parce que c'est l'armée de réserve, comme disait Marx. Merde. Putain, on l'a pas inventé, bordel. Il a dit deux fois en campagne électorale. En plus, c'est des paroles. Si tu crois les hommes politiques, tu te fais avoir à chaque fois, c'est tout. Maintenant, il faut croire ce qu'ils font. Qu'a fait... Oui, mais il l'a cité sur cette phrase. En fait, vous n'arrivez pas à avoir à écouter un raisonnement de plus d'une minute. C'est pas possible d'avoir un raisonnement en moins d'une minute. C'est TikTok, en fait, que vous voulez. Moi, je ne suis pas TikTok. Donc, je vous explique que le Parti communiste français a fait venir des millions d'immigrés. Et ça, vous le dites jamais. Pourquoi ? Ils ont naturalisé plein de gens. Ils ont donné la naturalisation
Pourquoi vous ne le dites jamais ? Ma propre femme, on lui a proposé 10 fois de devenir française si elle prenait sa carte au Parti communiste français. Pourquoi vous le dites jamais ? Pourquoi vous vous aveuglez comme ça avec Georges Marchais ? Parce que Zemmour l'a cité ? Bah c'est votre matin, on défend pas le communisme. On défend pas le communisme. C'est qui Georges Marchais ? C'était le pire des communistes parce qu'il a dit le bilan de l'URSS est globalement positif. Que Zemmour, sur le coup... Le génocide en Ukraine est globalement positif. Zemmour en fait l'apologie de Georges Marchais alors qu'il a dit ça. Mais il n'en fait pas l'apologie, putain. Il dit, je pense. Hein. Non, alors mais... là, tu mens. Excuse-moi, mais tu mens. Je vais continuer à mentir jusqu'au bout si tu veux. Écoute, si ça te fait plaisir. Parce que Zemmour a fait l'apologie de Georges Marchais par oral et par écrit dans plusieurs de ses livres et sur LCI face à la femme d'Ardisson. Alors là, tu vas pas m'apprendre parce que là, c'est une vidéo, tu peux la retrouver. Donc Zemmour a dit, c'est mon modèle. Il l'a écrit, d'accord. Tu trouveras dans le Suicide français. À quel niveau? C'est son modèle à quel niveau? Ah ouais, donc Hitler, ok, c'est mon modèle, mais à quel niveau? Bah oui, non, à quel niveau, à quel niveau? Moi, Thibaut Inchep, c'est mon modèle, à quel niveau? C'est... De quoi on parle, en fait? À tous les niveaux. Ah, d'accord. Jean-Robin, je suis désolé de te le dire, pourtant, t'as lu énormément de livres. Je le dirai quand même. Attends, laisse-le finir, Jeff. Georges Marchais a collaboré, ça a été démontré dans l'Express en 1981 ou 2 par Jean-François Revel, à Messerschmitt. C'est démontré, c'est un collabo, comme tous les communistes. Hein. Au moment de Moscou, ils répondaient à Moscou. Ce n'étaient pas jamais des patriotes, les communistes. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont répondu à Staline. C'est parce que Hitler a attaqué Staline que les communistes sont passés, soi-disant, dans la résistance. Avant ça, ils étaient du côté d'Hitler, ils ont empêché l'armée française de faire son boulot, ils l'ont saboté, en d'autres termes. Torres est allé chez Staline, c'était un déserteur, et De Gaulle l'a réhabilité ensuite. Il a créé l'ENA, et là on fait le lien. Et si vous ne faites pas le lien, c'est votre problème, mais moi je fais le lien, et je sais où je suis quand je dis ça. Donc Marchais était un traître absolu, qui a dit des horreurs, et qui est considéré comme un anti-immigrationniste par les débiles, excusez-moi de vous dire. Voilà. Vu qu'on est des débiles à Bakouï... Essayez de monter en compétence, ou sinon restez débiles. Mais moi, je ne peux pas faire plus que ce que je viens de faire là, une démonstration très simple, très claire. Est-ce que je peux taire ta démonstration en 2 minutes avec mon QI à un chiffre, vu que les autres, ils ont 2. Moi, je suis un racisé, donc j'en ai un. Voilà, racialement, il est déjà désavantagé, Jaff. Enfin, vas-y déjà quand même. C'était compliqué. Mais le truc, c'est... alors, est-ce que tu peux nous donner l'exemple, par exemple, du Danemark, qui est le Parti Socialiste Danois, hein? Exactement. Qui sont des socialistes, directement, ce sont des communistes. Tu peux te renseigner. Je croyais que tu me démontrais que Georges Marchais était contre les communistes. Non. Parce qu'en fait, tu es socialiste, le communisme. Tu es socialiste total. Et c'est exactement ce que je me permets de dire, que Philippe Fabry, c'est exactement ce qu'il essayait de t'expliquer, Jean-Romain. Tu es socialiste, tu les mets tous dans le même sac, et c'est un peu dommage. Et donc, Jaff, là, tu parles du Danemark, donc c'est des... Alors, moi, je pensais que c'était socialiste, après, peut-être communiste, et donc ils sont anti-immigration, hein, c'est vrai que... Clairement. C'est, en France, ça serait l'extrême droite. Clairement, parce qu'ils sont beaucoup plus sévères que même Zemmour. Ouais, carrément. Par exemple, quand il y avait les immigrés, ils prenaient leurs bijoux en or et tout, ils faisaient des trucs de ouf, quoi. Moi, j'avais lu ça. Un truc de malade. Moi, personnellement, c'est un petit conseil que je peux te donner. C'est renseigne-toi sur la politique danoise. Attends, Jaff, il veut te parler. Vas-y, Jean. Est-ce que le Parti communiste danois dirige le Danemark? Est-ce que j'aimerais savoir? Bien sûr. Bah oui, c'est ceux qui sont au pouvoir. Les socialistes. Non, socialistes, vous déconnez, mec. Non, c'est Parti Socialiste. Je t'ai pas suivi, mais non, c'est Parti Socialiste. Bon, bah, c'est un mauvais exemple, alors. Est-ce que t'en as un autre d'un pays ouvertement communiste qui lutte contre l'immigration en Europe? Ça m'intéresse. La Chine. En Europe. Bon, je t'ai niqué. En plus, j'ai pris les Chinois, putain. Je t'ai niqué, mon pote. Et les Chinois, ils sont putain d'anti-immigration. Eh oui. C'est pas en Europe. Je t'ai dit en Europe. Je m'en fous, moi je te prends la Chine comme exemple. Oui, mais le Parti communiste, dans quel pays le Parti communiste concrètement dirige?
Ben justement. Alors ça, c'est une autre thèse, mais il faut avoir lu. Donc je ne sais pas si ça va... Ouais, t'as tilté, là. La Chine, ils sont communistes, ils sont anti-immigration. Non, parce que vu que tu me dis, par exemple, sur le Danemark, tu m'as posé la question, je t'ai dit que c'est le Parti Socialiste. Ben maintenant, moi, je te pose la question. En France, par exemple, c'est En Marche. Jusqu'à preuve du contraire, peut-être que, si tu veux, tu peux dire ce que tu veux, que c'est des communistes, si tu veux. Je pense que, dans le fond, je ne suis pas en désaccord, mais vu que je rentrais dans ton jeu, c'est En Marche. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas il y a un parti communiste en France, c'est pas eux qui dirigent. On est bien d'accord. Si, c'est eux qui dirigent. Non, mais le dirigeant du Danemark, à ma connaissance, hein, ne s'est jamais dit maoïste. Voilà. Mao, c'était pas un anti-communiste, c'était un communiste. Donc quand tu as le dirigeant d'un pays comme Macron qui se dit maoïste, qui dit qu'En Marche, c'est un hommage à la longue marche de Mao, et qui cite ensuite Deng Xiaoping, qui est le successeur de Mao, pour dire que peu importe la couleur du chat, l'important c'est qu'il attrape des souris. Donc quand tu fais des références systématiques au régime le plus communiste au monde, le plus dictatorial au monde, c'est que toi-même tu es un dictateur communiste, et en plus quand tu mets en place en France la politique communiste du Parti communiste chinois, c'est-à-dire le modèle chinois, eh ben, vous ne voulez pas lier les deux, parce que ça casse le schéma, vos préconçus ou je ne sais pas quoi. C'est un politicien, en fait. Quoi, des politiciens? Pourquoi tu te fies à ce que dit Macron alors que tu as dit tout à l'heure qu'il ne faut pas se fier à ce que disent les politiciens? T'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit Macron a mis en place, ça c'est pas des paroles, d'accord? Le modèle chinois. Il a dit qu'il était maoïste. Oui, et ben. Pourquoi tu le crois? Parce qu'il le fait, le confinement, d'accord? C'est maoïste, c'est ce qu'ils ont fait en Chine d'abord et avant tout. Et ensuite, en Italie, pour créer un modèle européen, parce que les Italiens ont rejoint les nouvelles routes de la soie du Parti communiste chinois en 2019, avec Salvini, qui est un copain d'Orban aussi, et qui est du côté pro-russe. Voilà, il faut vous poser des questions. Mais je reconnais que la propagande communiste est très forte, ce sont des stratèges, donc ils arrivent à manipuler des gens à bas QI, et même des gens à haut QI, parce qu'il y a des gens très intelligents comme Philippe Fabrice. Si tu dis ça pour Jaff, c'est pas de sa faute, c'est racial. Exactement, je suis vraiment désolé. Je dis Philippe Fabrice. Je suis vraiment désolé. Philippe Fabrice, franchement, moi je l'ai trouvé brillant. Vas-y, dis. Non, il n'est pas brillant. Il a plus haut QI que moi. D'accord, ça je le reconnais volontiers. Il a un doctorat en droit, etc. Moi, je n'ai pas de problème à reconnaître que les gens plus intelligents que moi le sont. Mais jusqu'à présent, il n'a pas compris que les communistes sont à la manœuvre un peu partout dans le monde, soit ouvertement comme en Chine, ou en Corée du Nord, ou au Vietnam, ou à Cuba, ou en Angola, ou je pourrais vous citer beaucoup de pays comme ça, hein, soit cachés sous des gens, sous des couvertures de droite, vous pouvez comprendre ça, vous connaissez les opérations sous faux drapeau, ça existe, c'est pas du Soral, c'est pas Soral qui a inventé les opérations sous faux drapeau, ça existe. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait croire à Hitler qu'on allait débarquer au Pas-de-Calais. Bon, eh ben on n'a pas débarqué au Pas-de-Calais, c'était bien une opération sous faux drapeau, donc il faut arrêter de tomber dans tous les pièges anticomplotistes aussi. Il y a les pièges complotistes, puis il y a les pièges anticomplotistes. Il faut essayer de s'élever un peu. Donc, okay. Les communistes sont, pour certains, cachés derrière une couverture de droite, comme Orban, pour mieux les infiltrer, comme Merkel. Merkel, elle était de droite? Ah bon? Mais pourtant, oui. Son étiquette, c'était de droite. Elle a fait venir, hein, je vous rejoins. Merkel était de droite? Je l'apprends, je ne savais pas ça. Son étiquette, c'était la droite allemande, oui. C'était plus le centre. Vérifiez. Mais non, c'était l'étiquette de droite. Non, c'était plus le centre. Bah, c'était le centre droit, si tu veux. Mais c'était pas la... Pas si je veux. C'est son parti, CDU, c'est la droite allemande. Donc, elle s'est fait passer pour une nana de droite pour faire les politiques les plus à gauche qu'on ait jamais connues dans l'Allemagne, c'est-à-dire faire venir... En fait, c'est une Sarkozy, tu vas nous dire. Comment ? En fait, Merkel, c'est la Sarkozy allemande, quoi. Ouais, voilà, on pourrait dire ça. C'est pas bête, on pourrait comparer les deux, tiens, ça me surprend pas. Alors, désolé, c'est pour dire... Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, donc, des pays communistes... Il cite Chine, Cuba, Laos, Vietnam, Corée du Nord sont les derniers pays communistes. Voilà, c'était juste pour citer le message dans le chat. Il y a beaucoup d'autres pays. Attends, tu rigoles. En Afrique, il n'a pas entendu parler de l'ANC en Afrique du Sud, du Nicaragua, ça c'est en Amérique latine. Là, tu as tout à fait. On va pas parler de l'Afrique. Les politiques africaines, ce sont des républiques bananières, c'est tout. L'ANC, c'est un parti communiste, donc. C'est soutenu tout ça par l'ex-Union soviétique et maintenant Poutine. Donc en Amérique latine, il y a une vague rose qui est en train de déferler, qui tire sur le rouge, avec le Pérou, le Chili, la Colombie qui a basculé à gauche.
Là, il y a des élections au Brésil, c'est Lula qui a une forte chance de revenir au pouvoir, c'est un communiste. En Australie, c'est un gars qui a les félicitations du Parti communiste chinois albanaise, qui a pris la place de Anderson. Je suis un peu fatigué, mais je ne me rappelle plus du nom du gars d'Australie avant, ouais. Plutôt okay. De droite. Donc là, il y a une vague... Avec ton cul, tu devrais t'en souvenir. Hein. Non, mais c'est... Voilà. Et vas-y, finis, Jean. Enfin, ce voilà. Que tu disais. Donc, simplement, la ruse des communistes, c'était de faire croire que le communisme s'était effondré. Et ça, c'est ce qu'explique Golitsyn okay. Dans son livre 84. Et donc, les gens croient que le livre que tu as traduit, d'ailleurs, c'est bien ça. En français, et qui français. Apporte les plans de l'ennemi, parce que là, on est dans un contexte de guerre mondiale. Il y a une alliance sino-russe que Golitsyn a anticipée dès 1984. Et il a dit, quand il y aurait exactement. Cette alliance qui s'ouvrait sur le devant de la scène, ça voudra dire qu'ils déclencheront leur attaque finale. On y exactement. Simplement, on bouge pas des paquebots comme la Chine. Bon, la Russie, c'est un peu moins grand, mais quand même, on bouge pas des grands paquebots comme la Chine du jour au lendemain. Donc là, ils sont en train de passer de la phase de paix à la phase de guerre. Ils ont lancé cette attaque biologique pour préparer le monde au communisme, aux dettes abyssales, au confinement, etc. Ils préparent ouais. Leur population aussi. Et donc, on y est. Voilà. Donc, je sais okay. Pas, et vous, alors... vous ne voyez pas. Ok, ok. Alors, pour ceux que ça intéresse... Non, non, c'est... Ouais, ben, on se prend des coups de couteau, on se prend des crachats dans la rue, on a envie de presser Et puis, en plus, comment dire... Un revirement racial, biologique, tu peux pas revenir en arrière. Une fois que t'es crépus, c'est trop tard, ok. Bon, mais moi, ce que je veux dire, c'est que pour ceux que ça intéresse, son histoire de Xi Jinping, comment t'appelles ça, le mec que t'as traduit, là Anatoly Golitsyn. Voilà, Golitsyn. Si ça vous intéresse ce sujet, donc c'est le livre qu'a traduit Jean-Robin. Bon, je sais pas, moi je peux les orienter vers une vidéo que tu as eue avec Philippe Fabry. Vous parlez voilà. De ce sujet, tu fais face à une contradiction sur ces thèses et tout. Moi j'ai regardé, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, ce que je voulais dire. C'est intéressant et constructif. Ouais, et exactement. Là, elle est aussi constructif. Mais tant que vous passerez autant de temps à parler d'autre chose que de notre ennemi, qui est le communiste, quoi que vous en disiez, parce que si on supprime, là je finis mon raisonnement tout à l'heure, ouais. Si on supprime le communiste de France, la plupart des gens qui ne vous plaisent pas repartiront. Seuls resteront ceux qui ont un intérêt à rester en France, autre que les subventions, les allocations. D'accord, alors peut-être que tu englobes dans... Ça fera un tri sans avoir à ouais. Utiliser de violence ou un minimum. Non, bien sûr. Peut-être que tu englobes. Attends. Peut-être que tu englobes dans communisme le marxisme sociétal, un peu tout ça. C'est-à-dire Rokhaya Diallo. Bon, elle est pas forcément communiste. Elle ne casse pas les couilles avec le modèle de production et tout. Mais voilà, c'est LGBT. C'est créé par des communistes. Je vous rappelle, le modèle communiste, c'est créer la révolution. Donc, il faut opposer les gens sur la base. Pas tous. Déjà, il y aurait Philippe Fabry. Il dirait pas tous. C'était pas tous des révolutionnaires, si ? Je sais pas, moi je connais très mal hein, le communisme. Moi ça me fait peur. Je regarde des fois sur Arte des reportages, les mecs ils font de la peine. Putain, j'ai regardé ça la dernière fois sur Arte, putain, communiste, le mec c'est cerveau malade. Mais moi je connais mal, je vais pas faire semblant de connaître bien le communisme. J'ai vite vu que c'était les cerveaux malades, les mecs, que c'est pas vers là que je voulais aller. Après, moi je connais mal. Il y a peut-être des nuances. Il y a peut-être des révolutionnaires et puis des trotskistes, c'est ça, trotskistes, peut-être d'autres qui sont un peu différents. Et je crois que c'est ces nuances que Philippe Fabry essaie de développer. Et toi, tu mets tous les communistes dans le même panier. Après, dans l'ensemble, c'est pas moi qui vais défendre les communistes, hein, c'est pas la question. Mais... C'était ouais. À peu de choses en train de les défendre. Donc l'idéologie communiste est une idéologie révolutionnaire, c'est comme ça. Historiquement, ça part de qui ? Ça part de Robespierre, le révolutionnaire par excellence. Donc. Ensuite, c'est Marx qui voulait la révolution mondiale. Ensuite, vous les prenez tous un par un. Après, tu as des gens sur le terrain, mais un syndicaliste qui bloque toute la France, lui, il veut la révolution. Hein. Tu as jamais entendu ça ? Il veut le soir, Oui, le grand soir et tout. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, une petite dédicace aux communistes, là, en cette rentrée des classes, qui ont jugé bon de mobiliser les ANSE, je ne sais pas comment on appelle ça, les aides aux enfants, vous savez, dans les écoles primaires. Ils leur ont dit, allez les mecs, enfin les filles, on fait grève, voilà. C'est la rentrée des classes, on fait grève, on veut plus de salaire. La CGT. Alors bon, en même temps, ben ça, ce truc, ce droit de grève, moi, je sais pas quoi en penser parce que ça me casse les couilles. En même temps, je comprends bien, si tu veux, Germinal, tu vois, tu vas à la mine, tu te fais exploiter, tu veux demander des acquis sociaux. Jean-Robin, à quel point est-ce que tu es libéral ? La grève, pour toi, c'est une anomalie ou c'est nécessaire ? Comment on fait là ? Parce que rentrée des classes, la CGT dit on fait la grève pour. Tu vois, ou alors les poubelleurs à Marseille,
c'est, ça devient la guerre du feu, t'as des poubelles et des rats de partout. Tant qu'il n'y a pas plus de salaire, on fait la grève. Comment tu te positionnes là-dessus, toi ? Le droit de grève en France a été mis en place par des libéraux. Ça, ah bon, c'est bien expliqué par Jean-François. Bah oui, c'est, ouais, donc on ne sait pas, parce que les médias, c'est pas BFM TV qui va te l'expliquer. Non, ni c'est Étienne vrai. Chouard, ni Étienne Chouard. Pourtant, j'adore Routel-Krieff, mais c'est vrai que j'ai pas entendu dire ça. Chouard, non, lui, il me gonfle. Hein. Voilà. Bah, bon. Donc, les libéraux en France sont ceux qui ont instauré les premiers le droit de grève. Mais on faisait la distinction à l'époque qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est que le droit de grève dans la fonction publique doit être interdite impérativement, parce que sinon tu bloques la France. Alors que dans le secteur privé, là, tu dois y avoir droit parce que, en tant que salarié, tu peux perdre tout. Ce que tu ne peux pas perdre en tant que fonctionnaire avec le statut de Torres, justement. Ah ouais. Voilà. Alors, à moins de supprimer le statut de fonctionnaire, moi, je suis plutôt pour ça. Voilà. Ah. Si on supprime le statut de fonctionnaire et que les mecs, on peut les virer et les embaucher comme on veut, et non pas les mecs qui vont progresser à l'ancienneté et sans rien foutre, souvent. Pas toujours, hein. Il y a des fonctionnaires qui bossent, mais ils bossent pour les autres. Hein. C'est comme la plupart des salariés du privé qui bossent pour tous ceux qui bossent pas. Voilà, c'est ça la situation en France. Donc on est dans une situation pré-révolutionnaire, mais là, il y a la guerre maintenant qui nous arrive, qu'on le veuille ou non. Donc il y aura ceux qui comprendront, là, par exemple Alexandre Cormier-Denis, depuis que j'ai débattu avec lui, il a commencé à comprendre. Et puis lui, il n'est pas un anti-américain primaire ou un tiers-mondiste, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que vous rendiez compte, c'est que les gaullistes, même les souverainistes, les mecs comme ça, ce sont des tiers-mondistes. Alors ça, Pierre-Yves Rougeron et tout ça, vous connaissez. Donc ces mecs-là ont préféré se tourner vers le tiers-monde, y compris Sarkozy, hein, LR, c'est ça, et donc plutôt que l'Occident. Donc comme on a abandonné l'Occident, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui d'être dans les mains de la Chine. Ouais, d'accord. Alors, juste pour dire. Ouais. Alors, juste pour savoir, sur YouTube, donc tu dis que tu as fait un débat avec Cormier-Denis, c'est où qu'on trouve ce débat, sur ta chaîne ? Sur ma chaîne et sur la sienne. Alors, la d'accord. sienne, elle a sauté. Mais ouais, sur ma chaîne, vous tapez. D'accord. Robin, Alexandre Cormier-Denis. Et okay. Mon débat, la priorité, c'est le grand remplacement ou la Chine communiste, justement. Bon, super. Je crois que j'ai pas vu ce débat, donc c'est, voilà, si jamais ça vous intéresse. Et juste pour dire, on évoquait Pierre-Yves Rougeron. Ben, il y a pas longtemps, il a sorti une vidéo. Je sais pas si vous avez vu. Il est chez Loïc Chéniaud, ouais, qui est. Ah, t'as vu ça. Donc c'est plutôt lui, c'est vraiment un communiste, hein, pour de vrai. Révolutionnaire communiste. Je sais pas exactement où il se situe. Et Pierre-Yves Rougeron était là-bas pour. Comment dire, une espèce de pièce rapportée contradictoire pour exprimer le souverainisme, voilà, mais c'était un public plutôt de gauche. Vous étiez d'accord sur tout, parce que Rougeron est un marxiste qui a dit textuellement, moi je donne des cours de marxisme à mes jeunes, parce qu'à un moment il faut être sérieux, voilà ce que dit Rougeron. Et Chéniaud, lui, il a dit à Valeurs Actuelles qu'il était pour le modèle communiste en France. Donc en fait, ça m'étonne pas, ça. Ouais. Après, parce que c'est pas des cours de marxisme, il incite ses élèves à lire Karl Marx. Ouais, non, mais au bout d'un moment, des gens comme Pierre-Yves Rougeron, je vois pas ce qu'on. Par exemple, tu nous as dit, est-ce que vous avez lu Marx ? Et on te répond, non, on n'a pas lu. Non, mais Rougeron, il a rien de droitard aussi, les gars. Pareil, hein, ça marche. Oui, on est d'accord. Non, on est d'accord, je suis l'avocat du diable. Mais c'est pas juste lire Marx, ça, effectivement, il faut lire, parce qu'il faut connaître son ennemi. C'est quoi, voilà. Il fallait lire. Oui, mais voilà, mais exactement. Ce qu'il disait. Ouais, il est quand même souverainiste, Rougeron, non ? Non, en fait, il est anti-souverainiste, si les mots ont un sens, parce qu'il ouvre la France à... D'ailleurs, alors c'est vrai que sa femme, alors vous allez dire comme la mienne, mais je sais pas si sa femme, elle est naturalisée française, etc. Ah, c'est une Asiate, non ? C'est une Asiatique, oui. Une Khmer. Ouais. Une Khmer, c'est comme... Oh putain, eux, ils ont morflé, hein. Ah ouais, mais les Khmer... Non, ah, une Khmer. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Un génocide par les Khmer rouges, alors. Ouais, elle, ouais. C'est rien à voir, hein, parce qu'elle est plus jeune, sa femme. Mais bon, elle est Khmer, bon. D'accord. Donc Rougeron, il est tiers-mondiste, il est gaulliste, il est pour l'immigration, en fait. Lui, ça ne le dérange pas. Moi, je suis contre. Moi, je suis occident. De toute façon, il le dit tous les jours. Hein, donc, oui. Voilà. Oh, moi, je ne sais pas s'il dit ça. Ouais, vraiment. Ouais, d'accord. C'est possible. Ouais. Pierre-Yves Rougeron, moi, je le connais bien, hein, depuis 15 ans. Ah, d'accord. Ah, ok. Ouais, on a milité ensemble au RIF, par exemple. Il a été au RIF avec moi. Le gars, c'est... Et c'est moi qui l'ai fait rentrer à l'école de guerre économique. Et ça, je m'en mords les doigts tous les jours, parce que ce gars-là m'a manipulé pour le faire rentrer. Et maintenant, il dit partout, ouais, je suis diplômé de l'école de guerre économique. Bon, ben voilà. Bon, ben, je suis content de pouvoir faire d'études quand on voit le niveau des diplômes. Ça me rassure. Hein. Excellent. Juste pour... Parce que là, on parlait des Khmer Rouges. Sachez qu'il existe, vous savez, un podcast de Christophe Ondelat qui raconte, vous savez, en podcast audio sur les Khmer Rouges. Waouh.
ça envoie. Hein. Donc c'est mise en situation. Ouais, on delatte. C'est en mise en situation avec les bruitages et tout. C'est tiré d'un bouquin, le témoignage de quelqu'un qui a fini par survivre et tout. Et c'est très cool parce que c'est très anticommuniste hein, finalement. Et voilà, c'est à écouter si jamais vous savez pas à quoi écouter. Juste Jean-Robin pour savoir. Quels sont tes projets à court terme? Est-ce que t'as quoi, des invités, des débats de prévus sur ta chaîne? C'est quoi l'histoire? Tu t'écris un livre? C'est quoi le délire? T'as quoi de prévu? Donc je dois débattre avec Serge Berthier, qui est l'auteur d'un livre pro Parti communiste chinois. Donc là, allez, oh putain, ça va être chaud là, oh putain. Le 20 septembre prochain sur ma chaîne. Ah ouais. Ensuite, je dois débattre avec Kuzmanovic, que vous devez connaître, qui est un tennisman peut-être, je sais pas. Ah d'accord. Ah, oui. Non, en fait, ouais. Ils sont tous communistes, hein, moi je pense. Donc, Non, mais lui, il se dit communiste, donc c'est différent. Bah, voilà. Kuzmanovic, voilà, mais on doit fixer une date. Ensuite, je travaille sur plusieurs livres en même temps. Ah donc, bon je, ouais. Je suis en train de reprendre les fake news des grands médias dont j'avais fait un site avant cette histoire d'attaque biologique. Pendant six mois, j'avais relevé les fake news dans les grands médias. Pour qu'on arrête de nous dire c'est que sur Internet, alors qu'il y en a beaucoup plus en fait sur les grands médias. Donc c'est un gros boulot parce qu'il faut que je fasse le tri entre celles qu'on peut m'attaquer en diffamation, je ne sais pas quoi. Donc je note à chaque fois les journalistes qui ont fait tout ça. Et puis je traduis le deuxième tome de Golitsyn, qu'il a écrit 10 ans après le premier, qui s'appelle Perestroïka Deception. En plus, Gorbatchev vient de mourir. Il explique la manipulation de la Perestroïka pour faire tomber les gens dans le piège. Ah bah le communisme n'existe plus, voilà. Alors qu'il n'a jamais été aussi présent au niveau mondial. Et donc, ça, c'est mon gros de mon boulot. Et puis, toujours mes vidéos. Et puis, les gens que je relance 10 000 fois pour débattre et qui ne veulent pas. Ouais. Et tout ça. D'accord. Aucun okay, ça dans les grands médias prévus pour l'instant, alors que j'ai sorti 3 livres consécutivement. Mais voilà. C'est, okay. Je ne suis pas restreint de ma censure non plus. Hein. D'accord. Alors juste, j'ai des petites questions qui sont un peu personnelles. Donc, Jean-Robin, tu réponds si tu as envie. Hein, je veux dire. Bon, moi, je vais y aller. Ok, ben, merci, Jeff. Au revoir. Bonne soirée, Jeff. Merci à tous. Merci Jean-Robin pour ton débat. J'ai essayé avec mon père. Hein ouais, t'as fait comme t'as pu, quoi. Bah oui. Bah, t'es venu en slip. Attends, écoute, tu repars en slip, Jeff. Fait, c'est comme ça. Bah ouais. J'avais un slip Hugo Boss, donc ça va, j'avais un peu de place. Ouais, voilà. Mais... non, allez, merci, Jeff. Voilà, à plus. Merci beaucoup. Et Jean-Robin, arrête ton antiracisme, sérieusement. Désolé. Bon. Allez, à plus. Moi j'avais une question, alors tu réponds si t'as envie. Donc il y a un célèbre coq qu'on entend derrière toi dans tes vidéos. Ouais. Moi j'ai une première question. Est-ce que c'est un coq qui t'appartient à toi? Non. Ou en fait, peu, ou... Ah, parce que c'est peut-être le coq d'un voisin. Donc moi j'ai cette question. Non, et si fait, jamais c'est ton coq, je voulais savoir si tu fais des poulets, si t'as des poules et tout quoi. Ouais. Donc en fait ici on est dans la nature, donc les coqs ils se baladent partout et ils rentrent chez toi, ils sortent et tout ça, et on est obligé de virer souvent parce qu'on tombe des fois sur des coqs qui hurlent 10 fois de suite et c'est insupportable, mais après on se retrouve avec un autre qui... Donc ah oui bon, j'ai une maison, ouais, ici il y a plein de coqs, hein. Donc j'ai une maison des poules parce qu'on a élevé des poules pondeuses, là il n'y a plus qu'une qui est vivante parce que maintenant voilà, ça fait 6 ans qu'on a commencé, puis dès qu'elle va mourir on va en prendre d'autres parce que c'est sympa d'avoir des œufs frais chez soi, ouais. Mais... les coqs, alors il y a des poules sauvages aussi qui font des œufs sauvages, donc on mange des œufs sauvages. Ah c'est mince ça. Je savais pas que ça existait ça, des coqs et des poules qui se baladent un peu dans la nature comme ça. Ouais, ah ouais. Si, en Polynésie, il y a que ça. Si tu viens ici un jour, je te les... Ouais, mais c'est ça, dans les îles, en fait, il y a pas mal d'animaux domestiques qui sont retournés à l'état sauvage, par exemple les cochons. Ah ouais. Qui ont été importés sur pas mal d'îles et qui maintenant, en fait, il y en a qui nagent même d'île en île, tu sais, dans des archipels et qui vivent comme ça. Hein. Ouais. Ah, c'est aussi, bon, y a ça. Pas de cochon, mais ouais. Alors ouais, moi je suis fan des poules, c'est trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, tu vis en Polynésie, est-ce que là-bas t'as des ouragans, des orages de ouf et tout? Moi c'est une question qui m'interpelle. Bah ça arrive qu'il y ait du vent, ouais. Mais ouais. Jamais d'ouragan, là depuis que je suis là, il n'y en a pas eu. Et je me suis renseigné, de mémoire d'homme, il n'y en a pas eu. Donc en fait, on est vraiment protégé, et je pense que c'est pour ça que Dieu m'a fait venir ici. Et je sors pas le pop-corn parce que c'est pas décent, mais je vois tous les massacres qui sont en train de se produire dans mon pays et ailleurs, et je me dis que je remercie Dieu, parce que par moi-même, je ne serais jamais parti. Je remercie Dieu de m'avoir épargné de tout ça, parce que vous allez payer, si vous restez, vous allez payer les conneries de nos dirigeants depuis très longtemps. Et puis l'inaction aussi du peuple français, parce qu'il faut bien reconnaître que les mecs, en parlant de race, en parlant de tout sauf de l'ennemi, bah, finalement, ils font le jeu de l'ennemi. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas forcément...
ton dossier, quoi, c'est que c'est un peu, ça t'a été inspiré par Dieu, selon toi, d'aller là-bas en Polynésie. Et donc, toi, t'étais un mec de la ville avant de partir là-bas, c'est ça, ou pas? Bien sûr, j'ai vécu 15 ans à Paris, 8 ans à Lyon et 3 ans à Blois. Bon, Blois, c'était déjà un peu plus petit. Mais là, je me suis retrouvé au milieu de nulle part, l'océan Pacifique, voilà, 17 000 km de France, quoi. C'est pas du tout, moi, je suis quasiment... Donc, c'est pas du tout mon truc de bouger comme ça, et personne ne m'a cru quand je l'ai dit. Donc, moi-même, j'ai refusé au début d'y aller. Et puis finalement, après les attentats de Charlie Hebdo et des menaces de mort, alors là, c'est vrai que j'étais menacé de mort par un musulman, tiens, pour y arriver. D'accord. Il fêtait les attentats de Charlie Hebdo le lendemain, donc nous, on était dans le train avec ma femme. Ils fêtaient avec de la musique, ils étaient plusieurs, et on leur a demandé d'arrêter leur musique parce que c'était indécent. On s'est retrouvé avec tous les mecs du wagon contre nous, et pas contre l'islamiste, évidemment, parce que lui, il faisait peur. Il nous a menacé de mort ouvertement, donc on a été obligé d'appeler le mec. Je raconte tout ça dans mes mémoires en détail. Et puis au final, dans la gare, je me suis retrouvé face à lui, c'était pas prévu, parce qu'il était resté moi aussi. Bon. Et je me suis vu lui tendre la main, en fait, ce qui est très bizarre, parce que j'aurais jamais tendu la main par moi-même. Mais ça, c'est Jésus, pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, s'il y en a. Je me suis vu lui tendre la main, il l'a tendu aussi tellement... C'est où Jésus ou Stockholm, hein, mais oui, c'est... Non, parce que toutes les tensions... Stockholm, franchement... Ah, je plaisante. Voilà, mais... Toutes les tensions sont tombées à partir du moment où on s'est serré la main. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis devenu musulman. Oui, bien c'est sûr, bien sûr. C'est tombé la violence. C'est ça d'accord. Le message. Ben, merci pour ta réponse. Et donc là, je vois que tu bois un coup. Mais, et donc, tes mémoires, elles sont sorties ou elles sont à sortir? Elles sont sorties. Là, j'ai écrit 500 pages sur de ma naissance jusqu'en 2019 à mon procès, où j'ai été lynché médiatiquement, où j'ai été perquisitionné ici dans cette chambre par la police française, hein, l'État français. Qui voulaient me faire payer 17 ans de militantisme politique, comme ils le font souvent avec d'autres. Donc là, ils ont pris un prétexte. Un mec qui a fait de la délation, là, pour le coup, hein, qui a dénoncé une de mes vidéos. Le prétexte, ça a été Beltrame, hein, des propos sur Beltrame, c'est ça. Ouais. Comme ils ne pouvaient rien attaquer sur Beltrame, parce que le mec était mort, et que la diffamation, ça ne marche pas avec les morts, eh ben, ils m'ont attaqué sur une phrase que j'ai dite, l'islam est pire que le nazisme d'un point de vue du nombre de morts. Est un fait. D'accord. Ouais. Et donc d'ailleurs, tu disais ça parce que j'étais passé la dernière fois dans le chat de ton live et c'est comme ça qu'on a pris rendez-vous pour ce soir. Tu me disais que donc finalement tu as gagné en appel à ce procès. Ah oui. J'étais condamné en première instance après un simulacre de procès. J'ai été lynché médiatiquement, traité d'antisémite sur l'équivalent de la branche de France Télévisions là-bas, JT de 20h, hein, en français et en français. Impossible de faire un droit de réponse. Donc dans les 3 JT, il y a 3 JT ici, et en français et en tahitien, insulté, diffamé, genre un salaud. Avec ta photo et tout, non? Ah bah oui, et ma photo au tribunal, ma vidéo, ils m'ont filmé au tribunal. En train trop de bien. Voilà. Et alors que j'avais fait appel et que c'est suspensif. Donc après... Avant ça, j'avais eu 10 heures de garde à vue, 2 perquisitions sur mon lieu de travail et à la maison. Ils m'ont pris un disque dur qu'ils ont mis beaucoup de temps à me rendre. Et donc, j'ai passé un an terrible, quoi. Mais c'est une expérience militante, importante, parce que voilà, on sait à qui on a affaire. Et je savais que je les dérangeais. Donc voilà, ils ne s'en sont pas pris à moi par hasard non plus. Mais derrière, j'ai perdu environ 20 000 euros. J'estime perte à ça. C'est pas terrible. Mais ce qui nous tue pas rend plus fort, comme disait Nietzsche, que j'aime pas trop, mais enfin là je le cite. Et du coup, maintenant, donc je parle, c'est pas que je parle plus d'islam, là, tous les débiles qui ont dit, ouais, genre, il s'est couché, machin. Déjà, je me suis pas couché. J'ai maintenu ma version et j'ai été relaxé là-dessus. Donc c'était quand même couillu. J'aurais pu dire, excusez-moi. Ouais, voilà, au tribunal, t'as pas fait profil bas, t'as maintenu, J'ai pas fait mon conversano, c'est-à-dire en d'autres termes. C'est vrai que conversano a eu affaire à des tribunaux et son avocat lui a conseillé de pas s'en servir de tribune et de plutôt faire profil bas. Après, ça, c'est un choix. D'une manière, si tu te fais accuser de quelque chose, au lieu de dire oui, effectivement, j'ai commis tel délit ou tel crime en vertu de tel article de loi, tu dis le contraire, évidemment, faut pas être teubé non plus. Moi, j'ai pas violé la loi. Donc, oui, parce que tu n'as pas violé la loi, mais par exemple, tu n'as pas violé la loi, en fait. Il y a des choses qui vont à l'encontre de certains textes de loi, et dans ce cas, il était condamnable, et c'est pour ça qu'il a retourné ça. Je veux dire, c'est ça ou aller en prison ou payer des amendes, donc autant... Alors pourquoi il tient ses propos qu'il sait être illégaux? Je veux dire, c'est pas logique. Soit il tient ses propos et il les assume, soit il les tient pas et il assume aussi le fait qu'il les tient pas. Mais s'il les tient et que derrière il assume pas, c'est un lâche.
C'est tout, c'est un con, enfin, un des deux. Non, c'est pour sortir du pétrole des tribunaux. Au parce qu'à un moment, je suis d'accord, tu vois, la loi, etc., bon, faut pas non plus déconner avec, mais il y a des textes de loi qui sont clairement faits pour nous détruire, c'est pas fait pour le bien commun. Et ces choses-là, elles doivent être dénoncées. Donc si après, en les dénonçant, ça te mène au tribunal... Par exemple, la loi qui défend les squatteurs, les mecs qui squattent chez toi, si tu mets des coups de pied de biche dans la gueule des squatteurs, après tu te retrouves au tribunal, tu vas dire « Ah ben je savais pas, je suis sorti de mes gonds ». Tu vas pas dire « Ah ben ouais, selon moi, il mérite des coups de pied de biche dans la gueule ». Bon, tu fais un peu profil bas. Tu dis que t'es tombé. En tout cas, pour revenir à ton procès, donc tu disais que finalement, Jean, ça pouvait faire un peu... Parce que si on est un militant politique contre le squat, je vois pas pourquoi on n'assumerait pas ses actes. Les gauchistes, au moins, le Cédric Héroux machin, il a assumé ses actes jusqu'au bout. Les gauchistes ont plus de courage que les soi-disant droitards dans ce pays. C'est bien ça aussi le problème. Moi, j'ai assumé mes propos qui n'étaient pas... C'était le droit du blasphème quand même que je défendais. Et ben, heureusement que je l'ai défendu, parce que sinon, on n'aurait plus le droit de blasphémer en théorie en France. Donc ça, j'ai jamais été remercié par les anti-islam pour ça. C'est même pas un blasphème, finalement, si. Ah si, critiquer l'islam, c'est une religion. Ah ouais, hein. Donc j'ai pas été remercié pour ça, mais j'attends plus rien de ces gens-là. Et j'ai pas été soutenu quand j'ai été menacé de mort par Riposte Laïque. Toi, tu dis même que non et tout. Je t'ai cité les phrases exactes. Bref. Donc voilà l'état de la France. Et donc c'est pour ça que Dieu m'a fait partir, parce qu'apparemment il y a plus rien à faire au sein de ces gens. Moi, je suis loin de l'influence de tous ces gens-là. Et ici, je bosse, voilà, et je pisse de la copie entre guillemets. Ce qu'on m'a appris à l'école de guerre économique, c'est à produire de la connaissance, si on veut être plus gentil. Et donc, j'en suis à plus de 50 livres. Et voilà, les gens. Et ça continue. Ouais. Voilà. Et moi, ça donne un sens à ma vie parce que je suis le seul en plus à faire ça. Mais si Philippe Fabry, par exemple, me rejoint dans mon combat en comprenant ce que disait Golitsyn, voilà. Et puis s'il ne veut pas, tant pis, moi je continuerai quand même, tu comprends. Okay. Après, chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses compétences. Hein. Bon, merci pour ta réponse. Alors bon, si jamais l'univers de Jean-Robin vous intéresse, vous avez la chaîne YouTube Jean-Robin 1. Il y a son univers sur les vidéos privées pour les souscripteurs. Et évidemment, c'est libre. Hein, c'est libre. Moi, j'avais une question aussi un peu pragmatique. Donc, en Polynésie, après, comment dire, c'est un peu indiscret. Hein, donc, mais vous y êtes fait à la vie et tout. Parce que c'est quoi? C'est insulaire. Vous êtes sur une île et tout. Il y a tout qui change, quoi. Si tu veux manger du camembert, il faut l'importer, des trucs, trucs bizarres un peu. Ouais, y a beaucoup de choses importées ici, donc c'est un peu plus cher. Mais moi, je ne mange pas de ces trucs-là, je mange plutôt local. En fait, ça ne change pas grand-chose pour moi, parce que moi, comme j'ai dit, je suis très casanier. Donc, je sors rarement de chez moi, sauf pour aller à 100 mètres, aller m'acheter un truc. Et donc, que ce soit à Blois, Paris, Lyon, ou ici, moi, pour moi, ça ne change rien. Ma femme, elle travaille ici, donc voilà, elle est plus insérée que moi. Mais on avait un cybercafé avant, donc on était assez insérés aussi. Maintenant qu'on ne l'a plus, parce qu'on nous l'a fait fermer à cause de l'obligation vaccinale. Ouais, avec le Covid. Le dire. Ouais. 1 500 euros d'amende potentielle si on n'était pas vacciné. Parce qu'ici, ils ont fait de la Polynésie un laboratoire. Hein. Et donc, moi, j'ai préféré fermer en me disant, ça faisait 6 ans qu'on faisait ça. Bon, c'est vrai qu'on était un peu fatigué, mais là, ça a été la goutte d'eau, quoi. On pouvait pas, parce qu'ils pouvaient nous mettre l'amende tous les jours s'ils revenaient et tout ça, hors de question. Donc voilà, j'ai fermé. Et aujourd'hui, okay. Là, je travaille de chez moi et ça se passe. Et c'est paradisiaque là-bas ou pas? C'est bleu, la mer et tout, les poissons, les machins. Sinon, chaque jour, on se balade un peu. Moi, je suis dans un lotissement, tu peux monter et tout. Tu vois, il y a la forêt, il y a la plage. Bon, c'est à chaque fois des lumières, des... Alors peut-être, je sais pas, le chat, ce que vous en pensez, je sais pas si vous suivez Jean-Robin sur YouTube et tout, peut-être qu'on aimerait, bien avoir des vlogs de Jean-Robin qui est là, et donc il nous casse les couilles avec ses Chinois communistes, évidemment, comme dans toutes les vidéos, mais derrière, t'as un putain de lagon et tout, t'as des putains de trucs, et le coq, on veut le voir aussi en vidéo. Tu ferais beaucoup plus de vues si tu te promènes dans des paysages naturels de Polynésie. Tu vois, tu te promènes en forêt, au bord de la plage, ça fait un peu anal génocide, hein, parce que lui aussi, il est dans le Cambrousse, lui. Là. Après, lui, il s'assoit sur sa chaise de camping et il attend. Tu vois, là, ce serait vraiment... Bah, tu te promènes en nature et tu fais... Ce serait marrant, ça. Bon, après, bon, faut pouvoir. C'est pas mon truc, moi, j'aime bien quand il pleut. Ouais, je comprends, bien sûr. Après, lui, il ouvre le parapluie, je sais pas comment il gère ça, mais... Non, c'est pas mon fonctionnement et...
Bon, la Polynésie, les gens n'ont qu'à regarder des vidéos et puis ils verront ce que c'est. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai des questions très triviales, hein, mais est-ce qu'il y a des moustiques là-bas en Polynésie? Oui, ouais, certainement. Grave, ça, par contre, ouais, moi, je me fais dévorer ici, je suis dans le sud de la France, c'est n'importe quoi. Moustiques tigres, ça n'arrête pas. Ah ouais, putain, c'est l'enfer. Alors, il y a des saisons. Là, on n'en avait pas pendant plusieurs mois. Et puis là, il y a une vague en ce moment. Bon, il faut... après, on a des raquettes, tu vois. Ah ouais, toujours... putain. Ah, mais c'est l'enfer. Ah, mais moi, j'en peux plus, les mecs. Putain. Mais ça se pratique quand même. Hein. Ça, ouais, mais attends, il faut voir le moustique, il faut le choper et tout, c'est l'enfer. Non, mais tu sais, t'as des lampes. T'as des lampes électriques qui. La lumière les attire et ils vont eux-mêmes se suicider. Moi, je vais investir, je vais créer mon entreprise de gel douche à la citronnelle et je vais m'acheter des habits en citronnelle, j'en peux plus. Pourtant, je suis pas en Polynésie. Hein, je suis. Les moustiques tigres, c'est bon, c'est relou, quoi. Bon, mais écoute. Tout à l'heure, là. Comment? Pourquoi tu t'es énervé comme ça, bébé, juste en train de... Parce que ça m'emmerde, des fois, on te dit des trucs, tu veux rien entendre, c'est casse-couille, je sais même plus pourquoi je me suis énervé, mais c'est casse-couille, c'est relou, quoi. Ouais, bah oui, putain, dire que les Chinois... Si, je me suis énervé pour dire que les Chinois, tu dis que c'est prémédité, c'est une attaque biologique, ça m'énerve. Si c'était le cas, je m'en foutrais, je dirais oui et tout. Mais putain, déjà, le Covid-1, le SARS-CoV-1, ça a été prouvé que c'est zoonose, qu'il est passé de l'animal à l'homme. Voilà, ça a été prouvé. Ben là, le 2, peut-être que c'est échappé d'un labo, peut-être que c'est zoonose, mais si jamais c'est une attaque biologique, je veux dire, moi, ce qui m'énerve, c'est l'incohérence logique, parce que, je veux dire, c'est un État totalitaire, les communistes, oui. Oui, ils ont une camisole cybernétique et tout liberticide, oui, mais putain... comment prouver que c'est une putain d'attaque biologique? Quand tu dis qu'ils ont laissé leur banquet, tu sais, là, au début de l'épidémie, je t'écoute, putain. Quand ils ont fait le banquet, oui, c'est les cerveaux malades, ils étaient vachement opaques, le gouvernement chinois, ils voulaient pas... Vous souvenez au début, quand ça a commencé, au tout début de l'épidémie, de parler de ce virus et tout, on avait du mal à savoir ce qui se passait là-bas et tout. Donc... je sais pas, moi, affirmer que c'est une attaque biologique, ça me gonfle parce que pour moi, il n'y a pas de preuve, ça m'emmerde. Ça rentre en choc avec ma logique. Les éléments, c'est qu'ils essayaient de dissimuler en fait les événements. Exactement. Alors que s'ils voulaient se faire passer justement pour des victimes, ils auraient pu hurler sur tous les toits qu'ils sont attaqués, etc. Non, et là, justement. Ça a marché la stratégie. Je comprends pas l'intérêt, si tu veux, de balancer un truc qui va niquer la terre entière, le truc, c'est y compris toi-même. C'est qu'on peut je comprends pas être pas. Sûr, quoi. On peut pas être sûr à 100% en disant t'as oui, des preuves de ouf, quoi. Ça. C'est ça qui m'énerve, moi ça me stresse. Voilà, c'est des choses, on peut pas avoir toutes les données, quoi. Ce qu'on sait déjà, c'est que la France, vous avez remarqué qu'en France, on n'a jamais parlé de l'histoire du P4. C'est la France qui a transmis le P4, et j'apprends récemment par un article dans Atlantico que c'était contre l'avis du ministère de la Défense français. Vous imaginez, donc Raffarin et Chirac sont allés contre l'avis de leur propre ministère de la Défense. C'est la folie. Et de leur service secret. Donc, on a transféré ce P4. Le Parlement français refuse, d'après Emmanuel Linco dans Atlantico, refuse d'en débattre. Ça veut dire qu'il y a eu des tentatives de députés, a priori, et ça a été refusé. Donc, ce P4, il a été transféré entre 2003 et 2017, inauguré par Cazeneuve. Là, la France est giclée. 2019, il y a une attaque biologique, et octobre 2019, Antoine Isambard écrit un livre, qui fait paraître un livre en octobre 2019, d'accord ? France-Chine, les relations dangereuses. Il parle de ce P4 là-dedans, et il dit que ça pourrait créer une attaque biologique. Oui. Mais après, il y a Jean Robin qui délire, quoi. Lui, il en parle non, plus. Mais entre, franchement, entre le conditionnel et l'affirmatif... Oui, ça c'est un des multiples aspects de cette affaire. Là, on pourrait rentrer effectivement dans l'affaire du banquet, on pourrait rentrer dans l'affaire du festival de danse, on pourrait rentrer dans l'affaire des lanceurs d'alerte, on pourrait lancer... Il y a beaucoup de choses. Le New York Times a révélé le 7 janvier que le 7 janvier, Xi Jinping a fait une réunion du Politburo en disant « on va confiner Wuhan comme on a confiné les Ouïghours ». Ça, il le dit le 7 janvier. Comment il le sait, le gars? Et il le fait finalement que le 23. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe entre le 7 et le 23? Et pourquoi entre le 2 et le 18 janvier, ils suppriment les informations sur les contaminations? Pourquoi ils le lèvent le 18 janvier, jour du banquet? C'est pas pour que les Chinois qui vont à ce banquet se doutent de rien et qu'ils aident à confectionner. C'était un record du monde qu'ils essayaient de battre, avec Guinness des records mondiaux. Ça commence à faire beaucoup. Et puis je suis pas le seul, moi, à dire ça dans mon coin. Je suis le seul en France. Mais à l'étranger, il y en a plein qui le disent. Il y en a plein. Même Bolsonaro, il l'a fait comprendre, ouvertement. Il a dit... Il y a eu une attaque biologique,
d'un pays que je ne peux pas nommer, mais c'est le seul à avoir tiré son épingle du jeu économiquement en 2020. Si tu regardes, c'était la Chine. Moi, ce que je vois. Faut dire que la Chine tire son épingle du jeu depuis 20 ans, hein, voire 30 ans. Donc, Oui, et là, depuis elle a 2021. Tiré son épingle du jeu grave. Parce que les mecs qui sont morts sur le virus en lui-même, c'est intéressant. Ça a tué d'abord les vieux. La Chine, ils disent qu'ils ont trop de vieux, ils n'ont plus de nourriture pour les nourrir tous. Ça a épargné les enfants, ils disent qu'ils n'ont pas assez d'enfants. Et puis ça a tué les obèses. Leur ennemi américain a 10 fois plus d'obèses ou 6 fois plus d'obèses en moyenne que la Chine. Je veux dire, ça c'est pas le hasard non plus. Au bout d'un moment, on veut bien qu'on me traite de complotiste et de soralien. Maintenant, apparemment, ça excite certains. De me comparer à Soral, alors que moi j'ai toujours dénoncé le complotisme, justement. Mais parce que la réponse de tous les mots est mono, je sais plus comment on dit là, mono. C'est pas monocausal. Monocausal, bah ouais, mais. Quand Jean-Pierre Raffarin devient Premier ministre en 2002, c'est le premier Premier ministre de la Ve République, vous pourrez vérifier, qui n'est ni énarque, ni polytechnicien, qui fait pas partie du Sérail, en fait. C'est le premier qui vient de Jacques Vabre. On est sérieux là ? Pourquoi Raffarin ? Ça fait 20 ans qu'il est un agent de la Chine communiste et qu'il y va chez les jeunesses giscardiennes et ensuite. Et qu'est-ce qu'il fait la première chose ? Il transfère le P4 de Wuhan contre l'avis du ministère de la Défense et des services secrets français, et puis il ouvre toute la France à l'influence du Parti communiste chinois, les instituts Confucius, pendant il y a 22. Le premier s'est créé sous Raffarin, Huawei, il ouvre les vannes, ça nous espionne tout ça, hein. On est en guerre, effectivement. Parce que moi, j'ai deux choses à dire. Ouais. Moi, je voulais dire deux choses. Alors, donc P4, hein, c'est un laboratoire hyper à risque. Voilà, c'est ça. Niveau de sécurité maximale. Alors déjà, c'est pas parce qu'il y a un labo P4 quelque part que c'est suspect, les mecs, ok ? Et puis, c'est bien dans un endroit où il y a des foyers bactériens, où il y a eu déjà l'émergence d'une zoonose avec le SARS-CoV-1. C'est pas complètement con de foutre un labo P4 là-bas. Voilà ce que j'ai à dire. Après, c'est vrai que Dans un endroit comme la Chine où c'est hyper opaque et les mecs ils font ce qu'ils veulent au gouvernement, je comprends qu'il y ait les mecs des voix qui soient élevées contre. Donc c'est ça que j'ai à dire, mais c'est pas une preuve. Ok, moi non, je tiens à dire ça. Ils refusent les enquêtes internationales, donc c'est. Bah oui. Je dis, on peut les accuser directement de refuser l'enquête, d'avoir tué ou censuré ou fait disparaître les. D'avoir fait perdre du temps, oui. Oui, et d'avoir diffusé eux-mêmes. Je veux dire, ils ont interdit aux Wuhanais, au moment du confinement, les Wuhanais d'aller ailleurs en Chine. Ça s'est attesté aussi. Et ils ont poussé les gens à prendre l'avion ailleurs. À tel point que Trump a dit le 30 janvier, c'est-à-dire 7 jours après le confinement, vous vous rappelez, ça, tout ça est public, Trump a dit « Je ne veux plus d'avions chinois aux États-Unis ». Et ben, l'OMS et la Chine lui a dit « Vous êtes un raciste, monsieur, il faut continuer ». Ça, c'est un grand classique. Et deuxième... Non, mais ça devrait vous toucher. Trump a dit il ne faut plus d'avions. Ça veut dire qu'il y avait des avions qui continuaient de circuler, qu'on n'a pas pris le principe de précaution. La France, pareil. Hein, on a dit que c'était raciste de fermer les aéroports, donc on fait venir tous les avions. Oui, mais ça peut être étonné aussi. Parce que les anticomplotistes, là, c'est ce que j'ai fait un livre, Les délires des anticomplotistes. Parce qu'il y a le délire des complotistes à la Soral, que je dénonce moi depuis 15 ans, donc on ne peut pas me faire de procès là-dessus. Même Marc-Édouard Nabl a reconnu, même Daniel Schneiderman dans Libération, tu vois, en 2006, a dit genre, oui, c'est un anticomplotiste. Avant même que Rudi Reichstadt commence son blog à la noix. Donc il y a les délires des complotistes et il y a les délires des anticomplotistes. Là, ce qui s'est passé le 28 mars 2020, c'est vachement important. Ils ont dit par rapport à ce labo P4, ceux qui y croient sont des complotistes. Voilà. Et Peter Daszak avait fait la même chose au Lancet, en disant, et lui, il a des conflits d'intérêts avec le P4, en disant tous ceux qui croient sont des complotistes. Je vais un peu défendre les anti-complotistes comme Rudi Reichstadt, je sais pas qui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui affirmaient que ça sortait du laboratoire, qui affirmaient, et c'était pas prouvé, c'était pas prouvable. Donc les gens... Il y avait des gens qui affirmaient ça. Non, mais c'est pour ça que les anti-complotistes disaient ceux qui affirment ça sont dans la théorie du complot. Si actuellement on a plus d'éléments pour prouver que peut-être c'est ou échappé sciemment ou sans faire exprès, c'est différent qu'à l'époque affirmer ça vient du labo. On pouvait pas l'affirmer. Et je pense que les anti-complotistes mettaient une nuance là-dedans. Juste ce que je voulais dire avant d'oublier, c'est que pour les virus. On se rend compte que ce qui est casse-couille à gérer au point de vue humanitaire, c'est un virus pas trop mortel
mais qui se répand très rapidement. Parce qu'on a eu, toujours dans la théorie des Covid, on a eu le MERS qui venait des Arabes avec le chameau, c'est la morve de chameau, je crois. Et lui avait une mortalité qui était nettement plus élevée, je crois, à hauteur de 30%. Et on s'est aperçu que finalement, les gens mouraient tellement vite que ça se répand pas tant que ça. Donc on voit que ce qui peut poser problème, c'est des virus un peu à la con entre deux comme ça. Voilà, c'est juste ça. Pour dire. Hein. Ouais. Oui, mais justement, ça rejoint la thèse de l'attaque biologique, justement. Et quand on a étudié ça de près, Jeff Nyquist, par exemple, qui est un Américain, a écrit en 99 un livre où il dit exactement ça. C'est-à-dire que l'attaque biologique, quand elle sera diffusée, là j'ai débattu de ça avec... ça sera un virus comme le coronavirus. J'ai débattu de ça avec le docteur en biologie moléculaire, la gauchiste Antifa, machin, qui voulait me dire que non, ou je sais pas quoi. C'est qui donc, ça ah, oui. Alexandre, je sais pas quoi. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Donc vous trouverez... Laurent Alexandre. Non, Samuel Alexandre. Ah non, Samuel Alexandre, d'accord, pardon. Alexandre. Donc, les anticomplotistes, là, en fait, ils ont le même défaut. Moi, je ne me définis pas comme anticomplotiste, tu vois. Les anticomplotistes comme Rastatt, Mendès France, Julien Pain ou les autres ont le même défaut que les complotistes, c'est-à-dire qu'ils concluent très rapidement. Voilà. Et ils disent non, ça ne peut pas venir d'un laboratoire. Ils peuvent avoir des biais de leur côté, c'est vrai. Oui. C'est ça le truc. Moi, c'est ça que je dis. C'est vrai. Je comprends. Oui, c'est ça. Ah, mais ça, on est d'accord. C'est-à-dire que d'un côté ou d'un autre, il faut quand même rester un minimum sceptique, essayer de pouvoir de se sourcer, d'avoir des sources, etc. Mais ça, après, comme je dis, c'est que c'est des sujets qui sont tellement complexes, même si on arrive à avoir énormément d'infos. On n'aura jamais tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir arriver à une conclusion formelle, en fait. C'est ça aussi. Si, il faut. Parce que de la politique, c'est tranché quand même. Si tu restes dans l'éther comme ça, tu te fais avoir, c'est sûr. Donc là, on n'a pas toutes les infos, mais déjà, pourquoi ? C'est à cause de la Chine. Première chose, donc déjà, la Chine est coupable de ce point de vue-là. Et ça, je suis le seul à continuer à le dire, mais je rappelle, tout à l'heure, j'ai cité Bachelot, Ciotti et Pelletier, qui ont osé le dire, ils sont fait reprendre derrière, en disant « Non, non, vous critiquez pas la Chine, hein, attention !» Mais pourquoi ils n'en parlent plus depuis ? Ils l'ont dit ouvertement, à la télé, dans une... Ciotti, il a fait une tribune, si vous la lisez, vous cherchez Eric Ciotti, tribune JDD Chine, le 18 avril 2020, c'est Jean Robin dans le texte. J'ai découvert ça, mais pas, évidemment. Ouais, j'ai pas lu ça, moi. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est hallucinant. Et bien aujourd'hui, plus personne n'en parle. C'est hallucinant. Pourquoi ? Il n'y a pas eu 95 000 morts. C'est pas de ça dont on devrait parler matin, midi et soir dans tous les médias. Et demandez-vous pourquoi on n'en parle pas dans BFM TV, qui reçoit Raffarin comme LCI, comme tout le monde. Raffarin est reçu comme un prince. Comment ça se fait que ce gars-là, qui est un agent étranger, c'est évident, il a porté les intérêts d'un pays étranger, d'un pays surpuissant, qui nous a bouffé. Et ça, je l'ai découvert dans mes enquêtes. Et c'est ça que j'apporte, moi. C'est la seule valeur. Merci, Jean-Robin. On va bientôt se quitter. Vous me reconnaître ça. On va bientôt se quitter. Il est bientôt minuit. Moi, ce que je voulais dire, juste ce que je trouve un peu dommage, c'est que dès qu'un mec fait commerce avec la Chine, tu dis tout de suite, c'est un putain de collabo Chine communiste. C'est con, quoi. Je veux dire, les mecs, ils vendent des ports USB, c'est comme ça. Il faut qu'on fasse appel aux Chinois, quoi. Tu vois, je veux dire. C'est un peu caricatural, je ne dis pas ça. Je dis par exemple, quand Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, d'accord, quand elle va 4 fois en 4 ans en Chine pour nouer des accords avec le Parti communiste chinois et qu'en 2015. Mais des accords commerciaux. Non, des accords universitaires de recherche qui font venir plein d'étudiants chinois ensuite qui nous pillent nos technologies, nos recherches. Et qu'avant ça, elle a fait venir à son université dont elle était la présidente en 2015, l'université de Nice, Sophie Antipolis, un institut Confucius qui est l'outil de propagande. C'est pour ça que moi, je suis béton, si tu veux. On peut me critiquer, mais c'est souvent parce qu'on ne m'a pas lu. Quand on lit, on m'écoute, j'ai des faits de tout ce que j'avance. Je ne me permettrai pas. C'est pour ça qu'avant de parler de la Chine communiste, j'ai enquêté 3 mois. Voilà. J'ai enquêté de janvier, le début de la pandémie, j'ai suivi ça de très près, jusqu'en avril, le 2 avril, c'est la date de ma première vidéo. Donc, je suis béton. On peut aller sur mes sites, même en public, sans payer. J'ai des dizaines et des centaines même de visuels. D'ailleurs, ma vidéo où j'accuse, j'ai plein de ces visuels-là où vous faites pause parce qu'il y a tellement de choses à lire et à découvrir que personne ne vous dit jamais. Je suis censuré. C'est hallucinant, non ? Tu ne trouves pas que toutes ces enquêtes-là, c'est apporté à l'intérêt des Français, non ? Il faut qu'ils soient informés sur leur énergie. Non, c'est intéressant. Moi, si je peux me permettre un conseil, il faut éviter de...
j'ai envie de te le dire de façon simple parce que je suis fatigué, des fois de partir en couille parce que ça te décrédibilise, voilà, c'est tout. Parce que bon, moi j'ai juste une question avant qu'on se termine. Alors déjà une question subsidiaire, est-ce que tu manges un riz cantonné de temps en temps, est-ce que vous faites une soirée avec des nems et tout, ou est-ce que vraiment non, tu sais, toi il faut pas te parler de panda et de riz cantonné, de riz collé, je sais pas quoi. Il y a un resto chinois ici sur l'île, mais il est loin. J'ai pas de voiture, donc j'y vais pas souvent. Oh, fais-nous un vlog depuis le resto chinois, on sera mort de rire. Et sinon, pour terminer, dernière question, et merci d'avoir été là ce soir. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire, putain ? Toi, tu voudrais ostraciser la Chine, c'est ça ? Tu voudrais que tous les pays soient tous à ostraciser les rapports avec la Chine, les rapports commerciaux. Donc si jamais il y a des minerais précieux ou je ne sais quoi, on n'a plus de port USB ou je ne sais quoi, des batteries solaires, on se démerde, comment on fait ? Elon Musk, toi, tu voudrais qu'il se passe quoi pour trouver ça normal, finalement ? Non mais moi déjà, par rapport à la Chine, tu voudrais quoi ? Qu'on les ostracise ? Mais ils vont s'ostraciser tout seuls, en fait. Ils ont déjà commencé à découpler, là. Ils ont retiré plein de grosses entreprises de la bourse de New York, parce que les Américains leur demandent maintenant des preuves de tout ce qu'ils apportent, et ils n'en ont pas. Bref, donc c'est eux qui sont en train, comme la Russie, ces pays, c'est pas que la Chine, moi j'ai jamais dit que c'était que la Chine, c'est les communistes alliés avec les islamistes, ou les pays musulmans. Ils ont fait une alliance, il y a une alliance là des dictatures mondiales, dans le monde, pour créer, avec l'ONU, avec toutes ces conneries... C'est vrai que ça donne envie, islamo-communiste, ça donne envie quand même. Ils sont alliés, c'est des au détriment de souvent des musulmans comme les Ouïghours qui sont mis dans les camps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les pays islamiques, ils soutiennent à fond, ils s'en foutent. Parce qu'ils récupèrent aussi des organes halal. C'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il y a des chairs, des émirs, là, dans le Golfe, qui récupèrent, et ça c'est documenté, hein, des organes pris de force sur les Ouïghours qui sont mis dans les camps. Donc il faut comprendre aussi la mécanique. Il y a le plus grand marché d'organes au monde aujourd'hui, il est en Chine. Hein. Donc, après, bon, si les gars ils sont islamo-communistes, on va les combattre, hein, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Hein. Non, j'ai pas dit ça, il faut écouter, il faut pas dire n'importe quoi. Une alliance entre le monde musulman et les communistes. Oui, mais c'est déjà ce que dit Huntington, si vous lisez le Choc des civilisations, il dit qu'il y a une alliance entre l'islam, le monde islamique au sens large, et alors lui, le monde chinois, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le monde chinois est allié avec la Russie et avec les communistes dans le monde entier. Et donc, le communisme n'est pas mort, c'était une ruse. Donc, il faut bien comprendre qu'on est en Troisième Guerre mondiale, parce que la Chine nous a attaqués, la Russie est alliée avec la Chine, elle nous menace du feu nucléaire, avec Kaliningrad, ça, personne parmi les patriotes français n'en parle, c'est quand même hallucinant, ils l'ont dit à la télévision Russia One, ils nous ont menacé du feu nucléaire, Paris est à 200 secondes de Kaliningrad, ils ont menacé nos alliés, Berlin, 106 secondes, et l'Angleterre avec, on va faire péter un truc dans les eaux territoriales de l'Angleterre qui va recouvrir l'Angleterre d'un tsunami géant. Donc tout ça, ça peut paraître du folklore, etc., mais les Ukrainiens aujourd'hui, ils crèvent, voilà, et leur pays est détruit en ce moment. Donc c'est réel, et ça arrive, et donc il faut choisir son camp. Donc soit on est occidental, et dans ce cas-là, on se met du côté des Américains, aussi imparfaits soient les Américains, et il y a des collabos à la tête, je suis au courant, hein, moi je le dénonce tout le temps, mais c'est pas les États-Unis, c'est pas Joe Biden, et Joe Biden, c'est pas les États-Unis. C'est juste un mec qui a été mis là parce qu'ils sont infiltrés par la Chine communiste et qu'il y a plein de collabos, mais il faut pas distinguer, il faut distinguer en 40, par exemple, De Gaulle et Pétain. C'était pas la même chose. Donc il y avait les collabos, il y avait les résistants. Bah, aux États-Unis aussi, il y a des collabos, il y a des résistants. Donc nous, on est les résistants français. Donc on désigne le communisme comme ennemi principal. Du coup, tous les alliés du communisme sont nos ennemis, donc l'islam aussi. Et donc là, vous pouvez vous y retrouver, si l'islam, vous estimez que c'est l'ennemi. Par contre, ne mettez pas les musulmans dans ce cas-là, sauf quand les musulmans prennent, quand des musulmans individuellement prennent parti pour l'ennemi. Là oui, là c'est individuel, c'est un choix individuel. Et si vous-même vous êtes du côté russe ou chinois, vous êtes mon ennemi et les ennemis de ce que j'estime être la résistance française. Je l'explique très bien dans cette vidéo, j'accuse. C'est ma vidéo la plus aboutie, je pense, au niveau visuel et au niveau du fond. Donc j'en suis assez fier et on peut comprendre ce que je veux en regardant cette vidéo. Mais c'est contexte Troisième Guerre mondiale. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est en Troisième Guerre mondiale, on croit qu'il y a encore le grand remplacement, machin. Mais ça, c'est un truc à très long terme. Et puis, ça viendra à terme aussi si on détruit le communisme en France. Il n'y aura plus de grand remplacement. 90% des gens qui sont là, sans vraiment le vouloir, mais pour l'argent, eh bien, repartiront. C'est comme ça. Ils suivront leur intérêt. Comme ils sont venus ici parce qu'on leur a tout donné sur un tapis rouge, pas nous, mais nos connards de dirigeants, eh bien,
Et beaucoup repartiront, pas tous, on gardera les meilleurs justement. Et ceux qui repartiront, ce sera ceux qui se sentent plus à l'aise en Afrique ou en Asie ou ailleurs, parce que là-bas, il y a leur culture, il y a leur foi, et puis il n'y a pas l'argent pour les retenir ici. C'est aussi simple que ça, moi c'est ce que je prône, voilà, pour répondre à ta question, bébé. Très bien, moi, merci. Merci Jean-Robin, merci mesdames et messieurs, merci les internautes hein, dans le chat et en replay, salut à vous, mettez un like, c'est gentil, merci. On se quitte sur ça. Voilà, bah écoutez, bonne soirée, merci d'avoir été là, c'était la reprise des lives de VV. Je vous donne bonne rendez-vous. Soirée. Hein. Merci pour demain à 21h. Et merci à Jean-Robin bah, pour d'être venu. Ouais, merci Jean-Robin. Allez, salut. Merci les mecs, je mets l'écran de fin, à bientôt, bonne soirée, ciao. Yeah. Cette nuit j'ai fait un rêve merveilleux. J'étais noir, j'étais fort. J'étais beau, j'ai aidé la société à progresser, à s'élever. Mais malheureusement, le réveil a sonné. Qu'importe les pays, tout le monde mélangé, tout le monde métissé, que rêver de mieux sur cette planète, la Terre.